Mais bah attends, euh, ma radio elle marche plus. agressive, intérêt, hein, Wassel! Hein, eh oui, gros. Mais moi, je vois toujours pas le live, dès que ça apparaît. Attends, donne-moi juste le code. Quel code De du privé. Oh merde, je l'ai pas gros. Ah non c'est bon, c'est parfait, c'est bon. <laughs> bah on est en live sur YouTube en tout cas. Euh, sur, ok euh, merveilleux. Sur, euh, sur Facebook. Là, ah, si, là tu hein, stream ouais, sur vrai, Facebook ouais, oui, et gros. YouTube genre ce soir. Euh, ouais. Nice. Bah, moi je vois toujours pas le live. Salut à apparaît. tous. Je, je sais pas si vous me voyez pour l'instant, le live a commencé Attends donne-moi juste le code pas, Hello les babayes. Salut à tous les gars. Oh merde, je l'ai pas. Non, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, ou là, ça a failli passer. Nul. Bah, on est ah, en est live. C'est un move à la Farouk. Ah, ok euh, merveilleux sur. Euh... Ouais, c'est bon, c'est bon, ça marche. Ça, Facebook. Là, c'est ouais. Oh putain, ça a failli passer. Ouais. Euh, ouais. Ça aurait pu être pas mal, hein. T'as vu ça un peu Les gars, par contre, je pourrais pas suivre, tu sais, les deux chats, genre. On va s'en occuper, Sofa. Ok, merci les gars. Yo, salut Lucas Salut à tous, les gars. Hello Hello. Bon que Merci monde, euh... de nous rejoindre sur le live. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le pour le, le live à Farouk pour son premier live. Ça mérite bien un pouce bleu quand même. <laughs> ouais, j'avoue. Mm -hmm. En plus il est un petit peu stressé. Et ouais c'est bah, normal. Hein. C'est <laughs> normal la première il fois un petit peu. Non, <laughs> ouais, ouais. non mais c'est cool. C'est cool ouais. premier live et tout. En vrai, t'as l'habitude des lives, c'est juste pas sur ta chaîne. j'ai l'habitude. Voilà, j'ai l'habitude avec les gens, mais moi tout seul, ouais, non. Et salut Théo, salut Mathéo salut Clix, salut Lucas. Hello les gars. Hello, hello. Attends, parce que peut-être il sait pas avec qui tu es là, peut-être. Il faut que tu nous présentes en premier lieu. Ah oui, c'est vrai. Je suis avec Escape FFV, alias Antoine, ou au contraire. Escape FFV, tu m'as appelé. Non, Escape. Calme-toi, calme-toi. Ok, je retiens. Et euh, je suis avec Marius aussi, Marius FPV, mon, mon partenaire de training. Salut les gars! Elles ah, sont pas mal ces petits traits. Ouais, je suis pas Marius. Salut, je les avec Salut, Dame. Salut, Gecko. Hello les gars! Donc ce soir, programme de ce soir, Farouk va nous faire le professeur. Ouais. On va faire le ça, professeur. Ouais, c'est exactement ça. En gros, euh, je vais commencer par une petite introduction, dans le sens où genre, euh, on va parler de comment on considère, euh, comment on considère liftoff, comment aborder euh, l'entraînement sur liftoff, comment, enfin, euh, euh, il y a plein de trucs à savoir avant de commencer à s'entraîner, quoi. Parce qu'il y en a plein qui prennent le jeu pour, enfin le jeu, le simulateur pour un jeu. Et quand il va en mode jeu ou en mode chill, t'es pas vraiment concentré à vouloir progresser, tu vois. Donc on, on va essayer de mettre vraiment le point là-dessus, tu vois. On va avoir toutes les bonnes conditions réunies pour progresser, c'est ça. Ouais, exactement. Oh, ok, ok. Intéressant. Salut, merci. Ouais, j'attends que, je, que ça, 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 ça se ramène un peu plus et ouais, on va ouais, commencer. Ouais, hein, tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Farouk est là ce soir. Ouais, n'importe quelle, quelle question. Voilà. Sur tout ce qui Vachez concerne le FPV, et... Setup, euh, enfin, même des questions pour le, le vol IRL, euh, enfin, sur Lift Off, tout ce que vous voulez, les gars. TGI, hein. TGI, ouais, pas, euh... pas aussi. Ouais. Une question qui revient souvent, Farouk, et je les envoie sur ta chaîne, enfin, je les envoie te voir toi. Ouais. On me demande si euh, le système DGI passe sur les frames XB. Euh, ça passe, je, bah, souvent ouais. quand euh, on m'envoie des messages comme ça, je, je leur réponds, ça passe, mais voilà. il faut moder un petit peu. Ce ne c'est pas des modes qui coûtent extrêmement cher ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui peut vous print des, 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 des choses. Et euh, juste acheter des entretoises euh, un peu plus grandes, de passer de 30 à 35 et c'est tout. D'ailleurs, moi, il as quoi T'as juste. Euh, les... modé, bah, le, truc, bah, le, le support des antennes et le support de la cab en gros, c'est tout. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Regardez. Ça c'est un XB230HD modé. Il, a, est, ça, est, regarde, il est juste un peu plus haut, quoi, c'est tout. Hein. Bouge pas, j'ai envie de le voir aussi. Ah, puis l'air unit, il est tenu juste avec euh, un deux gros Colton. Ouais, 2 Risland ou un Risland, ça suffit. Un petit peu, il y a une belle présentation. Ouais, ouais, c'est. Qui c'est que t'as fait C'est mon, mon ami Crazy, bien sûr. Voilà, là, là. <laughs> il est trop chaud, le Crazy Mais c'est quoi ce logo, gros On a un logo, euh, c'est la guilde de The World of Warcraft, gros. Ouais, c'est. <laughs> le dernier live que j'avais lancé, c'était il y a des années, et c'était sur, <laughs> <jeu. rire> ah, sur un jeu. Ah, c'était sur un jeu, Ah, ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais. Ah, ce petit logo. Je suis pas né dans le FPV, hein. Ouais, ouais, ouais. <laughs> salut Farouk et Antoine, salut Jérém. Ouais, salut les gars. Merci d'être avec nous les gars ce soir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est pas encore fait. Et puis euh, voilà, on a hâte d'entendre les, euh, les premiers conseils de notre ami Farouk. Hein. Ouais. Ah, attends. Est-ce que je peux voir plus Yes, moi aussi je lâche un pouce bleu, tiens. Même. Et voler ben voilà, en attendant. Tu veux, tu veux qu'on vole ou tu voles toi Ouais, je vais voler vite fait. Voilà, fais-nous une petite démo, tiens. Vas-y. Je te regarde. On hâte que ce déconfinement il finisse hein, les gars parce que là euh, lift-off c'est bien mais euh, ouais. en vrai c'est quand même mieux hein. tellement mieux donc Farouk euh, dimanche prochain session alors ouais, hein. <laughs> ah j'espère bonard à... arrête quoi <rire> <rire> si si je vais voler avec Farouk <laughs> j'ai pas gonfle qui est pas d'accord <laughs> ouais <rire> ça va Yo, il est là. Il un petit fond musique, euh, Farouk. Même pas. J'avais peur ah ouais. de, de, de de me faire bloquer le son à la fin et de pas pouvoir, après, euh, tu sais, s'il y a une rediffusion, de pas pouvoir entendre le son, quoi. Ça serait un peu problématique, tu vois. Donc, j'ai pas mis si de mets, son. Si tu mets le son de Epidemic Sound, tu peux. Ah ouais, je peux. Ouais, 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 ouais. Ah si, on va régler ça, et essayer de, de mettre un peu plus de. Ouais, les gars, en gros, aujourd'hui, euh, bah, on, on va pas faire du, du gros freestyle, on va pas apprendre à faire du gros freestyle, on va commencer les choses euh, très calmement et on va faire les choses dans l'ordre. En gros, euh, moi, je vais vous apprendre aujourd'hui les deux tricks qui m'ont vraiment permis bah déjà de commencer à kiffer, parce que quand on place un premier trick, c'est assez cool, tu vois. Et euh, ouais, ça, ça motive à... Quand on le réussit, ça motive à en faire plus. Et, et c'est vraiment les deux tricks, on va dire, les plus importants. Enfin, pour moi, pour mon style à moi, c'est le plus important. Il y a l'éjecte et le juicy flick. Et on va apprendre à faire des échecs de plusieurs façons. Parce qu'il y en a avec beaucoup d'amplitude, avec pas beaucoup d'amplitude, il y en a à gauche, à droite, enfin on va essayer de les varier. Et pareil pour le juicy flick, le juicy flick, c'est pas juste euh, on fait un pitch avant et roll, on peut, le faire, euh, on peut le faire varier en vitesse, on peut le faire varier en... Je sais pas, moi on peut enchaîner quelque chose juste après pour faire euh, comme un double juicy flick. Enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de choses à apprendre pour ces deux tricks. J'espère que ça va vous plaire. Normalement, ça devrait. être hein. ouais, cool, ouais. Ouais. C'est une bonne base ça. C'est des bonnes bases, des Yo, bonnes ouais, bases pour commencer. Et, et c'est vrai que, comme tu dis, quand tu sais déjà les maîtriser, et ce qui est pas facile, parce que les dans tous les sens, ah, c'est pas facile. quand même. Hein. Moi, je me rappelle au début, ah, c'est vraiment pas facile. Ah, je me rappelle. Ouais. Ça demande beaucoup ah, de temps. Ouais. C'est ça. Ouais, ça demande vraiment beaucoup de temps il faut pas aller sur le simu en mode euh, ouais je vais aller un peu m'entraîner en mode euh, en mode avec euh, euh, copains voilà pour, rigoler, voilà, pour, pour avec, bah, comme il a dit antoine exactement il faut vraiment y aller en mode euh, voilà aujourd'hui il faut que j'apprenne un truc vous fixez des objectifs euh, je sais pas moi imaginons vous maîtrisez pas ben, l'éjecte vous vous dites voilà ouais, aujourd'hui il faut que je bosse l'éjecte à fond même si je dois le faire 250 fois je vais le faire 250 fois et ça va passer après c'est vraiment comme ça qu'il faut se dire les choses, euh, on va parler aussi euh, du simu, le simu pour commencer euh, c'est sûr que c'est pas la réalité, c'est clairement euh, pas du tout la réalité, la gravité elle est différente et moi de mon avis on trouvera jamais un simu qui nous donnera les mêmes sensations que notre quad IRL, c'est pas possible Merci on a tous des configs non, différentes, non, non, non. on a tous des moteurs différents, on utilise tous des batteries différentes. Enfin, que ce soit en taille, en poids, en marque, euh, c'est pas possible d'avoir un, un, un setup euh, vraiment comme ce qu'on a en IRL euh, sur Simu. Moi je, je me suis enlevé l'idée depuis longtemps et du coup en fait, ça m'empêche ça, ça me bloque pas en fait dans le sens où genre tant qu'on a cette idée en tête de du Simu, c'est pas la réalité, bah on est bloqué, on essaie de chercher un autre Simu. Du coup, on va à droite à gauche, on essaie de voir Vélocidrone On essaie de voir Enfin euh, GTA On essaie de voir un peu tout Mais au final C'est la même chose Que ce soit Au final on progresse pas Exactement ouais. Moi je conseille bah, je conseille pas forcément Lift Liftoff Bon moi Liftoff C'est celui que j'ai commencé Et celui que j'ai kiffé Tu vois Mais euh, Moi je conseille pas vraiment Lift Liftoff N'importe quel simu Pourra faire l'affaire Mais il faut pas lâcher en fait Il faut pas se dire Ouais là la gravité Elle est pas bonne ou quoi Un move c'est un move Quand on travaille un move sûr et certain il va passer en vrai. Moi je sais que quand je travaille un move, le seul truc que j'ai à me dire en tête c'est que la gravité elle n'est pas pareille et que quand je place un inverted par exemple, je sais très bien que sur lift off je vais rester 2 secondes et en vrai ça sera 1 seconde et demie voire 1 seconde. Je le sais. Du coup j'accélère un peu mon freestyle mais juste en appréhendant comme ça, il faut le savoir que la, la gravité elle est, elle est pas bonne et du coup grâce à ça, ben, on, franchement ça nous permet... Enfin euh, moi personnellement lift off m'a tout apporté. Euh, voilà ouais, le... moi aussi et puis on ouais, sait que la première lipo euh, c'est toujours la lipo de, de transition entre euh, le simulateur et, euh, et euh, la vraie vie ouais exactement on, on reprend les rails dans main parce que les rails sont pas tout à fait euh... pareil ouais. Oh, ouais et on reprend et surtout euh, la gravité quoi yo salut les nouveaux ouais y a crazy qui nous a rejoint y a une question pour toi Farouk ouais. dans le chat c'est Farouk quand tu es passé en HD euh, eu, euh, Est-ce que tu as eu un effet de peur en voyant euh, les décors beaucoup mieux ou pas forcément Alors moi je vais donner mon point de vue et je pense qu'il est un peu différent de, 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 de ce que pensent les gens parce que j'ai entendu plusieurs fois euh, le côté déstabilisant de, du HD. Et moi personnellement je vole vraiment pour le freestyle. Ça veut dire que le décor... Euh, L'effet, ouais, je suis un oiseau, je vole, je suis vraiment pas là-dedans. J'ai aucun plaisir à, à prendre mon coup à dévoler. C'est juste vraiment quand, pour faire des vidéos. Ça veut dire que quand ma, 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 ma GoPro n'a plus de batterie, moi j'ai plus envie de voler personnellement. Tant que je peux pas enregistrer mon run, ça me sert à rien. Donc du coup, je suis pas focalisé en fait sur ce que je vois. Je suis vraiment focalisé sur le freestyle. Et en gros, moi, ce que j'ai cherché à comprendre la première lipo que j'ai fait en HD, c'est vraiment. Est-ce que ça va répondre comme je le veux Est-ce que ça va... La latence va suivre parce qu'on a tous cette peur au début. Et yeah. Franchement, c'est juste la folie. Ouais, euh, on, a, on a une vision bien meilleure de tout ce qui peut être Ghost Branch. Euh, euh, des fois, on va dans des endroits où c'est trop rempli de, de, de glitch. Bah ça, c'est fini en fait. On peut se permettre d'aller se balader même quand ça devient très pixelisé. Moi personnellement, ça me dérange pas parce qu'on voit quand même mieux que ce qu'on voit en DVR, en DVR analogique, personnellement. Salut Slater Salut quand slider. Est, salut slider, ouais. Même quand c'est pixelisé, personnellement, moi je vois mieux que le, le DVR analogique. Après, moi j'ai des, des DOM V3, donc euh, je peux pas vraiment juger ce qui ont des HDO2 ou des HDO. Clairement, ils ont une meilleure image de, que, que ce que j'ai moi en DOM V3. Mais moi en DOM V3, c'est juste pas possible. C'est vraiment Hello hello, hello. good and Go Qui nous a rejoint aussi Ouais salut à tout le ouais, monde Ouais mais non Faro, Faut juste que ouais, tu salut. les yeux C'est juste ça les gars Fallait juste ouvrir les yeux euh, Dans les lunettes euh, Voilà C'est pas compliqué <laughs> Non non mais L'analogique ça fait le taf Clairement Mais euh, Franchement quand on goûte au HD C'est vraiment très difficile Après de D'oser regarder Un DVR analogique Vraiment Ouais, et puis c'est un confort de ouf en fait, genre il y a plein de petits trucs qui fait oui, que tu vois tout clairement, tu vois tout, ne serait-ce que la moindre petite brindille d'herbe, on la voit. Alors en que parlant de... en parlant ouais. de confort, euh, qu'est-ce que vous en pensez alors des, des, du masque Honnêtement, on s'y fait ou comment ça fait Bah franchement, on s'y fait, mais il est pas ouf. C'est-à-dire ouais, que si tu pilotes avec la, le soleil derrière toi, bah t'as des grosses taches sur tes écrans quoi à cause du soleil. Euh, tu veux dire qu'il rentre Genre, genre euh, ouais Il y a vraiment rentre. le soleil Qui rentre dans le masque quoi Ouais mais ça Une fois que t'es dans les lunettes Dès que t'es en vol tu, tu fais plus attention Non tu fais plus attention Mais Ouais ça, enfin, ça, est, est ça, ça peut être fort. un peu gênant quoi Pour ceux qui ont un, un peu un gros nez aussi Ça peut faire mal au nez La mousse d'origine ah ouais Mais, mais j'ai entendu Enfin plusieurs personnes Qui ont acheté la mousse euh, La nouvelle mousse de DGI Et de ce que j'ai compris et bah, Elle est top hein. Pour le nez et tout Ça règle beaucoup de problèmes Ok Ouais Intéressant, intéressant. Si Fais voler au Marius, euh, dame, il te dit, euh, Allez, Farouk. Allez, Marius. <laughs> ouais, Farouk. Marius, ah bah es tiens, en live, il était, attention Il était en train de voler, déjà. Damn Oh punaise, c'est fini. Non, c'était moi. <rire> <rire> euh, ouais... L Écran cramé par le ouais, soleil. Sliter, il, je crois, il t'a posé tes lunettes contre le soleil, non non, mais... non, c'est pas. Euh... Non, c'est juste. Euh, je vois le reflet du soleil en fait. Enfin, c'est juste une petite tache Enfin, pas, pas une tache mais je vois. Euh... En fait, je vois ce qu'il y a derrière moi. Non, euh, c'est. Point... Là, c'est Slider qui a dit ça en fait. Euh... Sur son masque à lui. Il a deux points ah, jaunes okay. maintenant. Et ah ouais. de ce que j'ai compris, c'est deux. C'est deux points cramés, quoi. Euh, de l'écran. Mais ouais, euh, moi, j'ai jamais fait ça personnellement. Et mes lunettes, elles sont encore nickel. J'ai vraiment pas de. J'ai aucun souci au niveau de l'écran. Mais ouais, j'ai entendu que. Qu'elle euh, laissé un petit commentaire, il te dit euh, le masque est top, mais pas pratique au changement de hipo il me descend sur, les... sur la tronche perso. Et ouais, c'est vrai qu'il ouais, est un peu est gros. C'est vrai, vrai. Ouais, moi gros. aussi. Hâte qu'il sorte une autre version, quelque chose d'un peu plus light, un peu plus léger, ça pourrait être cool. Voilà, vous voyez Marius voler, les gars. Bah, pour savoir un peu la petite histoire de Marius. Euh, je t'ai rencontré il y a combien de temps exactement, Marius Je tu sais toi euh, pas, début d'été. Début d'été dernier. Ou fin Ouais. Bah voilà, depuis l'été dernier. Euh, bah je l'ai rencontré, on se voyait, euh, on se voyait sur le Discord de Weezer FPV, il me semble ouais, bien. Ça. Et du coup, bah il était super motivé, parce que c'est dur à trouver les gens motivés, parce que moi, je quand je distraieard le simus, et des fois je rentre du travail, je me lave, je me pose. Et là, j'enchaîne jusqu'à minuit, les gars. Sans blague. Là, au jour d'aujourd'hui, euh, j'en suis à presque 500 heures de simulateur. Donc, euh, en plus, hein Ouais, ouais. Donc, vraiment, faut, faut les... quand on dit tryhard, voilà, ce n'est pas des blagues. Et du coup, j'ai trouvé Marius qui était super motivé. Au début, je vous dis la vérité, les gars, même un éjecte, il ne savait pas le faire. <laughs> Mais vraiment, genre, même ouais, un éjecte, il ne savait situation. pas le faire. Et regardez ce que c'était en fait. Regardez son niveau aujourd'hui et voilà c'est juste en passant du temps sur le simulateur en ayant les bons conseils et en, en venant sur le simulateur vraiment pour s'entraîner quoi. Et quand vous regardez ces vidéos IRL, c'est exactement la même chose. Donc euh, j'ai entendu plein de personnes dire ouais le simu c'est pas pareil qu'en vrai etc. Pour nous ça a marché et on arrive à faire exactement ce qu'on fait sur simu sur euh, dans la vraie vie quoi donc euh, si ça a bon. marché pour nous enfin je vois pas je, je vois pas comment ça pourrait pas marcher pour quelqu'un d'autre quoi il y, y a plein de personnes qui Dès qu'ils testent le simulateur, ils sentent un, une différence avec leur quad et direct ils sont, ils sont déstabilisés et ils arrêtent directement. Ils ne vont pas aller chercher plus loin. Mais moi je conseille vraiment d'aller chercher très loin et d'oublier ces histoires de gravité, de setup mal fait, de je sais pas quoi. Même avec un setup mal, gré, mal réglé, j'en suis sûr, j'aurais. Je... Enfin au début, je m'entraînais avec un setup mal réglé et ça m'a aidé. Tu vois ce que je veux te dire ou pas donc, clair. donc, ouais, moi les histoires de, de simulateurs euh, personnellement, quand je vois, euh, oui, tel, euh, tel, telle personne a sorti un simulateur, un autre simulateur, là j'en vois, c'est carrément une flopée de simulateurs qui elle. commence à sortir. <laughs> moi, je vois clair. pas l'intérêt en vrai. Le simulateur pour moi, c'est pas un jeu, c'est pas un truc sur lequel je vais passer du temps parce que j'en ai envie, c'est vraiment pour m'entraîner, c'est vraiment un truc pour s'entraîner quoi. Donc, euh, à partir du moment où on a trouvé un qui fait le taf, ça veut dire qu'on a testé de faire des trucs sur le, le simulateur, on est allé en IRL, c'est passé. Bah, à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus à me poser des questions. Est-ce que ce simulateur il est bien ou est-ce que un autre il est bien bah, Les autres, j'ai même pas envie de les tester, quoi. Donc, euh, voilà, arr faut arrêter de prendre le simulateur comme un jeu ou comme un, un truc où on va passer du bon temps. C'est vraiment, voilà, lift off égale entraînement de freestyle. Après, quand clair, on est tous clair. ensemble sur le, le vocal et qu'on fait tous du lift oui, ensemble... Oui, ça, c'est euh... un plus. Ça, c'est un plus pour... Un euh, on, plus, ouais. Pour, euh, on va dire, tu sais, voilà, pour, moment, pour pas quoi. se faire chier, tu vois ce que je veux te dire. C'est vrai délirer que... Délirer dans... un peu, tu peux aussi délirer avec tes potes, mais c'est encore un autre, euh, un autre voilà, truc, quoi. c'est un autre truc. Moi, je sais qu'au début, je connaissais personne, jusqu'à que Thumb, il vienne vraiment s'entraîner avec moi. Et que là, tous les soirs, on était ensemble. Euh... Bah, ça me dérangeait pas quoi, j'étais là vraiment pour m'entraîner, j'avais vraiment l'envie de devenir bon. En plus, je volais avec Antoine, le mec il est monstrueux, j'étais enfin, ridicule quand je volais avec lui, donc ça m'a encore plus motivé. Euh, enfin, ouais, moi je sais que tout seul ça, a... ça a bien marché au début quoi. Je sais que maintenant je prends encore euh, plus de plaisir. Il y a une question Farouk euh, de Jérém qui te dit. Attends, c'est qui qui l'a posé la question C'est Jérém. Comment, tu sais, comment tu fais avec ta femme pour en faire autant Je peux pas moi. Et il tape une barre. <laughs> Alors le secret <laughs> de ma femme, c'est que elle est gameuse aussi. Donc euh, quand <laughs> moi je suis sur le lift off, elle, elle est sur un autre jeu en train de jouer. Voilà. Donc euh, elle ne peut pas m'en vouloir quoi. Elle a les mêmes <laughs> kiffs. Ouais ça non, c'est vrai, vrai que ça aide les gars. Ouais, je sais que. C'est pas toutes les femmes qui acceptent qu'on euh, est tout le temps sur le, le jeu. quoi. Alors tiens, il y a un truc qui est intéressant euh, qui a été relevé par Teddy, c'est qu'il faut quand même un bon ordi quand même. Malgré tout, pour, pour bah, déjà faire tourner lift off, ça paraît être la base hein, quand ouais, même. Bah, puis, oui. Euh... oui, clairement. Hein clairement clairement moi je sais que il y a plusieurs personnes qui se plaignent du simu dans le sens où genre il est il est mal optimisé comparé à des, des gros jeux qui sortent de nos jours moi je sais que mon pc de nos jours le, le dernier Call of Duty je le fais tourner à 200 fps en full qualité et lift off il y, y a des maps où ça descend. Propre, hein. bah, des fois il y a des Ton maps, écran, euh, gros on sent que es en 140 c'est du 144 ouais. hertz que ouais. tu as putain ça, ça se voit gros même sur le live ça je trouve que ça se voit c'est oh, non c'est cool hein. oh salut c'est cool c'est cool ça va ou quoi j'ai trouvé qui t'a une question d'ailleurs aucun plaisir à part ça ou euh, c'est juste de l'entraînement, rien alors, de plus Alors mon pur plaisir gros, c'est vraiment de, de faire du, du gros freestyle quoi, quand j'arrive à faire un enchaînement parfait avec du flow et tout, c'est vraiment là que je prends le, tout le plaisir, c'est vraiment un pur plaisir de faire du freestyle, hein. c'est vraiment pas une corvée ou quoi que ce soit, non non je vous en parle comme si c'était une corvée dans le sens où genre j'y vais vraiment pour tryhard, mais je prends plaisir à tryhard parce que je kiffe le freestyle et enfin j'ai vraiment. C'est ouais, ouais, limite ouais. toi là tu lances tu lances le son, euh, tu, 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 tu commences à rentrer dans ton flow ouais, là c'est c'est juste magique quoi. Bah ouais c'est vraiment ça que je kiffe quoi c'est clair c'est clair et puis non il y a toujours une part de plaisir parce que même si tu vas passer deux heures à tryhard il y a toujours une heure que tu vas passer avec tes potes à rigoler oui, oui, c'est ça tu switch ça. on se regarde voler bah, ça peut ce qu'on fait ouais, là, on se fait des petits jeux moment, quoi. on ouais, se fait ouais. des petits jeux on rigole on teste les raids des autres on vole chacun dans son tour on se donne des défis et puis et puis c'est parti en, en délire quoi mais à part ça ouais, j'y trouve je te jure c'est pas vraiment un kiff de faire ça quoi de... Enfin, de de m'entraîner sur le lift-off, quoi. Si J'y vais le plus, c'est vraiment pour performer en IRL, quoi. Mais sinon, après, ouais, c'est voilà, mon kiff, c'est vraiment de faire du, du joli freestyle, quoi. Quand je fais une session un peu foireuse, ouais, je suis vraiment dégoûté, quoi. J'ai pas le, 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 le plaisir de me dire, ouais, j'ai volé, c'était quand même cool. Non, j'ai pas ça. Et un crédit dit, tu peux mettre un peu de son euh, en fond euh, phare. Oui, je peux si tu veux, ouais, bien sûr. <laughs> Après, euh, mes sons les gars euh, souvent on me dit ouais t'écoutes des sons de tapette et tout euh. <rire> <rire> du coup voilà ça quoi. hein Farouk non mais voilà Tom il dit c'est des sons de des pucelles <rire> 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 ah ouais qu Est-ce qu'il dit Ezek Oui, du plaisir quand même et des bonnes rencontres aussi qui permettent de progresser avec euh, ouais, le multi. C'est clair. Ouais, alors, je connaissais pas Ezek. Euh, pareil pour. Euh, C'est vrai pour les pour, rencontres. Euh, ouais. Thum, je les connaissais pas tous ces mecs-là. Rasta et tout, on s'est tous rencontrés sur le multi. On joue tout le temps ensemble. Hein, on est tous potes quoi. C'est vrai. On se fait des, des discords tous ensemble et on travaille ouais, ensemble. C'est clair que, que ça forge cool. des liens. Genre au bout de, 2-3 au bout de deux, trois mois, as envie d'aller faire une session avec ce mec-là, tu vois C'est clairement ça quoi le gars qui vole sur le live c'est lourd il a dit euh, ouais. ah, merci mec c'est Marius merci bro hmm. ah ouais, moi ça me fait plaisir je suis vraiment fier de, de Marius parce que j'ai vu l'effort qu'il a, qu a donné enfin, je, je l'ai pas je, je l'ai pas on va dire comment on dit je lui, je lui ai pas fait de cadeau dans le sens où genre ouais j'y allais direct dès qu'il y a un truc qui allait pas je lui disais directement etc enfin ouais ouais il a accepté la critique t'as eu un entraînement à la dure toi et, <laughs> il, il a accepté la critique et ouais franchement mm -hmm. de nos jours je suis vraiment fier de ce qu'il fait je limite euh... limite il y a des vidéos qu'il fait Et ça m'inspire les gars franchement c'est pour vous dire à quel point il a progressé quoi enfin ouais, moi je trouve que c'est le meilleur exemple en fait qui peut vous montrer que en si peu de temps on peut vraiment devenir très bon juste en ayant envie quoi Vraiment, il faut, en, faut avoir envie de faire ça parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile. Hein. Je sais qu'il y a, des, y a des, des fois, tu passes des mois sur le simu, tu n'arrives pas à progresser et tout, tu stagnes un peu euh je sais je, je ferais l'analogie avec euh, la musculation des fois euh, on fait de la muscu pendant je sais pas moi 6 mois on se tue on se tue mais on prend pas de muscle et ben c'est exactement la même chose pour le, le simulateur des fois ça paye pas comme on voudrait mais il faut pas lâcher l'affaire parce que sinon mmh. ben, moi clairement je vole que le samedi euh, le, 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 ah, la, la semaine, je, je travaille, je peux vraiment pas me libérer pour aller euh, pour aller voler. Les spots, ils sont minimum à 35 voire 40 km de chez moi. Donc euh, moi, je peux voler que le samedi. Ça veut dire que si j'ai pas le lift-off pour m'entraîner le samedi, bah c'est mort quoi. J'aurais pas progressé. C'est sûr qu'en une semaine sans rien faire, je vais ça va pas venir tout seul quoi. Tu as une question de Go qui te dit comment tu organises tes entraînements Tu t'entraînes à faire chaque figure indépendamment oui. ou des enchaînements Et comment as-tu géré euh, le plateau que tu as atteint un moment Alors, euh, dès le début, en fait, la meilleure chose à commencer à faire, c'est bah, déjà essayer de loquer son freestyle. Locker son freestyle, ça veut dire c'est comme ce que, ce que fait Marius là, il n'y a pas de correction en fait, il essaye de faire le moins de correction possible, ça veut dire que dès qu'il entame une ligne, il la suit jusqu'à la fin en la, en la guidant tout, tout doucement en fait, on ne le sent pas en fait qu'il y, qu y a une trajectoire corrigée. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire parce que mmh. c'est comme ça qu'on obtient un freestyle super propre et super loqué mmh. En fait, euh, j'ai entendu plusieurs personnes qui disent que bah, le lock c'est le tune du quad. Non, le, le, le tune c'est 20% du lock. Le, le reste c'est vraiment les doigts et comment tu t essayes de faire ton freestyle. quoi Donc euh, la base, moi je dis, c'est essayer de voler smooth comme euh, essayer de voler smooth sans faire de figure, euh, Marius. Ouais. L'entraînement voilà, de base, c'est de, de, voilà, de faire un peu de, de, de cruise sur, euh, sur n'importe quelle map, si vous voulez une map avec beaucoup d'arbres, une map avec pas beaucoup d'arbres. Enfin, vous faites ce que vous voulez au niveau de, du choix de la map, mais vous essayez voilà, de gérer votre freestyle, de gérer vos courbes, de gérer vos trajectoires sans faire de, de correction. C'est vraiment la base, les gars. Pour moi, c'est la base. Ouais, c'est vraiment, vraiment ça qu'il faut faire en premier. Après, euh, une fois que vous avez ça, ah. ce que je conseille, c'est que c'est vraiment de se faire un répertoire de tricks. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que les tricks, ils ne sont pas innés. Il faut obliger les tryhards plusieurs, plusieurs, mais vraiment plusieurs fois pour les maîtriser parfaitement et pouvoir les placer à chaque fois. Et imaginons que vous ne maîtrisez pas le Juicy Flick parfaitement, bah vous vous entraînez à le placer. Euh, plusieurs fois, même s'il faut le faire 200 fois dans la soirée, il n'y a pas de souci les gars. faut vraiment qu'il rentre parfaitement. Ça veut dire que dès que vous le faites, il faut qu'il n'y ait aucune erreur. Et pour vous dire, même après l'avoir fait 250 fois, ça arrive des fois qu'il bah, y ait une petite erreur. Quoi. Donc euh, voilà, vous faites un répertoire de tricks. Et la dernière chose à, à faire pour euh, structurer son freestyle, on va dire, c'est de... On a tendance à faire un trick, c'est s'arrêter en fait. On fait un Trix, là, on arrête le quad et on repart. Bah en fait, cette coupure-là, bah c'est ce qui va gâcher la line, en fait. Donc, en gros, moi, ce que je conseille, c'est de, de vraiment enchaîner derrière un Trix. Vous faites un Juicy Flick, bah juste derrière, vous faites un move. Voilà, comme ce que fait Marius, là. Vas-y, fais un Juicy Flick et, entraîne, et enchaîne derrière. Si ok. Cool. Voilà, exactement comme ça alors vous avez vu il a il a il a arrêté son son, son trick c'est juste derrière il a, il a bloqué voilà il est, il est parti en arrière c'est vraiment comme ça qu'il faut faire quoi t'en penses quoi toi Antoine t'as un truc à rajouter au pire par rapport à ce non que non, je... Non, non je suis en par train de lire au... un commentaire comment... ouais. euh, je disais un commentaire euh... Tac tac, l'investissement... Enfin, euh, la suite, le simu fait progresser IRL. Oui, c'est clair, voilà. Fab's il a raison, le, le simu, ça fait progresser IRL et puis ça évite de la casse finalement. En bah, réel. clairement, clairement. Si tu as envie d'envoyer du lourd et sans casser, ou en moins en limitant la casse. Oh, moi, c'est le contraire, hein, j'envoie plus depuis que je fais du simu. <rire> <rire> ouais, mais c'est contrôlé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Quand tu crashes, tu prends plus des, des gros crashes quoi. Je sais pas, pas qui fait les raids, je vais remettre les anciennes. Un truc à rajouter toi Marius T'as un conseil à donner ou quoi Euh... Non Par mais rapport euh... au début que j'ai donné là Non non c'était... C'est euh... Je suis d'accord avec ce que t'as dit ouais non, mais c'est clairement ça, hein. tu as vu, tu te rappelles quand je te disais euh, fais-toi un répertoire de tricks, fais-toi un répertoire de tricks. En gros, tu tournais en rond, il maîtrisait que l'éjecte, par exemple. Au bout aller au bout d'un mois d'entraînement, on va dire, il maîtrisait que l'éjecte. Et il en faisait partout, en fait. Il en faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je lui disais, voilà, fais-toi un répertoire de tricks pour pouvoir enchaîner sur autre chose. Parce que faire les mêmes tricks tout le temps, bah, ça donne un côté répétitif, quoi juste ça déjà, juste ça déjà, il faut que Antoine il me donnait un exercice au début quand j'ai commencé, un exercice sur lift lift-off qui, qui consiste en, alors vous, vous, si vous faites un, je sais pas, si vous faites un trick à gauche, vous enchaînez avec un trick à droite. Si vous faites un, un trick inverted, ouais. ben vous vous enchaînez avec l'inverse. Et, et tout le temps exactement faire ça pour pouvoir varier en fait. Et ne serait-ce que faire un juicy flick à droite suivi d'un juicy flick à gauche, ça paraît stylé alors que faire deux juicy flicks à gauche, ça paraît pas beau. Exactement. Répétitif quoi. Oh David, ça va quoi Hop. Euh, ouais. C'est ah. clair, c'est clair. Alors David, ouais, il aborde... ouais. David, il aborde une bonne question là. Ouais. Il dit avec les mêmes tricks que tout le monde, qu'est-ce qui fait que bah chacun a une personnalité dans son vol, quoi Bah moi je dirais c'est clairement le flow. Hein. Quand on commence le freestyle au tout début, on a tendance à faire les, les tricks un peu robotiquement. Ça veut dire, euh, voilà, on place un juicy flick et on s'arrête, on fait autre chose, etc. Mais en gros, on peut jouer sur la vitesse de son freestyle. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand on va enchaîner un trick, on peut le commencer rapidement et le terminer très lentement. Ne serait-ce que faire ça, ça, ça va rajouter un flow. Je ne sais pas si tu peux me donner un exemple de, ce, de, de ça, euh, Marius. Ah, attends. Euh... Tu sais je sais pas, tu fais un truc super agressif et tu le termines en mode euh, sortie hyper lente quoi. Euh... Ça par exemple Vas-y montre. J'arrive pas trop attends. Ouais, c'est dans la pression. Dans, aussi, quand t'es pas dans le flow... Euh... Non mais c'est à peu près ça, ouais, c'est à peu près ça, sauf juste que tu fais un petit trick et du coup on n'a pas le temps de voir, tu vois, mais c'est exactement ça. En gros, c'est donner un tempo à son freestyle. C'est vraiment ça qui donne une personnalité à la personne parce que le tempo, c'est vraiment, c est, c est quasiment impossible à recopier. Euh, chacun va donner ça, son, son propre tempo à ses moves. C'est vraiment ça qui donne une personnalité à une personne. Moi, je trouve. Hein, quand on regarde, quand on regarde je sais pas moi, euh, Blackbird et Cocos, les deux par exemple, qui ont un style similaire mais exécuté différemment. Bah clairement les deux ils sont très 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 différents quand on les regarde. Pourtant quand on regarde bien c'est quasiment les mêmes moves qu'ils font, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils les exécutent chacun à leur tempo et c'est vraiment ça qui leur donne une personnalité quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment ça qui donne un, un truc au freestyle et c'est vraiment ça qui, qui me fait kiffer, en fait, la diversité. J'aime bien qu'il y ait des ouais. nouvelles personnes qui, qui percent dans le freestyle parce que ça donne un nouveau truc au freestyle. Il, ça, il aura beau faire du juicy comme tout le monde, bah, il aura sa chaque marque, son, en fait. Tu vois son flow, ouais. Et du coup, Exactement. ça vient rajouter un truc à tous les pilotes qu'on connaît, etc. Et c'est vraiment ça que, que je trouve vraiment magique. Quoi. Hello David, j'avais pas vu que tu étais arrivé. Ça va David fait plaisir de te voir sur le live. D'ailleurs, lâchez un petit pouce bleu pour le live à Farouk si ce n'est pas encore déjà fait, les gars. Ah, merci à tous. Ça tous, fait les gars. plaisir. Bah, j ai, j ai, euh, en fait, j'ai lancé cette initiative parce que je reçois beaucoup de messages pour, pour des gens qui, qui veulent des conseils, des gens qui veulent des conseils sur à peu près tout, hein, pas que sur le, le, le freestyle et le lift-off, mais sur le setup, sur, euh, sur plein de trucs différents. Quoi. Et je me suis dit des lives un peu chill comme ça, où on va vous apprendre deux tricks par soir et en plus de ça, bah, parler et répondre euh, un peu à tout. quoi bah. Franchement, je trouve, je trouve ça cool et ça peut aider la communauté. Parce que moi, j'ai eu la chance de commencer avec un groupe. Qui maîtrisait déjà son, le, le domaine. Donc, je suis arrivé, on m'a directement aidé pour fabriquer ma machine. J'ai rencontré Antoine, qui est, qui est ouf et qui m'a vraiment euh, appris à, à structurer mon freestyle, etc. Et sans eux, je sais que je serais comme tout le monde, en train de, de poser plein de questions un peu partout et tout. Donc, euh, moi, quand je vois des personnes poser des questions un peu bêtes, on va dire, dans le sens où, genre, nous, on, on, on pense qu'elles sont bêtes parce qu'on connaît et ça paraît évident. Mais il y a des personnes qui ne sont vraiment pas dans le milieu et qui posent des questions, des fois et qui se font tailler, c'est 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 gentil dans, dans le sens où genre les gens font pas ça vraiment pour tailler la personne ou pour pour vraiment euh, lui nuire, tu vois. C'est un truc voilà, j'ai remarqué que dans le monde du FPV chacun aime bien faire hein. chacun <rire> bien fait rire un peu tu vois et du coup ben bah, quand quelqu'un fait une genre ce genre de blague ça fait rire tu vois mais la personne en question les gars faut vous mettre à votre à sa place s'il faut il, il a tout donné pour euh, commencer le freestyle ou commencer le fpv et nous enfin on, on le traite comme ça et ça peut vraiment donner une sale image et le mec le car ouais, carrément le dégoûter quoi donc ouais moi je suis un peu dégoûté quand je vois des posts euh, comme ça et du coup je me suis dit que des lives de ce type là ça pourrait vraiment Aider que vraiment aider les personnes, quoi. J'ai pas l'habitude de faire ça en plus, j'ai jamais fait ça de ma vie, des lives, parler en direct avec des personnes, etc. Mais je me suis dit que voilà, j'ai cette, cette envie de faire partager le truc que j'ai reçu, quoi. J'ai eu un sorte de cadeau par les personnes que j'ai rencontrées et j'aimerais que bah, tout le monde puisse commencer avec euh, le même genre de conseils. C'est vraiment des conseils clés, les gars. Ça peut vous paraître un peu comme ça, euh, des conseils évidents, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui les appliquent. Hein. Moi, je le vois clairement. Hein. Ne serait-ce que quoi. quand je vois beaucoup de personnes se plaindre sur les simulateurs, je comprends que la personne, elle n'est pas vraiment là, elle n'a pas vraiment cherché à tryhard. Parce que Alors, quand, tu, ouais, voilà. quand tu commences à tryhard, vraiment, bah... C'est là que tu commences ah, et puis à puis Tu te dis que la personne, elle tu s'est sais, trop arrêtée à la physique du oui, jeu, elle ne s'est ouais. pas dit je vais essayer de rentrer des mécanismes dans mon cerveau pour essayer d'après de les reproduire en vrai, tu vois, quitte à ce que, ce, ce que cette gravité elle soit différente, on s'en ouais. fout. Tu vois, c'est de le prendre avec un autre œil, de l'aborder différemment le simulateur. Clairement, c'est vraiment ça ouais. que je voulais, je voulais lancer aujourd'hui, plus que les ouais, deux ouais. tricks qu'on va vous apprendre un, un peu plus tard, c'est vraiment la base, c'était vous faire changer d'avis sur comment aborder le simu et, et ce que c'est le simu pour nous en fait, c'est vraiment, je le, je le répète souvent, c'est limite euh, la chose la plus importante pour moi euh, le simulateur, hein, parce que c'est vraiment celle qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais pu sans ça, donc euh, je, 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 lift-off pour moi c'est quelque chose de très important et... Quand je vois des gens passer à côté, bah je me dis ouais, ils il passent vraiment à côté d'un truc, le, le mec, tu vois. Oui, oui c'est clair. Bien tu sûr, vois Romain, que... les lives sont replay. <laughs> Au final, comme tu disais tout à l'heure, c'est une question d'investissement parce que tu vois des mecs, ça fait 3-4 ans qu'ils volent et euh, bah ils stagnent en termes de niveau, tu vois. Et puis ouais. même nous en vrai, tu vois, moi regardé il n'y a pas longtemps, euh, j'avais plus trop le temps de faire du oui, simulateur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te voyais que moins. tu voyais, tu voyais, tu vois, bah voilà, j'étais plus là et. Ouais. Et Je sentais que je stagnais, tu vois. Et là, tu vois, bah, pendant le confinement, j'ai repris le simulateur. Ah, clairement, et là, on voit je vois un changement que... direct. Bah, ouais, exactement. Ah, non, vois. mais clairement. En fait, le freestyle, il est en constante évolution. Dans le sens où, genre, euh, ouais. les setups aujourd'hui sont ouf. On, on a le, la possibilité de faire des trucs vraiment, euh, vraiment insane. Et ouais, la gravité, franchement, on la maltraite. Hein. Les quads de nos jours, ils peuvent vraiment maltraiter la gravité. Et ça nous permet, en fait, de faire des moves complètement what the fuck. Donc, euh, au final, inventer des nouveaux moves, ça paraît un peu dur euh, au début quand on n'a pas l'habitude, mais, mais vraiment, quand on se lance dans un flow freestyle sur Liftoff et qu'on commence à s'envoyer, ça vient tout seul. Dès qu'on bloque sur un move qu'on a, qu a, qu a aimé, là on se dit ouais j'ai fait comment, j'essaye de le refaire, de le décortiquer et là ben, on essaye de le refaire et du coup on invente un nouveau move. C'est vraiment comme ça que je procède pour inventer des, des moves ou faire des nouvelles combinaisons, des trucs que j'ai jamais vus et j'essaye vraiment de me distinguer de, de ce que je vois. C'est pas vraiment une, un truc où genre j'ai pas envie de copier ou quoi que ce soit mais genre j'ai vraiment, euh, je considère vraiment le freestyle comme de l'art et j'avais bien envie de, de mettre euh, vraiment ma... Ben, mon... La pâte à l'édifice ouais, exactement. Genre, j'ai vraiment envie de mettre mon truc quoi. C'est vraiment ça que je trouve kiffant dans le, dans le FPV c'est que chacun peut venir et mettre sa, sa, sa pâte au truc quoi. Juste un peu de travail quoi, c'est vraiment ça quoi. Alors, tu ne mettrais pas une petite Hanover euh, euh, Oui, pourquoi pas Tant de changer, j'en ai un peu marre là de The oh, Green ouais. ça fait 4 heures que je suis dessus. <laughs> J'en peux plus j'arrive plus à l'avoir Ouais du coup les gars on finit un peu Enfin euh, les explications que j'ai à vous ouais. donner Enfin là j'ai pas en tête des trucs Mais je pense que ça va venir Et dès qu'on finit ça on passe sur les tricks en question Et on va vous montrer comment les varier Comment euh, comment vraiment varier un trick De, de A à Z là. Parce que vraiment euh, un trick en question On peut le faire de 6 ou 7 façons différentes Donc ça peut aider quoi alors. Alors Sébastien Brunet qui te dit un commentaire intéressant vas -y, vas -y. Farouk, il dit j'adore vos vidéos en parlant de toi et moi, si je te dis que quand je regarde une vidéo d'Antoine et de Farouk, j'ai l'impression de voir le même pilote, vous le prenez comme un compliment ou une critique euh, tu peux répéter la question. En gros, j'étais en train de regarder. <laughs> il dit en gros que quand il, il... en gros il dit ah j'adore ben... vos vidéos. Oui si je te dis que quand je regarde une vidéo d'Antoine et une vidéo de Farouk, j'ai l'impression de voir la... le même pilote. Pour vous, vous le c'est un compliment ou une critique Alors, bah, c'est ce ni un compliment ni une critique. C'est bah, moi je vais donner mon... mes arguments et à mon avis, je pense que c'est assez, enfin, c'est assez juste ce que je vais dire. En gros. Euh... Quand on s'entraîne avec un pilote en particulier, genre euh, Marius avec moi et moi avec Antoine, parce que là en fait vous avez la chaîne les gars, vous avez le grand-père Antoine, qui a donné -y. des cours au, au papa Farouk, qui a donné euh, <laughs> des cours au petit, au petit Marius, tu vois, et en gros... Euh, au début, on s'inspire forcément de la personne avec qui on pilote. Surtout si on puce en kiffe. Euh, moi, je sais ouais, qu'Antoine, c'était vraiment un... Antoine, c'est le genre de gars... Je sais pas, vous n'avez jamais volé avec lui, mais quand on vole avec lui, c'est le genre de gars. Il branche son quad, il fait sa lipo, tout le monde regarde, et on est là toutes les 5 minutes... Enfin, toutes les... Même pas... Toutes les 10 secondes à dire... Waouh, waouh, waouh. Wow c'est vraiment... Ah, hallucinant donc ça, ça donne vraiment envie de faire la même chose tu vois et en gros quand j'ai commencé le freestyle bien sûr que je m'inspirais beaucoup d'Antoine j'essayais de, de, de faire à peu près le même style de vol etc mais euh, en fait à force de, de faire du simu surtout tout seul bah, on développe forcément sa, sa patte en fait. C'est obligatoire parce ouais. que on se met sur un flow, on se met sur un tempo, comme je vous ai dit, et là on développe des nouveaux moves, des, des, des nouveaux enchaînements, etc. Et, mais ça devient carrément autre chose. Moi je sais que de nos jours, quand je regarde mes vidéos et celles d'Antoine, c'est carrément deux styles différents. Ouais. Vraiment. Ouais, Au sûrement. début, oui, je suis d'accord. Au début, c'était euh, quasiment la même chose. Mais de nos jours, c'est carrément deux styles différents. Et pareil pour Marius, les gars, il n'y a pas si longtemps, il volait exactement comme moi. C'était du copier-coller, les gars, sans blague. <laughs> et, et petit à petit, il a commencé à s'entraîner dans son coin, etc. Et il a développé ses moves, il a développé sa patte. Bon, il, il, on a à peu près le même genre de freestyle, dans le sens où genre on aime bien freestyle à haute vitesse au ras du sol. Mais il a développé ses moves, il a développé son flow. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer en ce moment. Quoi. Et euh, juste pour euh, rajouter un petit truc par rapport à ce qu'a dit Sébastien. Euh... Ouais. Quoi qu'il en soit, quand tu voles avec quelqu'un et que c'est quelqu'un qui t'inspire ou c'est quelqu'un euh, avec qui tu t'entends bien et puis que tu voles régulièrement, c'est mmh. logique de reprendre des, euh, certains mouvements ou de reprendre. Mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, euh, aura, chacun aura son flow, chacun ouais. aura son tempo et forcément, bah, on va se distinguer, même si des fois on peut euh, bah, forcément euh, voilà, essayer de, de reprendre un mouvement ou alors de le retravailler à sa sauce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc euh, voilà, c'est. Moi, ça ne me dérange pas, euh, pas qu'on dise qu'on se ressemble ou quoi ouais, que ce soit, même si en vrai, est obligé. Et... Moi, est ça ne me dérange pas parce que, voilà, on est, on est amis, on vole ensemble euh, tout, tout, tout le temps, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà, d'un côté, euh, <laughs> qu'on me dise ça. En plus, on me dirait, tu voles comme... Euh... <laughs> dis des <laughs> noms, dis des noms, on, bah on veut les noms. On me dirait je vole comme un mec qui est... On me dit on me comparait à un gars qui, qui vole pas bien, ça me dérangerait pas, tu vois, mais qu'on me dise que je vole comme un gars qui vole bien, comme Faro, puisque Faro vole oh, bien maintenant, c'est ouais. clair il a grave le niveau. Merci. Et je suis fier de toi, non, clairement, et bah franchement, ça me dérange pas, tu vois. Clairement, ça me dérange pas. Je préfère ça, on va dire. <laughs> je préfère ça. Ah oui, clairement, euh... en plus, ça motive de s'entraîner avec une personne qui a du niveau et tout, parce que bah, vous savez que c'est ces commentaires qu'il va vous faire et les réflexions qu'il va vous faire, elles sont, elles sont fondées. Vous pouvez que les accepter, en fait. Il y a, il y a plusieurs personnes, ah, surtout que le FPV, ça touche beaucoup d'âges différents. Et quand tu arrives à un certain âge, je sais pas, tu as 40 ans, imaginons. Tu as 2 ans, trois ans de FPV, mais tu as utilisé euh, bah, des mauvaises techniques d'entraînement et du coup tu as stagné et tu pas eu un bon niveau. Ben, en fait, ces genres de personnes, elles ont tendance à ne pas accepter la critique. C'est vrai. Et être trop fermé. Exactement. En fait, moi. Enfin, moi je demande pas de. Enfin, la personne, elle peut se faire un avis. Genre, euh, imaginons, c'est un mec lambda qui, qui vole pas mieux que lui, qui lui fait des, des réflexions. Là, je veux bien, vous voyez. Mais quand quelqu'un, vous voyez, qui fait des, des jolies vidéos, qu'il a un freestyle de qualité, qu'il a bossé son freestyle, etc. et qui vous fait des conseils, faut vraiment pas mal le prendre, les gars. Faut accepter la, la critique et justement tout faire pour bosser ça, en fait c'est Moi, je, sais, je me suis vraiment servi, parce que Antoine il est super taquin, et sérieux, il n'y est pas allé de main morte pour, pour me charrier, pour me faire chier, vous voyez, et ça me motivait, franchement, ça me motivait de ouf. Ouais, je ouais. l'ai pas pris en mode, ouais, et si tu arrives à me parler comme ça, toi, ouais, je suis plus vrai grand vrai que toi, en genre. plus, tu veux quoi <laughs> Non, je ne lui ai pas dit ça, vous voyez, ça, ça marche pas comme ça. Et même si j'aurais eu 4 ans de FPV et que j'aurais eu bah, un niveau, bah, on va dire, de débutant, bah, j'aurais accepté la critique, parce que on peut avoir fait 5 ans de FPV et ne pas avoir avoir pris les bonnes habitudes et ne pas savoir freestyle après il y a il deux types de gars en FPV il y a ceux qui volent pour la performance et ceux qui volent pour le plaisir moi ceux qui volent pour le plaisir bah on peut pas les juger en vrai le mec c'est son hobby son kiff c'est d'aller voler et tout bah il se fait plaisir il a raison on peut pas lui dire ouais ton move il est dégueulasse quoi mais ceux qui veulent performer ils, 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 ils se doivent d'accepter la critique. J'ai désolé. Faut se remettre non, en ouais, question suis... et, et de nos jours, moi, je me remets encore en question quand quand, quand un, un gars comme Blackbird, avec qui je parle souvent, euh, me, me donne des conseils ou me dit ça, faut pas faire. Mais je l'écoute parce que il il a de la bouteille là-dedans, le mec, il connaît sa vie, quoi. Donc euh, s'il si me dit, il, il me donne ce conseil-là, c'est pas pour me faire chier ou pour me rabaisser, c'est pour vraiment me, me, me pousser vers le haut, tu vois. Donc faut vraiment l'accepter comme ça, les gars faut Pas le prendre en mode euh, euh, c'est ouais, le mec il me parle un peu mal là, c'est bon. Non, non, Alors, faut vraiment clair. pas le prendre comme ça. Gros, j'ai vu une question qui est passée deux fois. C'est McFly oui, qui l'a oui, posé. Bien sûr, bien sûr. Il dit euh, Comment tu fais pour garder euh, la motive de training jusqu'à minuit Moi, au bout de 15 minutes, je m'ennuie. Comme j'arrive à rien, ça m'énerve et j'arrête. Bah, en fait moi c'est tout le contraire ouais, gros. Moi c'est vraiment le fait que j'y arrive que ça me, ça me pousse quoi. Je sais pas comment t'expliquer genre euh... imaginons je me fixe un objectif aujourd'hui de découvrir un nouveau trick. bah d'abord je vais commencer oui, oui, à dis quoi tu m'as dit quoi Non non je dis bonjour vas-y t'inquiète oh, vas ouais, salut à frère. tout le monde les gars désolé si je suis un peu <laughs> si je, je dis pas bonjour à tout le monde etc. <laughs> je... Ouais je suis vraiment en mode explication j'essaie de me concentrer penser à tout rien oublier je suis vraiment en mode PNS là. <laughs> Et du coup <laughs> Je disais quoi voilà, Je dis bonjour pour toi. <laughs> D'expliquer euh, l'entraînement, tu vois. Oui. Au bout de bah, 15 minutes, machin. Ouais. En, en gros, moi, quand je vais m'entraîner sur le simu, voilà, je me dis aujourd'hui, je vais découvrir un trick, par exemple. Euh, en gros, comment je commence Déjà, première, euh, première, on va dire les premières. Au 10 seconde, minutes. Switch, euh, switch, quand même sur la vue de quelqu'un qui puisse voir euh, du ah simulateur. Ah ouais. En même ouais, ouais désolé, les gars, je pense pas à tout ça. Je suis vraiment. Un... <rire> <rire> oh, le <laughs> live le plus slack. Bon, désolé, les gars. Heureusement que c'est un épisode 1. T'inquiète, tu te le coup de main, et gros. Et du coup, en plus, quand tu me coupes comme ça, j'oublie ce que je dois dire. <laughs> Excuse-moi, oh, gros. <rire> <rire> désolé, gros. Non, mais non, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Et du coup, quand je commence à, à freestyle et que je veux découvrir un trick, et ben voilà pendant les 10 premières minutes, je commence à déjà refaire tous mes tricks. C'est la base, les gars. Quand vous avez des tricks, vous avez un répertoire de tricks, bah dès que vous commencez les dix premières minutes, vous replacez tous vos tricks. Bah déjà ça va vous remettre en, en, enfin, ça va vous remettre en place les, 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 doigts et ça va vous permettre de toujours avoir les, les, la mémoire musculaire de, de vos tricks que vous préférez quoi. Donc euh, ouais, moi je passe dix minutes à refaire un peu tous mes tricks etc. Et après je passe sur, euh, voilà je, je passe sur des gros enchaînements où j'essaye d'enchaîner tous mes tricks en même temps dans un gros flot. Ça veut dire la grosse agressivité, c'est pas super propre, etc. Mais j'en fais, fais des caisses pour justement découvrir des moves que je fais pas d'habitude. Et là, en fait, dès que je fais un truc qui sort un peu de la normale, bah là, je bloque dessus et là, je commence à le tryhard du début à la fin. Et en fait, je me fixe un objectif, c'est que tant que j'ai pas réussi à le faire au moins un minimum euh, 10 fois correctement, bah je quitte pas le simu. Et ça marche des fois, je suis je, 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 jusqu'à minuit en train de un l'intrigue parce que j'arrive pas à le placer. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment difficiles. Il y en a, c'est vraiment de la, de la mémoire pure et dure qu'on doit avoir dans les doigts. Euh, si on le travaille pas au moins 200 fois, ben on l'aura jamais. quoi Donc voilà, c'est vraiment ça qui me, qui, me, qui me fait kiffer le simu en fait. Quand j'arrive à placer mes tricks, quand j'arrive à faire, à faire des lignes super propres et tout, ouais, c'est vraiment là que, que je kiffe. Quoi. Donc euh, ouais euh, je comprends que quand tu arrives à rien... Bah ouais, ça, tu te démotives directement, tu vois. Mais essayez d'aborder le simulateur comme je vous ai conseillé de l'aborder, et je pense que ça devrait le faire à mon avis. Parce que ça a marché pour plusieurs personnes, ça, ça peut que marcher pour vous aussi, les gars. Moi, je suis pas du, je suis pas du genre à penser que c'est un talent inné ou je sais pas quoi. Moi, je pense que tout le monde en est capable, mais que c'est juste qu'il faut s'en donner les moyens et avoir la bonne méthodologie, c'est tout. j'aimerais juste quoi rajouter un petit ouais, truc. Intéressant, c'est que lui disait qu'au bout de 15 minutes il se fait chier. En fait, le problème c'est que McFly, 15 minutes c'est le temps de chauffe. En gros, 15 minutes c'est à peine le temps de te chauffer les doigts et de commencer à envoyer des trucs. Alors, j'ai envie de te dire que oui, pendant les 15 premières minutes, tu as envie de quitter le simu parce que tu fais que de la merde, tu vois. Et au bout de 15 minutes, tu vas commencer à avoir les doigts chauds et tu vas commencer à envoyer des trucs un peu stylés. Et c'est là qu'il faut que tu t'accroches parce que c'est à ce moment là que tu vas commencer à progresser. Enfin, je le trouve en tout cas. Ouais c'est vrai, en hein, 15 minutes, tu peux, enfin, tu peux rien faire en 15 minutes, personnellement. Ouais, Moi, en 15 minutes, parce que j'ai l'habitude et que ça fait 500 heures que je fais du simu et que j'en fais tous les jours, quand j'arrive et que je me connecte au simu, le premier move que je fais, ben, j'arrive à le faire parfait. Parce que j'ai vraiment l'habitude et tous les jours j'ai ce truc en main quoi. Donc, euh, mais par contre, si j'en fais de temps en temps, bah, c'est normal que j'ai au moins besoin de 10-15 minutes pour essayer de me remettre en main le truc. C'est vraiment normal. Mais euh, faut pas se décourager en fait. Il faut vraiment try à fond. Normalement, quand vous fixez des objectifs, vous y arrivez forcément. Essayez de vous fixer un objectif de trick. Ça, ça aide vraiment de, 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 bah, de passer du temps sur le simu parce que tant que vous n'avez pas réussi, bah, bah, vous ne pouvez pas en fait. Tant que vous avez des, des exemples de personnes qui ont réussi avec le simu, vous ne pouvez pas vous dire que c'est la, la, la faute du simu. Moi, personnellement, je pense qu'il faut se remettre en question et se dire que voilà, on fait mal les choses, mais on ne peut pas mettre la faute sur le simu. Comme je vous ai dit, la gravité, ce n'est pas un truc qui va rentrer en jeu. Euh, OK, la gravité, elle est différente, mais voilà, on le sait, et du coup, bah, il faut, on sait qu'il faut s'adapter en vrai. Mais bosser un truc en soi, euh, ou bosser son flow, c'est un truc qu'on peut faire sur le simu, clairement. Hein. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question et toujours essayer de, de nouvelles choses parce que et on n'est jamais, jamais au meilleur de soi-même. Ça, c'est une évidence. On peut toujours progresser et il faut toujours se remettre en question, dire qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que mon freestyle soit mieux, etc. etc. Et c'est comme ça, avec cette ouverture d'esprit, que tu arrives à, à, à t'améliorer à devenir de. Meilleur quoi, tu ouais, dire, exactement. Hein. D'ailleurs, euh, euh, David il, il dit un truc intéressant est-ce que ouais. l'excès de tricks ne risque pas de tuer la composition de, de li lisibilité de l'image Bah, clairement, c'est pour ça d'ailleurs que sur une vidéo, on n'essaye pas de dépasser déjà 2 minutes 20 ou 2 minutes 30, qu'on essaye de placer des passages, on essaye de, de choper des musiques douces et énergiques en même temps. Bon, ça dépend du style, mais moi par exemple, qui a un style doux et énergique, et ben, bah, genre, euh, j'essaie de choper des musiques qui correspondent à ce genre de, de, de flow là, et en en gros, j'essaye de faire une partie, on va dire, smooth, tranquille, euh, avec des belles lines et tout. Et dès que la musique s'enclenche, là, j'essaye de placer les tricks les plus les plus ouf euh, tout en les faisant le plus parfaitement possible. Donc, euh, ouais, c'est une bonne question parce que ça permet de parler de la structure du freestyle. On ne peut pas se permettre d'arriver sur... Euh, enfin, on ne peut pas se permettre de poster une vidéo d'un rush lipo où on fait que des tricks. C'est... 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 Euh, comment on dit c'est trop lourd, quoi. C'est euh, ouais, les... trop, c'est trop pour euh, ne serait-ce que quelqu'un qui aime du freestyle aussi. Quand il voit que des tricks, que des tricks, ouais, c'est un peu gerbant, tu vois. Donc, euh, c'est mieux de jouer sur un flow, justement, où voilà, on essaye d'avoir des lignes super smooth, bien propres, etc. Limite euh, du, du, du joli cruising avec des beaux petits moves sympas, tu vois, tout doucement. Et bah, enfin, après, si on veut faire des gros hard tricks, bah, on essaye de les placer vraiment à une seule partie de la vidéo, voire deux maximum, mais pas en abuser. C'est clairement, il ne faut pas en abuser. C'est clair. Bah en fait, on n'a pas vraiment. Euh, John, John Pello, il dit euh, Oui, assez d'accord. Parfois, je me demande vraiment comment vous voyez quel, euh, quel et quel trick a été réalisé. En gros, on n'a pas vraiment le. Il y a quelques tricks qui ont des noms, c'est plus des, des noms qu'ont donné les Américains, etc. Mais on n'a pas vraiment de, de nom sur les tricks, on, on, on se les dit comme ça. Alors moi, quand je, je dis, imaginons à Marius, ouais, j'ai découvert un nouveau tricks, Alors je lui dis, voilà, ça s'appelle un double pitchback ou un double. <laughs> voilà, on essaie d'utiliser le, le, le nom des, des axes et essayer de, de définir comme ça, quoi. Enfin, on n'a pas vraiment un nom, mais oui, quand, quand Marius, je lui dis, ouais, là, fais, fais ton double pitchback, il sait très bien qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il l'a bossé et du coup il, il sait que c'est ça quoi. Ou sinon je lui dis ton double inverted. Enfin ouais, on n'a pas vraiment de nom pour les tricks, quoi. mais on sait les sûr. reconnaître. Euh, alors il y a plus... Ouais, Kevin euh, Silva il pose la question de est-ce qu'on on écoute une musique et après on va avec sur le spot la même musique. C'est une bonne technique à faire. Ça peut te faire entrer dans le même flow que tu avais sur lift-off, etc. Mais euh, moi, je sais que lift-off, je le fais avec et sans musique. Et IRL, pareil. En fait, IRL, on ne peut pas vraiment s'adapter euh, au rythme de la musique, dans le sens où, genre. Euh bah, la musique elle va pas vraiment tomber au moment où... enfin imaginons le refrain se lance bah, vous êtes peut-être à côté d'un obstacle que vous pouvez pas vous pouvez pas lancer un gros trick etc du coup bah le, frist... le, le, le refrain va commencer et puis vous aurez fait votre trick un peu plus tard donc euh, à mon avis on peut pas euh... enfin moi je on peut pas se coordonner vraiment sur une musique quand on quand on pilote ça peut aider à, à développer un flow en essayant de de, de, de choper le rythme de la musique, mais euh, de là à coordonner les moves, moi je pense pas que ça soit. Ben, moi j'arrive pas en tout cas, j'ai vraiment du mal. <coughs> hey, euh, David, euh, David, il pose des questions euh, ah, violentes, hein. ah, ouais. Ah, ouais. c'est franchement, elles sont super, euh... enfin, super intéressantes quoi, les questions. Parce que c'est vraiment euh, les questions qu'on se pose quoi, avant d'aller sur un spot, etc. C'est l'habitude hein, des, des questions. C'est ouais. ça. Se sent, hein. et... Alors, l'influence du spot, on a tous envie de voler dans des endroits spéciaux. Comment est-ce que vous abordez un nouveau spot et comment l'intégrez-vous à votre style Alors, euh, bah, nous, c'est un peu particulier voilà. en fait. Je vais que... te prendre l'exemple de moi et Marius, par exemple. On est à fond sur les open air. Euh, en gros, nous, on kiffe l'open air parce que c'est bah, les zones où tu as le plus de plats. Et avec lesquels tu peux vraiment jouer avec le sol et développer un flow. Quoi. Donc, euh, ouais, on adore faire ça avec de la vitesse en plus. Plus tu prends de la vitesse et plus ça devient difficile de le faire euh, sur un spot a, où il y a des arbres ou si c'est un bandeau, etc. En gros, moi pour ma part, euh, quand je vais sur un spot open air, je suis au maximum de ce que je peux faire. Dans le sens où genre, je vais tout tenter. Euh, vraiment, euh, aucun, aucun problème. S'il faut tenter un trick avec. Euh, quatre rolls même je le fais mais euh, <laughs> par contre euh, quand je suis sur un bandeau je suis souvent en train de me brider ça c'est vrai parce que bah déjà il y a le problème du matos euh, moi personnellement enfin euh, mon travail me permet pas de me faire énormément énormément plaisir euh, sur le matos je me je me prive beaucoup pour pouvoir m'acheter euh, pour pouvoir m'acheter mon matos et, et bah, une fois qu'on a un peu payé une certaine somme enfin on devient réticent à vouloir payer encore plus etc et, et du coup euh, bah si on veut faire un projet ou quoi que ce soit bah, si on continue à acheter des, des choses dans le fpv ça devient difficile tu vois un projet perso je parle donc euh, ouais j'essaye de d'être Raisonnable, on va dire, dans le sens où, genre, voilà, c'est un bandeau, je vais tenter des trucs assez stylés, mais de là à tenter des trucs à 150 km/h, juste à 2 cm du bandeau, personnellement, je me, je me prive de le faire. Pourtant, sur Simu, j'ai des, des moves assez sympas que je fais à côté du bandeau, vraiment très proche, etc. Mais c'est des trucs, ça passe ou ça casse, enfin, c'est en plus, c'est même pas ça passe ou ça casse, c'est ça passe ou ça fracasse. Un, un bandeau euh, moi j'ai vu les dégâts que ça faisait sur les frames à Antoine, j'ai <laughs> pas <rire> envie de tester tu vois et c'est pas que la frame c'est souvent des moteurs euh, la canne enfin euh, ouais moi je me vois pas euh, payer plus de je sais pas moi 50 euros sur une case de machine quoi ça fait ça commence ouais. à faire trop sur le budget sachant qu'il faut acheter tout le temps des hélices euh, les hélices c'est quasiment du consommable hein. moi personnellement j'en mets presque ça dépend le spot mais ouais c'est 5 6 euh, 7 voire par session. Hein. Donc, euh... ouais, c'est. Je sais pas, après, c'est chacun et ses possibilités. Si vous pouvez vous permettre de tenter des choses les plus folles sur des bandeaux, bah allez-y, les gars, lâchez-vous, parce que c'est vraiment comme ça qu'on qu apprend en tentant les choses les plus folles. Même si vous crachez, après, vous savez qu'il faut pas le faire comme ça, et du coup, euh, ça reste une expérience qui est très bonne à prendre dans le FPV. Mais euh, si vous pouvez pas vous le permettre, les gars, bah ou vous bridez comme moi, ou sinon, bah, bah vous faites pas, hein. <laughs> <laughs> vous faites pas du tout de bandeau, vous évitez de ce genre de spot, mais c'est ouais, c'est ça donne une adrénaline quand même ah oui clairement fait. clairement non c'est cool à faire bien sûr mais tu peux comprendre aussi les personnes qui c'est oui. dur pour eux de payer tu vois donc euh... imagine le mec qui va aller s'envoyer sur un bandeau c'est c'est allez une lipo de plaisir pour après des mois de, de galère quoi tu vois et ce que je veux te dire on s'en rend même. pas compte sur le spot mais une fois qu'après on est chez nous et qu'on voit ce que ça coûte de réparer le drone euh, enfin en plus sachant qu'après il faut du spare en plus pour le réparer enfin, voilà, c'est vraiment un truc ça s'arrête plus quoi donc il faut vraiment moi je trouve moi je pense qu'il faut avoir le budget pour aller sur euh, des, des bandes d'eau et vraiment s'envoyer comme un, un gros euh, tryharder quoi Ouais les bandeaux c'est pour les riches comme il dit David clairement parce que moi personnellement quand je vais, quand je vais trop loin en bandeau ouais, ça, ça finit toujours en casse et bah souvent je me retrouve à payer quoi. Donc euh, des fois bah, c'est cool le rush il était super cool avant que ça casse du coup bah voilà on a tenté un truc bah, on, on a quand même un rush de garder mais des fois on, on a même pas le rush on a fait un truc un peu pété et on a cassé la machine donc euh, <laughs> ouais je trouve que après tu regrettes trop en fait. Voilà, après, euh, quand c'est un spot proxy avec des arbres, bah, on l'anticipe dans le sens où genre, on ne va pas aller faire un, un juicy flick à 150. On essaye de le faire un peu en mode euh, vitesse bridée. C'est des, à, à, des styles à essayer d'adopter sur le Simus. En gros, vous allez sur une map open air, vous vous entraînez à faire de l'open air. Après, vous allez sur une map euh, où il y a beaucoup d'arbres, vous vous entraînez à faire du, du freestyle un peu sketchy. Et. Bah pareil pour tous les styles en vrai. Moi je pense que vraiment le simu, on peut tout apprendre avec. Même pour les raceurs, hein, vous voyez le niveau des raceurs quand ils s'entraînent sur des, des simulateurs. Euh, franchement, euh, ça, ça paye quoi. Mais ouais, j'appréhende je, je, les spots de son, dans ce sens-là. Après, je suis du genre à pas vouloir voler en premier. Je regarde les, les, les lipos des autres, j'essaie d'analyser le spot euh, sans, ah ouais, sans forcément le voler la première fois. Et du coup, bah, ouais, la première fois, je sais que, en, en gros, imaginons je vois Crazy FPV en train de, de passer dans un endroit que j'ai vraiment adoré. Là, je sais que je vais commencer à focaliser l'endroit et, et me dire ouais là, je vais pouvoir faire ça. Là, je vais pouvoir faire ça. Et ça reste en tête. Pareil pour la prochaine lipo où je vois Antoine taper un move genre vraiment stylé dans un endroit que je n'avais pas vu dans le bandeau. Bah voilà ça va rester en tête et c'est vraiment comme ça que, que je me fais, le, que je me fais le, le spot en tête. Ou sinon bah, tu fais une première lipo mais il ne faut vraiment pas envoyer dans la lipo, il faut juste faire du cruising et découvrir le spot. C'est-à-dire, euh, si vous voyez un endroit où vous pouvez peut-être passer dans un trou, etc., vous allez, vous analysez bien le trou avant. Vous pouvez même faire un tour à pied, hein. vous pouvez, hein. c'est pour les, les moins feignants, vous pouvez carrément faire un tour à pied du spot, ça aide. Je sais qu'Antoine, il fait ça. C'est vrai, non Oui, tout à fait gros, exactement. C'est Mais... vrai que ça t'aide à trouver des, ouais. des idées, ça t'aide à trouver des des ouvertures, des possibilités. Et puis tu dis, allez, vas-y, j'essaye ça. C'est ouais, une bon. première fois, ça passe pas bien. Et puis la deuxième fois, ça passe nickel, quoi. Salut à tous les gars. Je sais qu'il y a des, des gars qui rejoignent. Salut, les gars. Je suis souvent occupé à parler. Il ouais, y a du Big coup, euh, qui est là. Ouais, Joey tu... aussi. Ouais, salut à tous les gars. En fait, je suis seul à faire du simulat tout à l'heure Bah, j'essaie. De... Vas-y, bah, on bascule sur Marius. Allez Allez, Et là, on va <laughs> commencer bientôt les, les, les vrais tutos tricks. Et euh, ouais, si, n'hésitez pas, les gars, si vous avez vraiment des questions, c'est vraiment le, le, ouais. le, le moment. Des, des questions, peu importe, les gars, même si ce sont des setups IRL sur, euh, sur tout et n'importe quoi dans les je, si je peux répondre, je réponds. Oui, on, euh, David, il y a des spots qui font, ils sont beaucoup plus impressionnants à l'œil. Et bah souvent c'est les spots bandeau. Par exemple le bandeau qu'on qu a fait avec Antoine, euh, Crazy et Théo, on est allé euh, dans le 83, dans un bandeau c'était en fait un, une ancienne construction, un truc de construction navale. Tu vois le bandeau oh naval. Ouais, euh, question, là où vrai. Antoine est passé dans je sais pas combien de trous le mec, euh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin bref, euh, on y Moi personnellement je suis arrivé là-bas quand j'ai vu le spot, j'ai fait deux lipo les gars. Sans blague. J'ai fait deux lipo parce qu'il est full métal. Et encore, il a fallu que j'insiste. Hein. Ouais, ouais ça, il a vraiment fallu qu'il insiste. Mais après, Antoine, ouais. c'est du genre, vraiment, c'est pas du tout le même genre que moi. Antoine, il arrive sur le spot. Le spot, il, est, il a beau être euh, très impressionnant, bah, il va le prendre vraiment en mode, euh, ouais, c'est le, le kiff pour lui. Tu vois, il va tout tenter. Et puis, il s'en fout complètement de casser un moteur ou un bras, etc. Il, il y va vraiment. D'ailleurs, c'est vraiment la chose la plus ouf. C'est ce qui te permet de faire les choses les plus monstrueuses, je pense, hein, parce que passer dans autant de trous, gros, c'est fallait vraiment les tenter, tu vois. Il n'y en avait pas un seul où tu pouvais te dire, oui, là, il a, il a tenté, euh, c'était euh, un hasard, tu vois. Non, dans la vidéo, il y a au moins cinq trous. Donc, ouais, c'est, voilà, c'est où tu vas, où tu vas pas. <laughs> ouais, Antoine, clairement, il est, il est vraiment, ouf clairement. J'ai jamais vu un mec s'envoyer euh, autant sur des, sur des spots mais très très chaud genre euh, ouais moi ce spot là pour vous dire voilà j'ai fait deux lipo j'ai craché à la deuxième j'ai bloqué mon drone je sais pas à combien de mètres j'ai galéré à le récupérer j'ai dit allez c'est bon c'est fini <laughs> et en plus il y a un moteur qui, qui s'est imprégné de, de, de l'imaille de fer ouais, l'angoisse quoi j'avais aucun moteur de rechange moi j'ai dit ouais, j'arrête <laughs> Donc voilà, on aborde les spots un peu comme ça, mais oui, il y a des spots plus impressionnants. Chez sais que l'open air, moi ça me fait pas peur. Euh, pas du tout, même. Mais... Ouais, mais est-ce que ça te donne autant de sensations qu'un gros bendo C'est les spots qui me procurent le plus de sensations. Lesquels les, les open air. Ah ouais En gros, la sensation d'un spot bando, c'est une sensation de genre, t'es là, t'es en flip total. Tu Vas réussir ouais, un ça. move et ouais. là tu es trop content de l'avoir réussi parce que, genre, euh, c'est un spot de ouf et que voilà, tu as, as porté tes machins et tu y allais, tu vois. Mais sur un spot ouais. open air, gros, c'est le flow qu'on arrive à développer qui nous déconnecte et, et, et qui nous qui c'est ça qui fait vraiment plaisir en fait. C'est pouvoir te lâcher et débrider ton freestyle au maximum. Ça veut dire que, en gros, dans un spot comme ça, si tu n'arrives pas à, à créer du flow. Ça va paraître très linéaire et très basique. Par contre, si tu arrives à envoyer ton flow dans un spot comme ça, c'est pour moi les spots où tu es le plus créatif, où tu vas vraiment montrer aux gens que bah, tu es capable de freestyle dans le vide, quoi, mais en faisant, euh, en vraiment du, du, du freestyle flow, quoi. Je trouve c'est un, ouais. un truc, c'est pas un truc à faire uniquement. C'est un truc à faire en plus des autres spots. Moi je sais que ouais. quand je vais dans un spot d'arbre, bah, je tente un peu de proxy. Je ne suis pas forcément euh, pas très fort pour faire ça. Du coup, bah, je tente quand même et j'essaye. Je progresse petit à petit. Mais euh, pareil pour un bandeau. Quand j'y vais, bah, j'adopte un autre sort de freestyle. J'essaie d'avoir un freestyle assez robotique pour pouvoir contrôler justement mes, mes trajectoires, etc. Mais euh, ouais, je trouve que des... tu peux pas faire l'un et ne pas faire l'autre, en fait. Tu peux pas faire que du open air. Je sais que tu te chier au bout d'un moment, c'est sûr. Euh, moi je me fais déjà chier direct. <laughs> ah, C'est normal, en plus, toi t'as un style très différent dans le sens où genre t'aimes bien te servir justement du, du spot. Ouais. Mm -hmm. Alors que ouais. nous, en fait, juste si tu nous mets un sol plat, ça y est quoi. <rire> ça <rire> suffit quoi. <laughs> euh, euh. Bon, Farouk, tu nous ferais pas une petite démo là pour euh, tout le monde Je te lis des ah, questions allez. si tu veux. Allez, vas-y. Ok, allez, vas-y, je pose. Je regarde. Hop, voilà. Allez, allez, bon. Allez je me mets sur les commentaires N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les gars Je vois qu'on est 50 sur le live en direct Donc ça fait très plaisir Merci à tous d'être euh, là pour le premier live de, de l'ami Farouk Et euh, voilà Ceux qui n'ont pas lâché un petit like sur euh, petit pouce bleu les... N'hésitez pas ça fait, ça fait toujours plaisir Alors qu'est-ce qu'il y a comme commentaire Il y a aussi qui dit que t'es close trop euh, Farouk Comment ça À cause des spots <laughs> C'est à dire je suis close trop T'aimes pas les... Aller... T'es pas les spots renfermés euh, J'aime pas trop, ouais. je suis plus euh, open-air, ça me fait peur. <laughs> Mais c'est vraiment la casse hein, qui pose problème, hein, parce que j'ai vraiment du mal à m'acheter mon matos, hein, je te jure hein. Je peux pas yes. me permettre de dépenser tout mon argent dans, dans, dans le FPV quoi, enfin, Non non mais c'est clair. Et puis je suis marié. Bah ouais ouais non c'est clair. Et je pense que si tu avais euh, plus de soutien, entre guillemets, euh, ouais. tu pourrais te permettre encore plus ah, de choses. Tu aurais être moins peur dans le bando, par exemple, de, de t'envoyer plus lourd ou de tout tenter euh, si tu sais que derrière bah, la casse elle est mineure quoi. Enfin, que les, le budget ou que le l'argent dépensé derrière est un peu plus un peu plus mineur. Ouais. Bah oui, c'est clair que ça aide énormément, ce genre de... Ce genre de, de, de truc, quoi. Mais ouais, c'est pas facile de nos jours d'avoir ce genre de d'aide. Euh, surtout avec euh, bah, le, le, le FPV, ça a beaucoup évolué. C'est plus que du, du freestyle, tu vois. À une époque, il y avait vraiment les, les freestylers qui, qui arrivaient à choper les, des aides, des sponsors, etc. Mais de nos jours, le cinématique a vraiment pas, Je vais pas dire couper l'herbe sous le pied, mais c'est devenu très très dur pour un freestyler qui n'a pas beaucoup de, de visibilité bah de, de, de choper un sponsor, clairement, parce qu'une vidéo cinématique, ça fait bien plus de vues, c'est sûr. C'est bien plus visible par, euh, par un autre public, tu vois. Donc, oh, euh, ouais, non, clairement. Donc ouais, moi je trouve que c'est assez difficile, mais ouais, je perds pas espoir et c'est sûr que bah, petit à petit, il y a des, des marques qui, qui viennent m'aider, etc. Et ouais, ça peut que me débrider mon freestyle en gros. Tu vois ce que je veux te dire non, Clairement. Moi, je cherche clair, pas. Ouais. À, enfin, j'ai mon métier, etc. Je cherche pas vraiment à changer de vie au niveau du FPV, mais ouais, pourquoi pas euh, Ne dépenser le, vraiment le minimum pour son pour son hobby qui, qui fait vraiment plaisir. Ouais, pourquoi pas Tu vois Mérite, c'est clair, c'est clair. Ouais, non tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tiens, regarde, une... on va répondre à la question de Lucas. Si tu veux bien te mettre sur si oui. ma vue deux minutes, tu lui réponds. Euh, si. En gros, il demandait comment trouver ses rates. Alors moi, j'ai une petite astuce pour trouver ses rates qui est toute simple. C'est en gros, quand tu décolles comme ça, moi je trouve qu'il y a un truc qui est pas mal pour trouver ses rates. C'est que tu viens claquer des moves comme ça, tu vois, déjà sur ton axe de pitch, et tu vois le nombre de degrés que tu as envie d'avoir, tu vois. Hop, l'idée c'est de... <laughs> en un coup, moi j'aime bien que quand je viens taper le fond du stick, hop, j'ai fait un demi-tout-pile. Après, ouais. donc chacun va... Va le faire à sa vitesse évidemment, ouais. donc ça, ça me permet de hop, tu vois, hop, comme ça. Pareil, je le fais aussi sur le roll, sur le pitch, et ça me donne mon, mon degré maximum que j'aime bien avoir quand je fais du freestyle. Après, en fonction de ça, j'y ajuste avec un petit peu de douceur sur le milieu du stick, ce qu'on appelle l'expo, et je trouve que c'est bien de trouver ses propres rates comme ça. C'est une petite astuce que j'aime bien pour, pour trouver ses rates. T'en penses quoi toi, Farouk Bah, clairement, c'est. Moi, je pense que pour, pour maîtriser son freestyle enfin, au maximum, il faut vraiment avoir ses rates sur le bout des doigts, les gars. Quand je dis sur le bout des doigts, ça veut dire que quand vous savez exactement le timing que vous devez mettre pour faire un roll parfait, pour faire un juicy flick parfait, quand vous faites vos moves parfaitement, c'est que vous arrivez à un stade où, où vous maîtrisez vraiment vos, vos, vos rates, quoi. Il peut y avoir des petites. Euh, on va dire des petits ratés de temps en temps ou quoi. Mais. Euh... C'est vraiment la base, c'est maîtriser ces rates à 100%. Et que ce soit n'importe quel rate, en gros, vous pouvez avoir des rates lentes, des rates rapides, etc. Le plus important, c'est respecter un certain ratio entre l'expo et, euh, et le enfin, et reste. Le reste quoi. Enfin, il ne faut pas oh, avoir ouais, beaucoup ouais. d'expo. L'expo, plus on en met, plus ça fausse les mouvements. Ça veut dire que, imaginons quelqu'un qui veut démarrer. Le juicy, ça veut dire le style très agressif et très énergique, etc. Et qui, qui se dit, ouais, je vais mettre plus d'expo pour avoir des moves très, 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 très propres. Bah, il fait une grosse erreur et il se bride littéralement. J'ai passé euh, mes six premiers mois à, à, à vouloir faire ce genre de move, mais j'y arrivais pas du tout. En gros, dès que je me retrouvais à, à très basse vitesse, j'avais du mal à avoir de l'intensité sur mes mouvements et paraître agressif et, et, et juicy, justement. Bah, en gros... Quand euh, il ouais, y a, a 3-4 mois maintenant, je suis passé sur des raids euh, euh, avec très peu d'expos. Quand je dis très peu d'expos, c'est que en fait, plus vous avez de RC rate et plus vous devez augmenter votre expo. En gros, c'est un sorte de ratio. Où, euh, si vous avez, imaginons, une RC rate, parce qu'il y a des personnes qui, qui, euh, qui traduisent leur raid Falco X en beta flight et ça donne des raids assez space euh, genre moi je sais que j'ai traduit mes raids il euh, y a pas longtemps et ça m'a donné des raids genre euh, de, de 20 de, de 20 de de RC RC rate, euh, je crois 0,03. De, de... Ouais, c'est vraiment on, quand on regarde les rates, on se dit c'est n'importe quoi en fait. Mais en gros, c'est on s'en fout en fait. Tant que la courbe en fait elle est bien bossée et que vous avez un bon rapport expo agressivité, c'est bon. Agressiv... enfin, pour faire de l'agressivité, l'expo c'est vraiment le pire ennemi. Donc euh, ça peut être une astuce pour les gens qui veulent faire ce genre de freestyle. Euh, réduire euh, l'expo au minimum. Quoi. En laisser un tout petit peu pour avoir une marge d'erreur, on va dire. Voilà, mais, euh, mais en mettre le moins possible. Parce que c'est vraiment ça qui va brider vos mouvements. Et ch chacun doit trouver ça. Merci pour le raid, soutien, les que... gars J'ai vu que ça m'a soutenu. <laughs> Merci. Mm -hmm. Il y a Sneaky sur le live aussi. Ouais, j'ai vu. Il y a voilà. Sneaky. Il faut trouver ses propres raids, parce que les raids de, de quelqu'un, bah, ça va pas être les mêmes raids que quelqu'un d'autre. Si, on est peut, on, on peut s'adapter à peut... des raids. Ouais, c'est clair. On peut, on peut. En fait, quand on, est, quand on est débutant, imaginons, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai demandé les raids à Antoine et je m'y suis fait et je m'y suis habitué, tu vois. Enfin, euh, on peut commencer à, avec des raids de quelqu'un. C'est juste qu'il faut que la personne, à la base, ait... Et Bosser ses raids, imaginons vous voulez, euh, je sais pas, vous voulez faire du, du freestyle agressif. Bah, vous allez voir, euh, je sais pas, n'importe quel pilote qui fait du freestyle agressif et vous lui demandez ses raids. Et là, euh, il va vous dire c'est super agressif, etc. etc. Mais là, vous vous y faites une fois pour toutes, et ça y est, gros, enfin, euh, vous allez vous y habituer, et, et au final, vous allez pouvoir freestyle avec. Donc, euh, en gros, vous pouvez commencer avec des raids de quelqu'un, mais c'est juste qu'après, il faut plus changer. Le truc, le, le pire, la pire des choses, c'est se perdre dans ses rates et commencer à se dire ouais, ces rates-là, j'aime pas, je vais changer. Au bout de un mois, faire pareil, etc. C'est vraiment la pire des choses parce que. Après, tu tombes dans un cercle vicieux. Un peu. Ouais, tu tombes dans je un cercle plus, tu, tu euh... maîtrises plus ouais. tes, tes moves, tu maîtrises plus tes tricks. Euh, donc. Que... C'est un truc important, c'est commencer pareil pour les setups aussi. J'ai tendance à dire euh, quand vous trouvez un setup qui vous plaît avec un bon tune, bah n'y touchez plus même s'il y a même Betaflight 8.0 qui sort derrière, on s'en fout les gars. Ça vole bien, ça vole bien, à part s'il y, y a carrément une nouvelle euh, fonctionnalité de type euh, l'époque où l'air mode est sorti. Là, c'était clairement game changer, tout le monde devait passer en air mode, sinon, bah c'était pas possible, tu vois. Mais je pense que cette époque, elle est un peu révolue. Et là, en fait, à part, euh, à part augmenter la puissance des CPU qu'on met dans nos FC, euh, augmenter euh, les, les options qu'on pourra faire, etc. Je pense que les FC sont un peu... Euh, je pense qu'on pourra pas mieux voler, on va dire. Peut-être un peu plus propre, ou je sais pas, sera peut-être plus filtré, je sais pas. Mais je pense pas qu'on pourra euh, améliorer la qualité de ce que nous permet de faire nos, nos, nos setups de nos jours. Mais euh, c'est quoi que je disais à la base, gros non, <laughs> 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 c'est quoi ces trous de mémoire là mais Mec, je sais <laughs> pas, je me perds, tu vois pas, je me perds. Je fais trop d'explications et du coup, bah, je me ah perds dans les <rire> explications. <rire> On ouais, ouais, euh, parlait budget, de rate hein. euh, juste avant. Voilà. Ouais, garder les mêmes rates en gros, les gars. Pareil pour le setup. <laughs> faut garder le même setup. Voilà, j'ai enchaîné sur le setup et du coup, j'ai perdu les rates. Ouais, ouais c'est ça. Exact. Euh, tu tournes à combien de degrés max sur tes rates Alors, euh, moi et Marius, on, est à... on tourne autour de 1000. 1000 degrés. 1500, je crois, maintenant. Ouais, 1050. Et ouais. Euh... Antoine, t'as combien Toi, 930 Un truc comme ça, à 920 voilà c'est quasiment la même chose c'est juste euh, bah, Antoine il n'est pas aussi agressif que, que nous dans son style du coup il a pas besoin d'aller aussi loin en fait dans, dans les raids mais nous en fait pour varier autant la vitesse de notre freestyle bah on aime bien avoir des raids super agressifs oh. et à force de les maîtriser on peut passer du très agressif au très 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 très, très doux c'est ça que je dis on a beau même avec zéro d'expo les gars si vous, si vous faites un gros tryhard hard il bah, y a moyen de choper euh, Choper la douceur même avec euh, des raids sans expo, clairement. Bah, euh, après, des cas, toi, t'as quand même un sacré niveau. Et je sais que moi, à partir d'un certain cap, changer de raid, ça me pose plus aucun problème. Pour te donner une idée, j'ai changé de raid hier, je suis passé sur celle d'Antoine. Juste après, je suis passé sur celle de Marius. Et là, je suis encore avec celle de Marius. Mais c'est quasiment les mêmes, c'est juste euh, bah, un poil différent, tu vois. Mais pourtant, bah, non, j'ai pas, pas eu de différence. En gros, je pense qu'on a la mémoire musculaire de nos moves et du coup, bah, ça aide à maîtriser des raids en fait. Les raids, ce n'est pas que juste les raids, c'est les raids plus la mémoire musculaire de comment faire les moves en fait. Je pense que c'est un truc euh, à deux quoi. T'en penses quoi toi Antoine Ouais, non, c'est clair. De toute façon, comme tu dis, c'est une mémoire musculaire et après, en fonction de la raid, tu vas te sentir plus ou moins à l'aise, mais quand à la mémoire musculaire d'un move, euh, après, euh, normalement, tu arrives à le maîtriser et c'est justement ouais. grâce à ça que tu vas pouvoir voir si… La raid que tu testes est plus adaptée à ce que tu es en train de faire, clairement. Ou moins adaptée, clairement. Et en fait, euh, c'est comme que euh, que quand tu passes de simulateur à la vraie vie. En fait, as toujours euh, un petit temps d'adaptation tu remets tout, euh, ouais. tu calibres tout en fait dans ton cerveau. Ouais, ouais, une bon. fois que c'est calibré, en fait, bah c'est comme si tu n'avais presque pas changé de raid. Bah là, et, bah, y a cette question exactement. Euh, là, et Gecko qui dit est-ce que les raids lift-off sont exactement comme la réalité alors non c'est pas comme la réalité on va dire que le, la courbe c'est exactement la même dans le sens où genre si vous avez, vous avez ce, ce, ce type d'agressivité imaginons en mid gas ça commence à être agressif ça va être pareil en vrai mais c'est en fait la courbe imaginons moi je pense hein. T'es à, à 1000 degrés de, de, de vitesse euh, euh, en simu Bah en réel tu vas être à 920 on va dire une 950 T'as une petite réduction en fait de vitesse mais c'est très léger donc euh, C'est pour ça qu'on dit avec Marius que bah, une lipo et ça y est vous êtes dedans quoi. Une lipo avec ton vrai quad et juste après tu gères quoi. C'est pareil pour mais toi euh, Antoine. En plus euh, nous on est sur Falco X, du coup euh, le calcul des rates est différent. Ouais. Mais en, en faisant la traduction ça va non Ouais, mais la courbe, elle est jamais euh, peak oui, pole, c est quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pas gênant, c'est ça que je veux dire. C'est pas un truc non, qui va te, te bloquer. Quoi. Moi, comme, comme je vous ai dit, que ce soit lui ou moi, après une lipo sur un spot, eh ben, on arrive à avoir le même feeling que lift-off, mais avec le vrai quad. Et à la gravité qui est un peu différente, etc. Mais sinon, euh... sinon c'est exactement la même chose. Hein. C'est pour ça, moi, des fois, les gars, je comprends vraiment pas comment une personne peut avoir passé du temps sur lift-off et dire que ça lui apporte rien. Moi, ça m'a directement apporté. Après, c'est sûr que j'ai eu des bons conseils, la bonne méthode d'entraînement et tout. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai envie de la partager avec tout le monde. Mais euh, clairement, hein. bah, ouais. bah, c'est ça. Moi, je ne pense pas que ça doit rester un truc privé. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que le, le, le point très fort du freestyle, c'est que quand tu as un gros niveau, bah, du coup, en fait, tu contribues à inspirer de nouvelles personnes parce que tu auras jamais le même flow que la même que, que les personnes que tu dont tu t'es inspiré, tu vois. Moi, je sais que j'ai beau regarder les vidéos de Blackbird, j'en ferai jamais du Blackbird, c'est pas possible de recopier ce qu'il fait, tu vois. Donc ouais, euh, euh, le, le flow est tellement personnalisé qu'à un certain niveau, tu peux plus recopier. Tu peux essayer de faire les mêmes moves, tu peux essayer de t'approcher, mais ça sera jamais pareil. Et du coup, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça apporte vraiment euh, euh, moi je sais que voilà de nos jours quand je vais pour euh, m'inspirer un peu j'ai plein de vidéos de plein de pilotes qui... que je kiffe même des gens même pas connus les gars il y a plein de nouveaux pilotes qui commencent à arriver qui font du très très lourd et ouais même de nos jours je m'inspire même de mon petit poulain avec qui j'ai appris le freestyle donc euh, voilà c'est pour vous dire que un nouveau venu dans le freestyle c'est toujours bon d'accord ouais bah euh... Moi, ça m'est jamais arrivé euh, des cas. Je sais que des fois, il m'en faut peut-être deux, trois lipo pour euh, choper le feeling. C'est très rare, mais ça arrive. Mais en général, j'arrive à le choper après et à, à faire les mêmes moves. Je sais que à chaque fois que j'ai bossé un move, d'ailleurs dans mes vidéos, c'est pour ça que vous voyez toujours un move euh, qui sort de l'ordinaire à chaque fois. C'est, je me fixe un objectif d'essayer de bosser un move par semaine, nouveau. Si c'est pas moi qui l'ai inventé, bah, c'est un move que j'ai pris ailleurs, tu vois, et que j'ai essayé de, de mettre à ma sauce. Mais à chaque fois bah, j'essaye d'implanter un nouveau tricks à ma composition dans ma vidéo. Donc, euh, ouais, je me fixe des objectifs et je sais que ça marche pour moi. Donc, euh, le tricks, moi, à chaque fois, il passe. Même si c'est un tricks hard. Non, euh... il m'a dit C'est qui ton poulain C'est Antoine Non, c'est le contraire. C'est le contraire. En gros, Antoine m'a appris à freestyle et moi, j'ai appris à freestyle à Marius. En gros, les trois personnes qui sont ici, c'est comme une sorte de chaîne qui s'est suivie. Oui. Hein On Moi, si jamais j'embauche, les, les gars! Ah, voilà, <laughs> du coup, euh, maintenant c'est à Marius de former de euh, une nouvelle personne! Euh... <laughs> Excellent! Ouais, Fabien FPV il est super fort! Ouais. Ouais. Bah, D'ailleurs, Antoine me disait ah, ça hier! Euh, <laughs> Qu'en ce moment, me... il, ce qu il fait vraiment ce qu'il fait! Ouais, il y a pas mal de pilotes ouais. que je kiffe vraiment! Moi, je sais que pour trouver de l'inspiration, j'ai pas besoin de chercher trop loin! Il y a plein de pilotes! Même DK, je kiffe ce qu'il fait. Hein. Je regarde souvent ses vidéos. Il a un super flow. Il a compris le truc, quoi. Et voilà, quoi. Il n'y a plus qu'à regarder les vidéos qui sortent, quoi. Il y a DJFPV, il y a. FPV, il y a euh... Enfin, c ça, c'est des. Ça, c'est des gars qui ne sont pas vraiment très connus, mais mec, ils ont des niveaux de, de, de gros porc, hein, vraiment. Il euh, bah, y a Marius aussi, allez va regarder ses vidéos. Y Marius, a dort, grave, a... il a hyper bien progressé, hein. c'est ouf. Hein. Mais de ouf, mec, franchement. c'est, Moi, il... franchement, il me bluff. Enfin, comme je t'ai dit, de nos jours, il arrive à m'inspirer, le bâtard. Cette <laughs> <laughs> dernière, elle était archi lourde. Ouais, franchement, ouais, le kiff total. Après, ouais. moi, les gars, je suis plus attiré vers les gars qui ont un style un peu juicy, qui un... qu essayent de mettre du flow dans leur, dans leur freestyle. Il y a plein de personnes qui disent que. Euh, qu'ils aiment Mister Steel, ce qui fait et tout, moi, c'est vraiment pas trop mon dada, tu vois. Je suis vraiment attiré par la perfection du freestyle, dans le sens où, genre, moi, je supporte pas les, les corrections de, de trajectoire. Ça, oh. c'est un truc qui me fait quitter la vidéo. Quand je vois quelqu'un qui fait que des corrections et qui fait pas des un freestyle loqué, ouais, je sais pas, ça me paraît pas propre, je sais pas, c'est un avis personnel, après, hein, mais ça me paraît pas propre, tu vois. Après, un style de type euh, le dribble qui est super euh, à super... Euh, smooth genre tu sais les lignes elles sont, sont super belles et tout c'est pas forcément euh, du tout bah, c'est pas du tout juicy mais genre c'est super beau à regarder j'aime bien ce genre de freestyle j'aime bien aussi le freestyle à la Toms FPV euh, le même genre que le drib mais à 300 km/h ouais c'est il des... y a plein de styles qui me font kiffer hein c'est vrai que je suis vraiment attiré par les mecs un peu juicy quoi c'est le style que j'essaie de pratiquer du coup bah c'est normal que dès que je vois un gars comme ça ça me ça m'enjaille un peu quoi <laughs> Moi j'ai un petit peu buggé là, je, je capte plus très bien le live, mais. Je vais mettre sur mon téléphone, ce sera Ouf. plus simple. <coughs> ah oui, ah, bah. J'ai laissé la place à Marius un peu. Ouais, il y, y a pas mal de personnes qui ont ce problème là, euh, Deka. Euh, je sais que Digi, euh, enfin Digi plutôt, je me trompe à chaque fois sur son nom, je, il me dit que ouais, il est, enfin, le Simu il arrive pas comme en vrai. Tu vois et quand je regarde ces, ces rushs en vrai ils sont monstrueux tu vois Et c'est vrai que sur Liftoff je crois que je l'avais vu une fois et ouais c'était pas, pas pareil quoi il, il arrivait pas très bien tu vois j'arriverai pas à te dire comment j'arrive à faire et comment Marius aussi arrive à faire Pour avoir le, le feeling sur Liftoff pareil qu'en vrai et tout Mais je pense que c'est parce qu'on en fait souvent en fait ça je En pense, fait hein. euh, le quad sur Liftoff c'est devenu notre quad principal bah, euh, Le quad euh, en vrai en ça. fait est Il ça. est devenu notre quad, dont on doit s'habituer en fait. C'est ça, exactement. Moi, le, le mon quad IRL, je le kiffe bien. Hein. J'aime bien mes moteurs, j'aime bien ma frame, j'aime tout. Hein. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir le même quad que sur Liftoff, les gars, je suis le plus heureux. <laughs> Il y a tout qui passe sur Liftoff. Il n'y a aucun rebond, c'est la folie. Ouais, ouais. Des fois, vous, aurez, vous avez beau avoir le meilleur tune. Si vous placez un, un trick, imaginons très très agressif avec un certain régime de gaz. Bah des fois vous avez un rebond Même si vous avez un tune Réglé au poil euh, Vraiment au poil quoi Donc euh, ouais Ça peut arriver quoi Donc euh, lift off ça, ça arrive pas Mais voilà C'est pas la réalité On le sait très bien en fait De base Que c'est vraiment pas Comme la réalité Donc euh, on se pose plus trop Ce genre de questions en fait Le seul objectif qui dit... Pardon excuse-moi Farouk Vas-y bien sûr bien sûr euh, Tu tilt à combien Farouk Moi je suis à 28 Toi tu à combien ouais. bro Pareil Pareil que toi 28 aussi Moi je suis à 28. À 25, tu es 25, toi ouais. Après, ah ouais, c'est okay. pas très différent. 25, hein. ah, quand même, hein, tu le sens. Hein. 25-28, euh, il y a, y, a, y a une différence, hein. tu, tu le vois. Et en réel, tu es aussi à 25, euh, Marius. Ouais, normalement, ouais, ouais. pareil. Moi, aussi je dis normalement, parce que j'ai pas vraiment de, de règles quoi qui me dit comme enfin, cam HD et en, en 25, quoi. Mais Mes tricks, il passe instantanément avec, ce, ce, avec ce, ce tilt là, donc je pense que c'est le même. Mm -hmm. Tu regardes parfois des personnes qui font des vidéos ciné et moins freestyle bien sûr, demande, bien sûr, non, bien gente. sûr, sûr, ouais, je regarde. D'ailleurs, c'est toujours beau à regarder euh, le cinématique. Hein. Euh, J'en regarde pas plus que le freestyle, bien sûr, parce que le freestyle, c'est vraiment la base de ce que je kiffe. Vraiment, quand je vous dis, je kiffe le freestyle, les gars. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. De toute façon, vous pouvez le comprendre avec tout le tryhard que vous me voyez faire dessus. Je suis tout le temps sur lift off. Enfin ouais, c'est vraiment un kiff de, de, de le freestyle. J'ai vraiment kiffé. Mais ouais, j'aime bien le ciné. La race, je regarde pas, mais j'aime bien regarder des performeurs. Genre. Euh un mec comme Minchan, comme Darkex, ouais. quand je tombe sur ses vidéos, je sais que je regarde du début à la fin. Ouais, c'est toujours beau de regarder un mec aller si vite avec autant de maîtrise. Ouais, ouais. Je, je suis vraiment pas contre les styles qu'il y a dans le FPV. J'aime bien un peu tout. Mais c'est vrai, voilà, je suis attiré un peu par le freestyle. Il y a Rasta qui nous a rejoint. Yo les bros. Rasta. Rasta. Rasta aussi, c'est un acolyte avec qui on s'entraîne souvent avec Marus. Dans un style ouais, complètement différent d'ailleurs et qui est tout aussi bien. Bah, merci beaucoup, Dimax. C'est vraiment, enfin, euh, euh, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire euh, pendant ces, ces, un an et peut-être cinq mois que j'ai de FPV maintenant. C'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Quand j'ai vu Antoine. Ça a vraiment été un déclic pour moi. Euh, quand j'ai commencé le FPV, c'était plus voilà, là, j'avais envie de voler, j'ai toujours eu envie de faire du drone. Je me suis lancé, et tout ça. Mais quand j'ai rencontré Antoine, ça a été un déclic. Je veux faire comme lui. Je me suis dit, je te jure, mais je j'ai vraiment pensé ça. Je me suis dit, putain, je veux faire comme lui. Genre, je veux assurer comme ça, genre. <laughs> et ça m'a, voilà, ça me suis fixé un objectif instantanément et, bah, du coup, j'ai bah, il l'a bien vu, Antoine. De toute façon, j'étais toujours là, lui poser des questions, il voyait que j'étais intéressé et tout. Donc, du coup, euh, bah, pour lui, ça a été on va dire un instinctif de, bah, de me faire euh, de me faire ces cours là tu vois, de me donner les bons conseils etc tu vois ça n'a pas été une corvée antoine hein allô je crois qu'il a bugué il a avec son téléphone ah ouais, ah ouais c'est vrai il a quitté lift off aussi ouais bah, bah c'est ça je sais que voilà qu'antoine en même temps ça lui faisait faire un peu de lift off bah, et moi du coup ça me faisait carrément débuter et... Et ouais, ça m'a appris tous les, 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 les déclics qu'il fallait avoir, euh, voilà quoi. Bon les gars, on va attaquer les, les tuto tricks, donc euh, si vous avez encore des questions, vas-y, c'est le moment. Il y a, a GG qui demandait euh, oui. comment on trouve notre angle de caméra, enfin comment on le mesure. Euh... Euh, en fait, ouais. Bah, moi c'est un peu au feeling. Ouais. Si, as, si as une frame qui te permet d'avoir, tu la graduation, je sais qu'il y a des frames, j'ai déjà vu qu'il y a la graduation, bah c'est cool, tu vois, du coup, tu te à 28, comme sur Liftoff, Liftoff, c'est sûr que c'est du 28, mais euh, moi, je sais que c'est au feeling, en fait, en gros, si je règle mal ma cam, ça m'est déjà arrivé, bah, j'ai instantanément un, des moves foirés, en fait, et beaucoup, et donc, du coup, je comprends qu'il y a un problème, tu vois, donc, euh, ouais, je sais que c'est le tilt, et là, je baisse un peu, et tout revient dans l'ordre. C'est vrai qu'on a. Non, ma technique, c'est. Vas ouais. Vas-y, vas-y, Maris, vas-y, donne ta technique. Euh, c'est. Tu vois, j'ai le support caméra de la GoPro. Ouais. Je sais 100% qu'il est à 25, tu vois. Ouais. Et du coup, j'aligne ma... ma cam sur le support. Et ah coup, ouais, euh... je vois, ouais. Je... Tu t'es fait un repère, quoi. Un bah, repère. en fait, j'essaie je... de m'aligner à, à l'œil, tu vois. Ouais. Et euh, souvent, bah, ça. ça ouais, ça t'as ta bien. technique et ça marche, quoi. Ouais. ouais, bah c'est ça. Bah ouais, je pense qu'il faut vous trouver un, une technique, un repère, les gars, pour avoir le même tilt. Hein. Ceux qui ont des de, de graduations sur la frame, ils ont de la chance, euh, du coup. Ah oh bon, il y en a peu, à part les X220. Et du coup, ouais, euh, moi, ce que je voulais faire avec ces lives, les gars, bah, comme je vous ai dit, c'est bah, parler du, du, de, du freestyle en général, de parler de, des setups, etc. Et euh, bah, vous apprendre des tricks, de, bah, deux tricks par, euh, par semaine, on va dire. Si j'arrive à tenir les lives une fois par semaine, je vais essayer. Et euh, je pense que deux tricks par soir, on va bien montrer euh, les tricks sous, toutes leurs, euh, sous tout ce qu'on maîtrise. Je ne dis pas qu'on nous a tous fait, donc je pense qu'il y en a d'autres, hein, des versions. Mais ouais, on va essayer de vous montrer comment le varier, comment enchaîner derrière, parce qu'il ne faut pas s'arrêter après avoir fait un trick. Euh, comment on fait pour, euh, bah pour, pour tryhard le trick, on va vous montrer. Et voilà quoi. Je pense que ça peut, ça peut, je pense que ça peut vous aider, quoi, parce que c'est des moves clés en vrai. L'éjecte par exemple, que je vais vous apprendre, je comptais vous apprendre l'éjecte et le juicy flick. L'éjecte pour moi, c'est vraiment la base. C'est, on démarre, on commence sur une ligne, on va dire cruise, euh, on fait du cruise vraiment très propre et tout, et là, bam, éjecte, et on commence à, à faire des, des trucs sympas, quoi. C'est c'est vraiment ça que... Moi, je pense que l'éjecte, c'est vraiment un truc à apprendre, surtout pour, pour les gens qui veulent faire le style un peu juicy, quoi. T'en penses quoi, toi, Marius Toi, c'est t'a non Bah ouais, en fait, euh, j'avais une structure de mon freestyle au début, et quand euh, Farouk m'a appris à, à, à l'éjecter, bah ça m'a direct euh, permis de en fait, me déplacer plus. Euh, en faisant un tricks en, fait. ouais, bah euh, en fait. Ça te permet plein de choses en fait. C'est illimité les choses qui te permettent. En fait. Ça te permet d'enchaîner un tricks, prendre la vitesse, euh, te déplacer euh, sans faire de correction. Puis euh, démarrer un flow parce que on donne un à-coup euh, finalement. On donne un, un coup qu'on peut enchaîner avec. Voilà, regardez, quand, quand il fait son éjecte, vous voyez que okay. Il, okay. Euh, il fait un éjecte rapide, on va dire, avec de l'impulsion, et d'un coup, il passe sur de la lenteur. Vous voyez euh, cet effet flottant qu'il a quand il, il s'éjecte avec, euh, avec ce move ouais, C'est vraiment ça, l'effet le, escompté, quoi. S'éjecter pour pouvoir enchaîner sur autre chose après, quoi. On peut le faire des deux côtés, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut apprendre des deux côtés parce que quand vous l'apprenez que à gauche, bah, vous avez tendance à le faire que à gauche, quoi. Et vous n'arrivez pas à le faire à droite. Pareil pour tous les moves d'ailleurs. Et vraiment, si vous voulez structurer et donner du, bah, donner un truc à votre freestyle, c'est vraiment enchaîner sur du gauche-droite, quoi. Vous pouvez pas vous permettre de faire un move que d'un côté. C'est pas propre, je trouve. Salut à tous les ouais, nouveaux, les gars. Vrai. Bon, allez, on va passer sur. Bah, tu tu m'aides pour le chat du coup Parce qu'apparemment, Antoine de game, bon <laughs> Je vais passer sur, euh, sur euh, ma screen et du coup, bah, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent savoir. Euh... Là, je vais commencer par faire euh, le move en lui-même. Je vous propose de commencer par. Tu, tu commence par quoi L'éjecte ou le juicy flick Moi, je pense qu'on commence par l'éjecte. Hein. Allez. Il y a plusieurs sortes d'éjectes. Il y a un éjecte où vous allez tout droit. Il y a un éjecte où vous mettez un peu de drift. Euh, il y a un éjecte où. Attends, on peut en faire un. On peut en faire un tout petit. J'ai tendance à enchaîner juste derrière, mais. Et vous comprenez le principe, quoi. Alors, on va essayer de décortiquer. Alors, l'éjecte. Bon, déjà, c'est une impulsion de gaz. On prend de la vitesse d'un coup, comme ça. Et hop On va le refaire tout doucement. En fait, on va chercher la vitesse au sol, en fait, en mettant plus de pitch et plus de throttle. Et une fois qu'on a pas mal de vitesse, en fait, on, on lâche tout vers l'arrière, un peu, euh, donc le pitch en arrière. Essayez de regarder mes sticks en même temps fait, que je le fais, voilà. On essaie de le faire presque instantanément, et comme ça, ça donne cet effet de, de propulsion, en fait. Et après, on enchaîne quoi. Le but, c'est vraiment de le faire et de pas s'arrêter juste derrière quoi. Parce que sinon, ça sert à rien du tout. Faire un eject juste comme ça et après reprendre sa ligne. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi en fait. Et on a tendance à faire ça au début quand on va apprendre à le faire. On a tendance à vouloir le faire tout le temps parce que c'est un, un style stylé à part entière, tu vois. Ouais. En fait, vous voyez, genre là, ça lui permet de. À chaque fois qu'il fait un éjecte, en fait, pour moi, ça, ça le permet de d'enchaîner dans une nouvelle nouvelle ligne et un nouveau euh, pas de pas un nouveau flow mais un nouveau euh, enchaînement en fait et ça va permettre de structurer en fait tous les tous les éléments qui fait et pour pas être euh, tout le temps euh, dans un flow euh, puissant et euh, ralentir un peu ouais j'essaye vraiment de le faire voilà à toutes les échelles ça veut dire que là j'en fais un grand parce qu'il y a une grande ligne droite mais après je vais en faire un tout petit, tu vois, pour vraiment aller jouer avec les arbres, quoi. On peut vraiment gérer la puissance sur, cette, sur ce move-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça qui lance le truc, quoi. Quand on fait un eject comme ça, et qu'après, on enchaîne sur, un, sur vraiment autre chose, tu vois, ça, 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 ça donne vraiment un truc, quoi. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres versions Tu vois d'autres versions, toi, de, de l'éject Bah, il y a l'éjecte au sol, celui qui est tout plat. C'est-à-dire vas-y bah montre-nous bah ce qui te permet par exemple d'enchaîner en fait euh, le, juicy, le juicy flick par exemple montre-nous ouais, vraiment tu sais. fais un truc comme ça ah tout, ouais tout, je vois. tu restes sur le sol ouais ouais je vois ah, ouais, bon, suis... <laughs> c'est <laughs> pas grave c'est pas grave juste tac tu le mets sur mais vas-y <laughs> c'est <laughs> pas pour la map ouais c'est pas pour la pour ce genre ouais, de pas truc map pour faire ça c'est pas notre map c'est pas notre map nous c'est the green les gars si vous voulez savoir notre map préférée c'est vraiment sur le sol et en fait ouais ouais. Euh, ça permet par exemple d'enchaîner de, avec du yo. Bon, moi je suis pas je suis pas farou dans le yo mais. Non mais c'est ça, c'est ça. Et euh, ouais en fait ce que je vous disais tout à l'heure c'est que par exemple je vais aller de cet arbre là à l'arbre qui est là-bas derrière, à la place d'aller juste tout droit et d'aller chercher le, le trick sur cet arbre en fait, bah en fait je vais m'éjecter vers l'arbre. Voilà. Ça, vous voyez, cette, là, vous voyez cette, cette manière de que l'arbre a de se rapprocher de l'image Ça ça paraît vraiment comme un slow motion. Et c'est vraiment ça le truc escompté. Quoi. Ça ça donne un effet vraiment insane au, au rush, je trouve. Ne serait-ce qu'un petit move comme ça. quoi C'est vraiment juste ça. Il ouais, y a de l'éjecte sur la tranche aussi. comme euh, Ah oui. Disons, comme ça. Exact. Donc euh, moi, je, ce que je fais pour ça, en fait, je, je mets juste du yo. Et après le yo, je, je fais comme, à, comme un éject normal. Sauf que du coup, vu que je pars sur la tranche, ben, on a l'impression qu'il est sur la tranche. Bien joué, ça. Et du coup, ça vous permet par exemple de lancer euh, en wall ride ah, Stylé. C'est vraiment un truc voilà qui, en plus, ça vous oblige à, 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 à être propre au possible parce que l'éjecte c'est un move qui est dur à prendre en main. Là, vous nous voyez le faire à, à tout va, mais c'est vraiment un truc. Au début, on n'arrive même pas à le faire. On n'arrive même pas à. à en fait, c'est vraiment mixer cette impulsion de gaz, arrêter ouais. les gaz au moment où on met un petit coup de pitch en fait vers l'avant pour que, pour que voilà, c est, c est, ce coup de pitch là, l'arrêt la, du pitch, c'est vraiment ça le plus dur. Oh, il y a Antoine qui m'envoie des messages. Attends. Et vous voyez, on, on laisse un filet de gaz quand, quand on, Alors, on est en train de planer. Antoine, depuis tout à l'heure. Yo Antoine, désolé. Ah merde Oh, ouais. oh On était dans le truc. <laughs> on m'a laissé... Béton, genre. Ouais, désolé, gros, je te jure je t'ai pas vu. <laughs> non, c'est pas grave, je t'ai harcelé sur ton portable était... et tout. A... Ah ouais, carrément <laughs> eh oui, gros. Ah oui, il m'a appelé et ouais. tout <laughs> Ouais, un quart d'heure, je suis là, gros, mais je peux pas voir le serveur en plus. t'as quoi le mot de passe je suis euh, sur, Ah ouais. Ah euh, ouais. Attends, faut que je regarde, du coup. <laughs> ah, l'ai pas gros. Allez, je regarde, euh, du coup, euh, tout bien. le monde va le voir, mais c'est pas grave, les gars. Alors, attends. Tu l'envoies, sinon, euh, sur Steam. Et non, là, je suis obligé d'accéder au jeu pour le voir. Je suis obligé d'aller ah, dans la room, euh, en fait. Yeah, ok. Auras tu n'auras sais pas les messages de ta Ouais. Tu pas quoi Attends. On va, basculer. On va basculer déjà. c'est bon, bon, En attendant, je vais. Je Alors. Être... Ah non, ce serait plus simple. Euh, c'est The Green, gros. The Green 6901. Allez. Go. <laughs> Putain, le mot de passe. <laughs> c'est pas moi, c'est euh, générique. En gros, j'ai mis euh, privé et j'ai <laughs> cliqué. Ça m'a sorti un truc générique. Ça marche. Calmez-vous là. Oh. Ça va pas as chang... Ah oui. Mais, mais ça pourquoi arrive, ça m'a hein. refait boot ça m'a reboot le aucune jeu. aucune idée, bro. Aucune idée. Peut-être parce qu'elle est privée, j'en sais rien. Mmh, mmh. Tu pourrais nous donner tes rates si Rilly demande Bien sûr, je peux donner. Attends, il y a des droits d'auteur demande à Marius, oh. <laughs> Ouais, j'avoue, c'est les rates à Marius depuis hier que j'ai. Alors, attendez. Mmh. Déjà, ceux qui sont en DGI, les gars, je vous conseille d'être à 128 de, de FOV. C'est la base. Moi, j'oublie jamais. Non, on n'a pas précisé, mais ouais. c'est important. Paramètres du contrôleur de vol. Euh, bah voilà, mes, mes rates s'affichent les gars. Je pense que vous les voyez. Je vais laisser un certain temps comme ça, vous les voyez bien. Euh, faut pas se fier aux chiffres les gars. Là vous voyez de l'RC rate euh, en vo-tu en voilà du super, il y en a zéro. Euh, ça marche pas comme ça. D'habitude on essaye de, de mettre un peu, enfin, un peu des deux, tu vois. Là en gros il y a beaucoup de RC rate et quasiment pas de super, mais ça revient au même. Quand vous testez les raids, vous n'avez pas l'impression que c'est des raids complètement euh, bizarres au niveau des chiffres quoi. C'est la courbe qui compte le plus en fait. On fait tout pour avoir une courbe qui commence lente, voilà, avec une des, tu vois c'est très smooth et à partir du milieu là ça commence à devenir très agressif. J'ai ma radio qui lâche. Alors en lame. Alors on va repartir sur un éjecte J'essaie de bien décortiquer le mouvement comme ça, ils peuvent bien voir. Euh, les en fait, j'essaie en fait. de montrer comment enchaîner avec en fait. Vous avez vu là, du coup, là c'est le Yo Drift, mais c'est une base d'éjecte André Si vous regardez bien. Oh merde, je suis foncé dans le sol. En gros, on s'éjecte pour commencer à basculer du Yo en fait. Pas nice là, Ah ouais, non, et en gros, les gars, ce que vous disiez par rapport aux raids, c'est regardez quand j'enchaîne sur un move, n'importe lequel, je les maîtrise parfaitement, même si c'est instantané. Et ça, en fait, faut vraiment bosser avec ces raids pour pouvoir faire ça. Et tant que vous êtes pas dans ce degré là de maîtrise de vos raids, vous pourrez pas faire les moves les plus ouf. Je vous le dis direct, on est obligé de maîtriser ces raids parfaitement. Il y a des petits ratés des fois, mais ça doit rester vraiment très. Euh, euh, très. On va dire. Enfin, ça doit rester exceptionnel en fait. Ça doit arriver de temps en temps. Mais si vous avez trop de ratés par rapport à la réussite, c'est que vous n'êtes pas encore au point et que vous devez encore le bosser. Parce que je ne me vois pas être sur un spot, entamer une line et foirer le dernier move à chaque fois. Tu vois ce que je veux te dire Là par exemple, j'ai foiré, tu vois. Là encore, j'ai foiré, tu vois. Elle strike qui demande Allez. en gros dès que tu coupes les gaz, tu mets un coup de, de pitch rapide, c'est ça Ouais, ouais, regardez. En fait, on peut garder un peu de gaz. On peut garder un peu de gaz. Regardez. Euh, limite, il faut mieux de garder même un, un ouais. filet de gaz. Ouais. Hein, ouais. Regardez, un petit filet de gaz, un tout petit. Et après, en fait, dès que vous voyez le, le, le drone redescendre, regardez. Au début, on part vers le haut et après, on redescend. Bah ben Là, vous, vous maintenez le gaz. Et là, vous commencez à gérer. Faites du yo, faites ce que vous voulez. Et en gros, moi, j'utilise l'éjecte pour balancer plein de moves, en fait. Là, par exemple, transition, ou ouais, est-ce qu'on appelle Non, ouais, grave. Et là-bas, j'envoie un éjecte. Je fais de la merde, mais voilà, on, on balance un éjecte. Attendez. là j'ai vu la sim, j'ai voulu jouer avec elle. Bah après, l'éjecte. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, voilà, vous basculez sur un truc. Là, imaginons, vous faites un move, n'importe quel. Et là. On bascule sur un autre éjecte Vous voyez euh, C'est vraiment C'est vraiment une fin de move Ça peut être un début de move Une fin de, une, Un début de line C'est vraiment un truc Qu'on peut faire à toutes les sauces quoi ouais. une transition quoi Clairement ah ouais, C'est ouais, clairement une transition ça. Et c'est l'une des meilleures On va dire Celle qui, qui donne cet effet boue, Propre tu vois, tu vois ce que je veux te dire ou pas De ouais. ouf Vous voulez duo Ouais, dans le chat Farouk qui te demande de ralentir un peu. Ils okay. comprennent pas. Ok. Et faire le plus lentement possible. En gros, plus on ralentit et plus on a du mal à, à mettre cette impulsion. Ça là, par exemple, vous voyez, l'impulsion qu'on met pour. Euh... En fait, c'est l'arrêt net du pitch qui qui provoque ça. Donc euh... après. Moi j'ai justement fait des lives les gars pour pouvoir faire une rediff et, et du coup en fait la rediff va vous servir parce que après YouTube on peut, on peut doser sur le, la vitesse en fait de, bah, de la vidéo et du coup vous pouvez voir vraiment le move en question au ralenti quoi. J'essaie de le faire vraiment plusieurs fois au ralenti et vous montrer qu'il faut enchaîner derrière, ne pas le faire tout seul. Comme, comme on vous a dit, il y a celui qu'on peut faire à plat et celui qu'on peut faire carrément en knife edge. Il est très beau celui-là aussi. Je l'adore ouais. ouais. C'est vrai qu'Antoine il a fait beaucoup celui-là. Marie, je vais te laisser le chat. Moi je vais aller préparer ouais. à manger. Déjà 21h 21h10. Vas -y, vas -y. Je vais souhaiter une bonne soirée à tous. Merci encore d'être euh, venu euh, pour le premier live de, de Farouk. Et il ouais, continue, c'est hein, juste moi qui me casse, bah, hein, bah, les gars. Ouais. Il <laughs> est buzzy, Antoine. Il est trop buzzy. Déjà, il s'est le... libéré. C'est vraiment bien, sympa de sa part, les gars. <laughs> non, non, avec plaisir, avec plaisir, gros, avec plaisir. Et puis, euh, bah, voilà, n'hésitez pas à lâcher des, des likes euh, pour euh, le premier live, le premier live à Farouk. Et puis, euh, on se dit à bientôt euh, les Bob Boys. Et puis euh, voilà, samedi moi aussi je fais un live, euh, live pour annoncer les gagnants du Giveaway. Voilà, ouais, ceux ouais, qui ont participé, ouais. n'hésitez pas à participer. Et puis on se dit, euh, on se dit à la prochaine. Apprends leur bien les, les choses, hein, Farouk. Hein. Ouais ouais, t'inquiète <laughs> je vais essayer. <laughs> nice. merci à, à toi d'être passé. Hein. Bye. Avec plaisir, merci à toi, Farouk. Ciao, bye bye. Merci. <laughs> euh, tu, du coup, les questions, euh, Marius Ouais, pour l'instant. Euh... Est-ce qu'ils veulent le revoir Est-ce qu'ils veulent que je montre quelque chose en particulier Je vraiment désolé, les gars, j'ai pas deux écrans. Du coup, je peux pas. Mais j'en ai un qui traîne. Du coup, je pense que je vais le brancher pour le, pro le prochain. Comme ça, je peux suivre tout en même temps, quoi. J'essaye de vous montrer voilà, tout ce qu'on peut faire avec un éject, j'essaye de, de, de provoquer un peu tous les moves que je peux faire. Ouais Fab clairement c'est quelque chose de bien de ralentir ses moves euh, ah à oui. la fin en fait. C'est Ce qui te donne l'effet de... En fait, l'effet le, de ralenti va varier en fait ton flow et du coup euh, va donner euh, en fait, différents styles en, en soi dans ton freestyle. Il y a Jones qui demande, euh, est-ce que la cam à 40 degrés, ça empêche à freestyle correctement Non, pour un... moi, je pense pour un, un style un peu, un peu différent, parce qu'à 40, regardez déjà la vitesse que j'arrive à prendre, et c'est pareil avec mon vrai quad, hein. quand, quand je me laisse aller et que j'essaie de prendre de la vitesse, à 28 déjà on peut prendre pas mal de vitesse, vous voyez Donc euh, moi à mon avis, plus ça devient vraiment un truc freeride quoi. Donc, à mon avis, on peut faire du freestyle en 40, mais ah, je sais pas si c'est vraiment. Euh, si tu veux faire du freestyle de ce type-là, je sais pas si c'est vraiment le plus intéressant. Quoi. Il y a Romain qui demande euh, tu peux le refaire comme la première fois, plus vraiment lentement, en, vraiment en décortiquant vraiment tous les, tous les moves. Okay. Comme on avait fait au tout début. En alors. fait, c'est vraiment la prise de vitesse au début, en voilà, mettant euh, plus de pitch. Et je là, vais essayer de dire en même temps ce que je fais. alors... Ouais. Alors mettez vous sur une ligne déjà normale Au début vous n'avez pas l'habitude du coup Quand vous savez le placer vous le placez n'importe où Par contre au début vous avez du mal à le placer Si c'est pas une ligne droite Alors vous vous mettez sur une ligne droite déjà Là on prend de la vitesse en baissant le pitch Il faut baisser le pitch les gars C'est comme ça qu'on prend de la vitesse Du coup on baisse un peu le pitch Là vous voyez je prends de la vitesse Et là je lâche C'est vraiment un coup de pitch à avoir Tu voyez Hop Regardez bien de te les mettre cycles. sur la route pour que ce soit plus visible. Ok, vas-y. Peut-être même mettre The Green en vrai. Ah ouais, The Green, c'est tout plat et tout, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être rien. Allez, on va mettre ça. Et on demande aussi si on... Enfin, il y a Jim qui... qui demande si on peut accélérer le Yo. Est-ce que t'as une idée Comment ça, accélérer le Yo Il veut plus de Yo. Que j'en fasse plus moi Non il, il veut une solution pour euh, plus de yo ah, pour, bah, utiliser... pour utiliser plus le yo ah, Non bah... pour euh, accélérer son yo Il veut la, la solution mystère Bah c'est juste plus de raid à mon avis non Un peu plus de courbe dans la, dans la raid Des, des de yo Non t'en penses quoi toi Bah il faut le faire à full hein Full yo tout le temps Ouais non mais full yo c'est pas beau <laughs> Non, full yo, c'est pas beau quand tu quand tu mets. Le moi, nous on a une courbe de, de 1000 à peu près, même sur le yo. Et euh, faire du yo à 1000 degrés, c'est dégueulasse. Enfin, moi je trouve, hein, en tout cas, les gars, <laughs> je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, faire du yo à, 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 à 1000 degrés, je trouve pas ça, euh, je trouve pas ça beau en fait. Moi, je trouve la vraie, la vraie beauté du freestyle, c'est vraiment. Euh, la prise de vitesse qu'on arrive à prendre sur un move Genre le faire très rapidement Et d'un coup tu vois le mec il, il passe en slow motion C'est vraiment C'est comme si tu faisais du, du play en accéléré Et d'un coup tu passes en slow motion Genre t'avais ce genre de, de bouton Et que tu pouvais faire ça C'est vraiment C'est vraiment comme ça que je pourrais décrire mon, mon freestyle Clairement Voilà j'ai mis le green de toute façon on va le faire, enfin euh, moi j'ai pas, pas, pas d'heure les gars donc euh, si, si ça peut durer même plus c'est pas grave Donc euh, on va le faire autant de fois que, que c'est possible si vous n'arrivez pas à le faire Dans tous les cas on a la rediff donc vous pourrez le bosser après euh, Je pense que je mettrai dans la description euh, les, les, les moments exacts où on a commencé à, à faire ça Comme ça ben, euh, vous avez directement le moment si vous voulez pas regarder le début Bon là on est sur The Green. Regardez bien les sticks surtout hein. C'est vraiment les sticks qu'il faut regarder hein. Et tout le monde dans le dans le chat qui veulent que tu mettes ta cam à 40. Ma cam de tilt Ouais. Mais non, je suis pas par ça moi. Bah ça t'a là. Ah non les gars c'est mort hein ah, tu vas perdre leur confiance hein Ah non mais moi je suis pas pris avec d'autres tilts a aucune honte à avoir hein <rire> <rire> Éjectes qu'on peut faire à l'envers quand on se retrouve, euh, je sais pas moi, bah on peut s'éjecter en mode à l'envers quoi et partir euh, dans l'autre sens quoi carrément, mais ça c'est un peu plus tard quoi. D'abord entraînez-vous sur celui-là, celui-là. Oh 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 tu l'as vu celui-là Non, j'ai pas vu. Et <laughs> eh, ça pose des questions ou pas Attends, je vais regarder. Euh, ouais, vas-y. Mais euh, il, il, tout le monde t'harcèle pour aller te eh dans c'est mort. 40. Ils euh... veulent voir ce que ça fait sur les sticks. C'est mort, les gars. Vas-y, moi je le fais. Comment ça, toi, tu le fais Vas-y, vas-y, vas vas regarde-moi, regarde-moi. T'en as 40 Attends, je regarde. Je suis à 128. Ah non, je sais pas. Ouh là là. Oui le son il faut le mettre euh, moi je trouve que ça aide parce que je sais que en vrai quand je freestyle j'ai toujours le son de mon quad et je... c'est un petit repère tu vois c'est pas un truc super important mais c'est un repère et du coup j'aime bien l'avoir aussi sur lift off du coup je l'ai réglé euh, et je l'ai mis euh, d'une certaine puissance pour qu'on puisse euh, mettre une musique en plus et avoir quand même le son du quad quoi. Là je suis à 40 les gars Euh, oui, voilà c'est possible. De... Voilà, bah, possible, il arrive même à Juice à 40 Oui je vais en faire un de toute façon je vais c'est le trick juste après qu'on va faire euh, Thibaut le Juicy Flic. Oulala là là. Essaye de faire plusieurs éjectes et tout à gauche, à droite ouais. avec le 40 pour l'envoyer. Attends, me me Ah, à 40. Bah oui, parce que. Ah, t'étais pas à 40 Ni là, je suis à 40. Vas-y. En fait, c'est. Si on décortique bien, en fait, c'est là, je prends la vitesse. Là, je... Ouah, là il attends. te dit, en gros, ouais. le, euh, la personne qui t'a posé cette question-là, de te mettre à 40 pour voir la différence, et il t'a dit, du coup, quel est ton ressenti bah en fait je prends beaucoup plus de vitesse par exemple là quand je vais aller tout droit je vais direct à... je vais aller tu vois je vais aller vers l'avant alors qu'à 20 je vais plutôt ouais, monter tu on va tu décoller vois. un peu donner un ouais. peu de, de, de hauteur un peu à cet éject tu vois et du coup là par exemple je vais faire mon éject beaucoup plus tu vois beaucoup plus euh, plat mais après si on peut je, faire je un éject on, on peut faire un éject à ras du sol si on veut nous à 28 de tilt oui mais, faut, mais là en voulant aller en haut en voilà, là en voulant aller en haut il arrive pas en fait tu fais du ras du sol quoi voilà, mais ça passe, ça. Hein. sinon regardez les moves, les gars, il arrive à être juicy, hein, là. il est assez robotique, euh, loqué. Bon, on sent que c'est pas son tilt d'origine, il a des ratés et tout, mais. Non, oh, franchement, les gars, euh, moi je pense que, que c'est clairement possible euh, de faire euh, du freestyle très très bien, même euh, à 40-45, etc. Après, je pense qu'on aura plus de vitesse, c'est sûr, ça sera un freestyle encore plus vite, enfin plus rapide, mais ouais. euh, c'est possible. Je pense qu'on a fait le tour de l'éjecte. Attention, on le remonte une dernière fois. Je le remonte à 28, à gauche, à droite. À 25, genre euh, vraiment euh, euh, bien décortiqué. Ouais. Du coup, là, d'abord, je prends la vitesse et là, je mets en full. Et en mettant le full, et en, enfin en baissant le full, je, je mets mon pitch vers le bas en fait. dire que. T'es obligé de baisser un peu, voilà, la cam. Ouais. T'es obligé de baisser un peu la cam la vitesse et tac en fait je fais euh, l'inverse entre le pitch et le et le throttle en fait et vraiment dans ma tête c'est une, une sorte d'explosion en fait genre euh, je me dis bam Vous voyez genre euh, c'est euh, c'est comme euh, je me lâche sur le le move pour être plus lent après quoi ah, c'est clairement ça hein. C'est un move qui emmène, euh, qui emmène de l'impact en fait. Dès que tu le fais, tu sens que tu as, as créé un truc. Tu vois ce que ouais, voilà. Tout ce que tu enchaînes ouais. derrière en pas. fait, ça paraît très stylé. Parce que justement, tu l'as entamé avec euh, bah, ce, ce truc assez, assez, assez stylé. C'est super beau, mm -hmm. hein, un, beau un, un bel éjecte. Il bah, y a aussi fait, euh, un truc. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas non, bah, je disais que ça structurait en fait tout le freestyle qui allait suivre derrière. quoi. Un autre éjecte, c'est. Euh, tu pars en arrière en fait. Tu fais par exemple un juicy flick, on va vous montrer après. Et là, tac, ah, vers l'arrière. Ouais, mais ça, un peu plus... Ça, c'est plus un petit arrière. Ouais, mais ah, comme ça, comme ça veux... sur le côté. Ouais, 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 clairement. Ouais. C'est clairement. vraiment un truc avec lequel vous pouvez sortir de plein de situations aussi. Et en fait, une fois que vous allez bien gérer euh, votre éjecte, bah, vous saurez que quand vous êtes en éjecte, bah, vous faites pas de correction, ou très peu. Et du coup, bah, peut-être que quand vous faites des lignes droites, vous êtes plus sujet euh, aux corrections. Alors que quand vous êtes en éjecte, vous savez que vous n'allez pas bouger en fait. Exactement, ouais. Après, il y a toujours ce gaz à gérer derrière, les gars. Quand on s'éjecte au début, on doit lâcher les gaz. Mais après, on doit le mettre progressivement parce qu'on bah, on revient au sol. Et c'est un truc à prendre. C'est vraiment un coup à prendre, les gars. Mais voilà, c'est vraiment un truc à bosser. Et à rebosser. Et à rebosser pour l'avoir en main. Et une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment, vraiment plaisant de le faire. pas obligé de commencer un, tous les tricks par ça les gars hein. au début il avait tendance à croire ça marius qu'il fallait commencer tous les tricks par un éjecte mais non en fait c'est juste une transition le moyen de commencer une line le moyen de, de, de finir une line enfin c'est vraiment euh, voilà c'est un petit move à part entière qui est vraiment bon pour le pour le juice quoi mais au début si euh, en fait moi j'ai vraiment j'ai trop kiffé ce move et parce que je trouvais qu'il donnait trop de possibilités. Et, il donne Et du coup, vraiment, je l'utilisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, euh, tout le temps, je m'envoyais, je m'en... Ouais, il en abusait, il faisait, il faisait un là, à gauche, un à droite, après il en refaisait, voilà, il s'éjectait en fait. Parce qu'en fait, quand vous l'apprenez, ouais, vous si... avez envie de l'utiliser parce que c'est tellement ouf en vrai. En fait, au début, on n'a pas l'habitude de lâcher ses gaz pour freestyle, dans le sens où genre on n'a pas l'habitude de se donner une impulsion comme ça et aller freestyle derrière. On a tendance à toujours avoir un, un gaz linéaire en fait et toujours avoir du gaz. Et c'est pas pas forcément la meilleure façon euh, pour, euh, pour freestyle. S'éjecter comme ça et lâcher un peu les gaz, ça permet de créer euh, euh, le bah, un flow quoi. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Alors attends, j'ai raté un peu de questions. Je vais regarder. Le rôle, tout rôle. Je crois qu'il parle de, de ça, mais je suis pas sûr. Quand tu fais ça, ça. Je vois pas. Tu Par exemple, quand tu fais le Juicy Flick. Ah, ça Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça dont tu parles, Jérémy je joue aussi. je le vois comme un condo. Tu le charges calmement et tu vides d'un coup. Ouais, c'est clairement ça. C'est exactement ça, Boonsback. C'est un truc où on doit jongler entre agressivité et douceur. Et c'est vraiment ça qui donne cet effet super beau, quoi. Et tout dans la propreté. Ouais, 70 de tilt, tu t'a dit, Escape. Ça va, toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Et le roll to roll, Jérémy, c'est bien ce qu'il a montré, Marius. C'est le roll gauche et le roll droite en mode tourbillon. C'est ça que tu parles Oulala, là là, oulala. Là là. Tu voles en 16-9, IRR aussi, po. ou juste lift-off perso je 4 tiers. Moi, je vole en 16-9. Je vole en 16-9 à ouais. 80% de, de, de mon masque DGI. Ouais. 16-9 à Moi, 80% Moi, je suis en 4 tiers euh, sur le DJI et euh, sur lift-off aussi, je suis en 4 tiers. Comment ça, t'es en 4 tiers T'as un écran euh, carré Non, mais je me mets 4 tiers. Ah ouais ouais. ouais. Non, c'est un le roll. Mais en mode ralenti avec un arrêt net Et tu repars Ah ouais je vois c'est quoi de quoi il parle <laughs> Il parle du rôle que je fais tu sais là Le rôle chelou là Où j'enroule le sol là Alors je vais c'est Dis moi si c'est ça Tu peux aller sur le chat pour voir regarder euh, Si c'est si ça ou pas Ouais j'arrive C'est compliqué le, le 70 hein. C'est ça que tu parles Ce move là que je fais un peu partout. Le nom du trick, c'est roll chelou. <laughs> ouais, c'est un roll chelou. Hein. En gros, regardez. Après, je vais vous montrer. Parce qu'on va prendre le juicy flick. Après, je vais vous montrer. J'ai plusieurs façons de faire le juicy flick. J'en ai un très linéaire. Voilà. Ça, c'est le linéaire, on va dire, auquel on peut implanter du momentum. Voilà. Le faire lent. Et après, faire un yo. Tu vois, ça fait stylé. Ou sinon, on a le, le juicy flick un peu bâtard. Hop Il est enroulé, je sais pas si vous avez vu. Celui-là, regardez. Il est très linéaire. Et celui-là, il est enroulé. Voilà. Et en gros, c'est ce juicy flick-là qui m'a permis d'apprendre ça. Oh. C'est ça, il répond pas si c'était après. Voilà, ne serait-ce que même faire un move très agressif. Regardez, vous repartez doucement. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de repartir en mode très, très enfin, vous essayez de d'amortir la chute en fait. Dit que non, dans une vidéo, tu faisais un demi-tour sur le yo avec un roll en montant un peu et arrête net, roll, rewind. Ça donne l'impression que tu passes la vidéo en marche arrière. Ah, ok. Ah, je crois que je vois. Ouais, vois tu es, c'est ce genre euh, tu tac, tac. Celui-là, et après, c'est en arrière. Bon, attends, je ouais, vais... mais je ça, c'est sur le pitch. Ça, c'est euh, du caca. Bon, c'est ça, je crois. Ça. Regarde. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles. Voilà bon, bah je l'ai mal fait. Après ça c'est un pitch c'est pas un roll ouais donc je sais pas si c'est ça. Tiens regarde regarde c'est ça je pense si je le fais bien Ah, ah juste ça Non mais j'arrive pas mais tiens un re un rewind sur le sur le roll Attends bah, que Attends je vais voir si est -ce que c'est -ce euh, ça euh. Alors Nope dans une dans une vidéo tu faisais demi-tour sur le Yo avec un roll en montant un peu ouais. net Celui quad Ah je vois pas trop gros. Ah je vois pas trop. Hein. Ah. Le quad. Ouais c'est il dit que c'est ça. C'est quoi ça? Fait ça un, peu, un, un peu plus net, un peu plus précis quoi. Ah c'est ça. Ok. En gros c'est un rewind sur le sur le le roll. Ah mais j'arrive pas. Oh. <laughs> Ah mais c'est normal, c'est pas des trucs qu'on fait d'habitude, mais je, moi je vois pas dans quelle vidéo je fais ça, c'est pas vraiment trop le genre de move que j'ai l'habitude de faire, peut-être que je l'ai fait sans le vouloir ou je sais pas. Et euh, ouais, je me rappelle pas faire des, des, rewind, ouais. des rewind sur le rôle quoi. Je vais essayer, mais je suis pas sûr d'y arriver les gars. Ouais, le nom du trick roll chelou, ouais c'est exactement ça <laughs> Le rewind des enfers C'est quoi le rewind des enfers quoi Adrenaline Moi je vois pas hein perso Celui que t'avais plaqué net Ouais mais c'est pas si c'est un rewind ça Toi tu parles du, du double du double Juicy Flick suivi d'un inverted c'est celui-là Dans un arbre la vidéo en open air non, je lui ai montré justement celui-là. Je lui ai montré et il m'a dit que c'était pas celui-là. Quand je fais un pitch avant sur un arbre et que je reviens après juste derrière lui, non, c'est pas ça. C'est pour ça que j'essaie de chercher en fait mes tricks. Mais je vois pas. J'ai mmh. le, le double juicy flick. Ou sinon, ah, c'est peut-être le double juicy flick dont il parle. Celui où je fais euh, un juicy flick à gauche, après je fais un juicy flick à droite. Mais non, non, je crois que j'ai monté tout à l'heure. Pas en tout cas, je vais, je vais essayer de. Bon, déjà, on va passer sur le juicy flick là. Je vais vous montrer un petit ouais. peu. Du coup, on va essayer de le décortiquer. Alors, moi bon, pour commencer, je l'ai appris comme ça. Alors, on commence déjà par faire ça. <laughs> on s'entraîne à faire ça. Vraiment, faut s'entraîner à faire du pitch au début. Voilà, on s'entraîne encore à faire du pitch. C'est vraiment l'entraînement basique pour pouvoir le maîtriser Vous essayez de faire du, du pitch genre à, à haute vitesse Vous essayez de faire du pitch à basse vitesse Et une fois que vous maîtrisez un peu le pitch Genre comme ça on va dire Dans le sens où genre vous, vous avez votre plaqué Vous maîtrisez Faut maîtriser ça en fait voilà. Faut maîtriser le, le fait de, de se plaquer de l'autre côté quoi euh, on n'est pas obligé d'être précis dans le sens où genre, on n'est pas obligé de le plaquer bien comme il faut comme ça. Euh, on peut le plaquer même, euh, même à peu près. Et comme on l'enroule juste après, ça apparaît pas. Ça apparaît pas que si c'est si un move précis ou pas. Voilà. Donc au début on s'entraîne à faire ça. On tourne petit à petit. Au début je pense que moi au début je me rappelle quand je m'entraînais à le faire, surtout en IRL, j'avais tendance à le faire très rapide parce que j'avais pas l'habitude en fait de garder du momentum en l'air. en fait. Donc du coup je le faisais très rapide, tu vois. Et en fait, bah, un jour, je l'ai fait de cette façon, avec un peu moins de vitesse. J'ai vu que, en gros, quand tu le lances, ça veut dire énergiquement comme ça, et que tu ralentis, euh, tu ralentis le, le move de, de roll, bah, ça donne un, un truc vraiment stylé, quoi. Oui, et euh, dernièrement, j'ai montré à quelqu'un euh, qui savait pas le faire. Regardez, c'est vraiment du pitch et du roll. C'est tout. Il n'y a pas de ni de yo, ni de rien du tout. Pitch et roll. En fait, ils, avaient la, ils ont la difficulté d'enchaîner de, les deux en fait direct. Oui, au en début c'est euh, pas facile. Bon, ils, ils mettent juste le, le pitch et ensuite ils mettent le, le roll. Mais le problème c'est qu'ils arrivent pas à avoir l'effet le, que quand, quand tu finis le, le trick, tu recules. Tu vois Ça Ça si as Tu as me à ah, avoir, avoir, avoir encore tu plus me de vitesse euh... pour aller loin, genre Ouais, si tu ouais, te me mets ouais, sur okay. ma vue, regarde. Ce que tu veux dire, vas-y, montre. Bah, eux, ils le font genre comme ça, comme ça, et là, ils s'arrêtent, tu vois. Et puis, oui, ils savent pas quoi oui. faire. Bah, en gros, en fait, parce que vous mettez du gaz quand vous vous arrêtez à la fin. Et euh, si vous mettez ça, là, vous faites un peu plus lentement, par exemple. Et là, moi, voilà. je mets un, là, on le voit un peu sur mes, mes sticks, mais je mets un peu de, de pitch en arrière, en fait. Tac, tac. Et là, je mets du arrière, en fait, pour équilibrer et arriver en UAP là, quoi. Voilà, par exemple. Du coup. Là je mets mon truc bien euh, puissant en avant Ça je le ralentis un peu Et après je pars un peu en arrière Bon là j'ai fait Mais vidéos, ouais il mais... y a toujours un filet de gaz à la fin Il hein. okay. Faut pas, faut pas l'oublier quoi Toujours en, en, en sortie de trick Il y a toujours un filet de gaz Pour maintenir euh, une bonne altitude quoi Et avec beaucoup d'entraînement de, bah, vous arrivez à avoir euh, On va dire des, des trajectoires De sortie de trick Très au ras du sol Et très plate quoi Avec du yo à plat Donc ça fait un peu stylé tu vois Mais ouais le, le move principal c'est ça Voilà on, on fait le... je peux même le faire à droite, je vais essayer. Le même à droite. Ah j'arrive pas à droite, à droite il est enroulé à chaque fois, j'ai trop pris l'habitude de le faire. Oh il est trop enroulé mon, mon... <laughs> celui que je fais à droite. Je l'enroule trop, j'ai tendance à mettre du yo, je sais pas ce que tu... je sais pas ce que je fais. Ah ça va. Et bien sûr, après les gars, il y a les variantes qui arrivent. Hein. Euh, une fois qu'on maîtrise bien le juicy flick, ça veut dire celui-là, on essaie de lui mettre un momentum. Voilà. Un peu de... De, de ralentissement pour paraître un peu vraiment super beau, quoi. Super au ralenti, etc. En gros, tout est dans le. On le balance énergiquement pour revenir vraiment tout doucement, quoi. Hop Il y a un truc que as oublié de préciser, c'est que. Parce toi, ça, tu le remarques pas trop parce que ça paraît naturel. Attendez, je vais, je vais Mais dire un on met on utilise le yo en fait euh, on met du yo à, à l'inverse du roll pour euh, en fait donner de l'effet tourbillon en fait au, au roll à la fin ouais en fait que tu, euh, si tu mets sur ma si tu mets sur ma j'en mets du yo tu étais sûr j'en mets du yo oui oui tout le monde en met ouais mais moi je l'ai enfin le premier que j'ai montré je l'ai montré en mode il euh, y a pas de yo ouais mais c'est justement pour l'améliorer oui après ah oui c'est ce que j'ai si, chier, je, si je mets du du roll et du yo en même temps Ouais, je fais une sorte de tourbillon alors que si j'en mets ouais. pas, bah, ça fait euh, un, un truc très, très... chelou ouais. Ça fait un truc pas ouf alors que si j'en mets j'ai toujours le même point au milieu Et c'est pour ça que du coup si je fais tac et j'en mets là j'aurai toujours le même point au milieu ouais, c'est pour vraiment l'avoir très très, euh, ouais. très très droit quoi C'est vrai c'est vrai c'est l'étape d'après ouais. C'est pas faux C'est juste, aussi, un, euh, juste ouais. un move à avoir dans sa mémoire musculaire, les gars. Je, je vous ouais. jure, c'est vraiment l'un des, des plus basiques, on va dire, que tu apprends au début. Au début, tout paraît dur. Je vous jure, même l'éjecte, enfin, vous avez vu avec quelle facilité on, nous on les fait avec euh, Marius bah, Au début, c'était limite mission impossible pour en faire ne serait-ce qu'un ah, Au qu début, propre... j'ai rien compris. Rien tu compris vois ça, le, le délire Il ouais. ne faut, faut pas voir la facilité avec laquelle on fait. C'est vraiment des trucs qu'on fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du coup, nous, c'est devenu facile, vous voyez. Mais voilà, une fois que vous l'avez en main, il faut savoir que les tricks, une fois que vous les appreniez, bah, c'est très dur de les oublier. En gros, vous pouvez les perdre, euh, les perdre on va dire, euh, au niveau du feeling. Mais Vous le refaites deux trois fois, et il repasse instantanément et ouais. Aussi, un autre truc encore, c'est que en fait, on utilise l'éjecte pour euh, faire le, le du siflic, En fait, on, on met un coup de, de trottle en fait au, au tout début pour euh, s'envoyer vers l'avant en fait et se plaquer vers euh, l'avant. Vous voyez que si je mets du trottle là, je me plaque vers l'avant ouais. et je me plaque euh, au sol, vous voyez, et du coup, on utilise ça. Comme ça on a vraiment un truc qui reste euh, près du sol alors que si euh, je mets pas du enfin si je pas le throttle pour euh, me plaquer au sol, ça fait plutôt un truc qui monte. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut pas abuser sur ça. Je pense qu'au début les gars, c'est pas grave si vous montez. Ouais ouais non, c'est clairement parce que quand on n'a pas l'habitude, quand on gère le throttle et alors qu'on est en inverted, bah on a tendance à en mettre un peu trop et on atterrit directement dans le sol. Donc euh, moi je vous conseille de faire le plus basique possible au début et plus vous le maîtrisez et plus vous allez le faire d'une façon plus évoluée etc comme je vous ai dit il y a plusieurs variantes pour ces tricks là euh, je vais vous commencer par vous en montrer un alors au début comme je vous ai dit voilà la première variante c'est juste de le faire un peu plus lentement voilà je vous le refais vous voyez avec cette, cette belle euh, ce beau ralentissement vous voyez bam ça permet d'enchaîner sur un move agressif juste après genre et ça donne un, un flow quoi. Après, bah vous avez celui-là. Ça veut dire au lieu d'en faire un seul, vous faites gauche-droite. Mmh. Le refait encore, essayez de refaire le maximum. Hein, comme ça, vous avez vraiment plusieurs passages où vous avez le trick. C'est vous n'avez pas besoin de revenir en arrière toutes les cinq minutes, quoi. Alors, ah, par contre, celui-là faut l'anticiper, les gars. Parce que quand on quand on fait ça, ça va, mais quand on fait ça et ça, on a tendance à mettre un peu plus de temps. Du coup, il bah, faut vraiment l'anticiper. Sinon, vous atterrissez dans le sol. Hein. C'est bien pour ça que je répète à. A tous ceux qui me demandent que en open air, les gars, euh, je crache presque 3 ou 4 fois par lipo. Parce que je suis tout le temps en train de chercher la proximité avec le sol et bah au final, je le mange hein, au bout d'un moment. Donc il y a celui-là, le normal. Après, il y a celui-là. Hop et hop. Après, il y a celui-là. Hop. Là vous faites en, en, en gros vous faites un juicy flick et vous faites l'inverse derrière. Regardez. Là c'est juicy flic, là ici pitch arrière et roll, roll droite. En gros vous faites exactement l'inverse de ce que vous venez de faire. C'est ça Marius, ça hein, non Non le même. Tu ah, refais le, le même. Ouais. Ouais mais tu dois le faire sans te projeter vers l'avant en fait. En gros ouais, viens de capter. En ouais gros, tu fais juste le mouvement des sticks, le même. Voilà. C'est juste le mouvement des sticks en gros Si vous, si vous mettez de l'impulsion Bah vous allez freiner votre move en fait de base Voilà Ça en gros c'est bah, le Juicy Flick de double côté Euh T'en vois un autre là bro Ouais bah y'a tous ceux que tu, tu utilises pour t'éjecter Après en fait Comme j'ai montré tout à l'heure Et ou par exemple ah ouais. euh, le, le pitch euh, le, le pitch back Ça après. peut vraiment vous servir pour balancer des tricks en vrai hein. Regardez moi, franchement, c'est un des tricks que, que j'utilise le plus. Ah, mais ça vrai, fait vraiment, fait, Il me permet d'envoyer ce que je veux en fait. Un inverted après, ouais. euh... n'importe quoi en fait. Et puis je trouve que c'est une bonne entrée dans le flow parce que c'est puissant et ensuite ça ralentit. Et, euh... et vu que je l'ai beaucoup fait, ben, du coup, je, le... je commence à bien le maîtriser et du coup, ça, ça vient tout seul en fait. Quand je veux en fait, je me demande même plus euh, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, je me dis même plus que je, me, je, nous, là là je suis que toi, que hein. je fais un juicy flic en fait. Genre, regardez euh... le chat, je raté la juste, euh... j'y vais, vais tout différé, seul. Mais je suis ultra motivé pour des cours ou des séances simu avec vous si vous êtes dispo ouais, là, pour les pour les séances simu, les gars. Bah, si vous arrivez à vous connecter et nous rejoindre, parce que nous on est là tous les soirs et on crée des, 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 euh, des rooms euh, publics. On se casse pas la tête à faire des mmh. rooms privés ou quoi que ce soit. Donc, du coup, en gros, on, on crée la, la, la roue, mais là, vous, vous vous connectez. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 6 personnes qui peuvent rejoindre et ça, ça devient compliqué après. Enfin, euh, de, de, entraîner tout le monde, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative des lives. Mais euh, ouais, si vous, si vous vous sentez le soir, vous voulez venir ou quoi, euh, moi, je peux partager le Discord dans la description du live après et euh, bah vous rejoignez le discord et il y a pas de souci hein, vous nous parlez les gars euh, on est super sympa on est bonne ambiance euh, ouais, tu moyen mais bon <laughs> il insulte beaucoup non c'est pas vrai les gars c'est un mytho <rire> <rire> non mais voilà si vous voulez vous entraîner il euh, n'y a pas de souci mais après voilà il y aura le nombre les gars j'aime bien alors je vais relire un peu. J'ai raté la fin du live, je regarde en différé, je suis ultra motivé. Bon, ok, c'est bon, ça j'ai déjà lu. Du coup, je t'ai répondu. Le rôle chelou au début de cette, vid et au début de cette vidéo. Ouais, euh... tu parlais d'une vidéo tout à l'heure. Ouais, mais quelle vidéo Je sais pas, je crois que c'est opener. Ah, peut-être, ouais. Désolé. Je sais pas bon. laquelle. Bah, le rôle chelou, en tout cas, je voulais montrer à un moment. Oh, je vais difficile. vous le refaire après. Euh, là, Marius essaie de leur montrer des variantes de Juicy Flick, mais ouais. euh, tu sais, des trucs que j'ai pas montré. En gros, moi j'ai montré le Juicy Flick normal, le Juicy Flick Momentum. Tu vois ou pas Il y a celui-là aussi qu'il a pas montré. C'est le Juicy Flick euh, Tourbillon en fait. C'est Vous faites de... bah, non, deux rolls à la fin. N'importe quoi, gros, sérieux quoi Quoi C'est quoi que ça fait là C'est trop stylé ah, Non, mais, mais Ah, ça, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a double rôle. Euh non, c'est pas après... ça. J'ai vu non, j'ai vu ton pitchback euh, double pitchback ah dans ah la ah vidéo. Ah oui, c'est parce que je lis. Non, c'est parce que je lis les, je lis ah, les commentaires. Il y a 20 secondes. Du coup, je regardais ça, je me suis dit mais tu vas pas leur apprendre ça dès le début, gros. Il <laughs> y, a... Si y a moyen de se faire, faire une comme, une crise parouc, <laughs> comme vous voulez faire comme Farouk dans une de ces vidéos, vous faites ça, vous enchaînez les rolls et vous mettez du yo à la fin. Vous voyez, vous pouvez tout mixer, tout en mettre du yo dans toutes les inclinaisons. C'est vrai le yo ça peut se mettre partout les gars voilà mais euh, Dès en que fait... vous êtes à, à l'envers vous mettez un yo vous voyez ça donne tout ça a fait pas que à l'envers hein. à l'endroit aussi ouais mais à l'endroit c'est démodé mais d'où c'est démodé t'en vois beaucoup toi euh, justement on n'en voit plus <laughs> j'aime bien quand vous montrez avec un vrai wow. un ah, vrai quad je crois en parallèle le mouvement qu'il a. Je sais que je trouve plus facile de comprendre quoi faire voir les sticks, je trouve moins parlant visuellement. Bah en fait là, c'est visuel les gars, mais il y a les sticks, n'oubliez pas. Regardez bien mon écran, il y a les sticks en bas. On les voit sur le live. C'est exactement ce qu'on fait sur nos radios. Donc que vous voyez nos doigts faire ou que vous voyez la position, normalement ça voudrait vous dire en, en gros, on est censé tous savoir c'est où le yo, c'est où le throttle, c'est où le pitch, c'est où le roll. Et du coup, bah, instinctivement, moi, quand je vois Marius bouger, je sais ce qu'il a utilisé. Quand, juste en regardant les sticks, quoi. Donc c'est vraiment de ça qui, que vous devez vous servir, les gars. Ah oui, ça, je l'ai montrer les... euh, euh, Voir le quad, genre euh, comme sur la vidéo euh, que j'avais fait sur euh, chez Culture FPV, là où je fais le yodrift le yo -yo -drift. Que, à part ça, moi j'ai jamais fait de, de tuto trick hein, en vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, je sais pas, moi, euh, moi j'ai pas de enfin, j'ai pas de blocage de ce type là, du sens où genre, ouais, je dois le voir de certaines manières pour euh, pouvoir le réussir, etc. Je sais que enfin. Quand on se casse vraiment la tête sur... Euh, sur, sur là, bah, moi je sais que Marius, imaginons, j'aurais vu un truc qui m'aurait vraiment plu, bah, je l'aurais harcelé pour qu'il me dise c'est quoi qu'il a utilisé ou un truc comme ça. Donc euh, quand vous voyez un, un pilote euh, faire un truc qui vous intéresse et que vous n'arrivez pas à, à le décortiquer en voyant la vidéo. Franchement, n'hésitez pas à lui poser la question. En général, ils sont tous sympas. Moi, perso, ceux que j'ai rencontrés, ils sont vraiment tous sympas. Et je sais qu'une question, ils n'hésitent pas à vous répondre. Après, ça peut prendre du temps des fois, mais c'est normal. Il y a plusieurs questions qui sont posées aux gros pilotes. Et du coup, bah, dès qu'ils ont le temps, ils vous répondent. Mais en général, franchement, ils sont tous sympas. Ils n'hésiteront pas à vous dire c'est quoi qu'il faut utiliser. Mais il faut pas se brider à, à se dire oui, bah, oh. je suis obligé de regarder les doigts du mec pour, euh, pour, euh, pour y arriver ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, pour trouver un trick, des fois, on le fait carrément au pif. On ne sait même pas ce qu'on a utilisé. Mais on essaie de décortiquer par rapport à ce qu'on a vu, de le move qu'on a vu. Bah, on essaie de savoir qu'est-ce qu'on a utilisé. En général, on y arrive toujours à retrouver. Hein. T'en penses quoi toi Marius c'est ça non Ouais bah ouais mais en fait c'est que On commence à connaître un peu euh, Presque je dirais pas toutes les figures Mais toutes les Ouais tous les euh, axes Les combinaisons en fait ouais. ouais Et du coup maintenant quand on apprend une nouvelle figure C'est pas une nouvelle figure en tant que telle C'est un nouvel enchaînement en fait Et on mixe euh, tous les axes pour faire un nouveau euh, Enchaînement qu'on appelle un nouveau tricks parce que Ouais c'est clairement des enchaînements en général C'est dur d'inventer un nouveau trix à part entière à part si tu te sers, bah non, tous les axes ils ont déjà utilisé par tout le monde. En vrai, tout le monde a déjà fait euh, tous les tricks qu'on pourra faire, à mon avis. C'est juste des enchaînements et des combinaisons nouvelles qu'on pourra inventer. Puis ajouter notre propre flow, c'est vraiment ça qui différencie, quoi. Du coup, tu leur as montré le double juicy flick Lequel Ah, le double. Le double back, là oh Non, le double normal. Ah, je suis tac. Tac. Mais ouais, tu peux leur montrer. En gros, là, euh, Marius, il va vous montrer un trick. Et c'est, on va dire, euh, ce qu'on peut obtenir quand on tryhard énormément le simu et qu'on essaye et de, de trouver un trick. Non, mais même si tu le réussis pas du premier coup, c'est pas grave. Ouais. C'est un truc que tu as développé dans ton coin, etc. C'est ton premier, donc c'est cool. Il l'a appelé le double pitchback. En gros, c'est un juicy flick suivi d'un pitch arrière. Là, on enchaîne double, double pitch arrière ou avant Double pitch euh, avant, arrière. arrière, double pitch ouais. arrière et on finit avec un U à plat, inverted. C'est super tricky, c'est pas le genre de trick qu'on va vous apprendre aujourd'hui parce que c'est super compliqué à le maîtriser. Il faut d'abord maîtriser toutes les parties de ce trick, mais c'est vraiment euh, la finalité de ce qu'on peut faire. En gros, quand tu atteins un certain niveau dans l'entraînement et dans la maîtrise des tricks et quand on a plusieurs, bah, tu peux vraiment créer des combinaisons assez what the fuck qui vont vraiment euh, qui vont vraiment euh, impressionner les, les, les gens quoi et c'est vraiment ça qu'on recherche à faire quoi ouais bah c'est exactement ça quoi adrénaline ouais. c'est ce qu'on fait aussi dès qu'on fait un truc qui nous, qui nous plaît il y, y a il de l'inspi aussi envers les, les, les pilotes qu'on qu adore c'est normal tu vois mais il y a beaucoup aussi de de, de de moves que tu fais comme ça un peu par hasard et ouais il te plaît et tu as envie de le faire quoi surtout en plus tu as implanté un flow euh, particulier et tu sais que ton ah. trick quand tu vas l'apprendre et eh ben c'est avec ce flow là que tu vas le faire tu vas le faire quoi oh j'invente un nouveau truc quoi thema tu as ma vu le stuff ou pas? Ouais, ouais. Attends. Ok. Vas-y. Ah, ouais, stylé. Ah, stylé, bah voilà, une autre oh combinaison, les gars. <laughs> il est tout content, regardez-le. Oh, il est trop stylé! <laughs> il fait des roulés-boulés au sol quand il est content, <rire> Marius. <rire> oh putain. Du coup, les gars, ouais, si vous avez encore des questions par rapport aux tricks, par rapport à, franchement, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait le tour des deux tricks. Euh, vous avez de quoi bien les bosser, je pense, en regardant les vidéos. Là, maintenant, si vous voulez qu'on les refasse, si vous voulez qu'on fasse ce que vous voulez, si vous voulez euh, des démo, démonstrations de, de comment, euh, euh, comment, euh, je sais pas, euh, utiliser tous ces tricks en même temps, comment les, les combiner. Euh. Alors, on, peut, on peut vous montrer ça si vous voulez. Parce que, après, le tout, c'est bah, bien de se faire un répertoire de tricks et tout, mais c'est pas de les faire en mode euh, voilà, j'ai fait un juicy flick, après tu fais autre chose. Non, c'est vraiment entamer une ligne et sur l'instinct, comme ça, bam, tu le places parce que tu l'as déjà en full euh, sur tes doigts. Du coup, tu sais comment le faire, et là, bim, tu, tu vas placer ton juicy flick stylé. En plus, tu essayes de le varier. Si tu veux tenter un autre trick dans la même ligne de... qui ressemble, tu es obligé de le varier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé les, les variations, quoi. Ah, c la race en vrai, ça, ça aide. Hein. Moi je, je, je oh. sais qu'il y a beaucoup de raceurs qui me font kiffer hein, dans leur freestyle. Hein. C'est pas souvent du juicy, c'est aussi du freeride. Regardez Kylian. Kylian, il fait, il franchement, il m'a impressionné sur Liftoff. Hein. Il est super son freestyle. Hein. Pourtant, c'est un raceur et euh, bah, il a l'habitude de, de faire de la race. quoi. Mais euh, moi je pense que ça veut rien dire. On a beau être un raceur de base, un mec qui fait du cinématique. J'ai vu par exemple. Pika FPV faire du freestyle et sérieux les gars, c'est super propre. Je m'attendais pas à, à ce que Pika euh, qui fait que du ciné, on le voit que faire du ciné. Bah en vrai, voilà, il, il a fait, il m'a envoyé un rush freestyle et franchement, c'est super propre et super quali les gars. C'est pour vous dire, il n'y a, y a pas de raison, c'est pas parce qu'on fait que du ciné qu'on peut, on pourra pas faire du freestyle euh, très agressif avec du flow, etc. C'est vraiment les gars, de l'entraînement, du tryhard et il faut le vouloir aussi. Donc, euh, nous on kiffe parce que voilà, euh, ne serait-ce que bah, tout le retour que j'ai de votre part, de, de, des commentaires et tout, moi c'est vraiment un truc, c'est limite, c'est comme ça, c'est ça mon salaire les gars, vraiment, je ne recherche pas vraiment à, à faire de l'argent dans l'FPV ni quoi que ce soit. Mon pur plaisir c'est quand, quand un mec il est là, il me dit putain, ton style il est vraiment incroyable et tout, bah, c'est vraiment les, le best des cadeaux que je peux recevoir et c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment ça. Tout à l'heure, trop me demandait, c'est comme mon plaisir dans le free. C'est vraiment ça. quoi Performer et avoir des retours derrière ce qui, qui t'encourage encore plus. quoi C'est vraiment ça. Puis voilà, comme je vous ai dit, il y a mon exemple, il y a celui d'Antoine, il y a celui de, de Marius. On est trois garçons qui ont appris à, à freestyle sur, euh, sur Liftoff. Et ça marche pour nous en vrai. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez faire exactement la même chose et c'est sûr que vous pouvez le faire. Comme je vous dis, regardez le Marius là, il ne savait pas faire un éjecte. C'est incroyable ce qu'il a appris. Euh, et pourtant, il avait. Tu combien de temps quand. quand... Quand je t'ai connu, je euh, sais pas, genre euh, au moins un an, je pense. Il avait plus de temps de freestyle que moi quand, quand, quand je l'ai connu. Et bah, j'avais quasiment, euh, ouais, j'avais tous les tricks. Et toi, tu les avais toujours pas, tu vois ce que je veux te dire. En gros, non. moi, je suis tombé, comme je vous ai dit, sur les bonnes personnes, la bonne méthodologie, les bons conseils. Et bah, voilà, c'est aller super vite. Et moi, j'ai envie de faire ça pour euh, tous ceux qui veulent vraiment un freestyle. C'est quoi que voilà, j'ai envie. Ceux qui veulent vraiment freestyle et faire du sale, il y a vraiment moyen, les gars. Et je vous encourage et il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, même en privé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, ça resterait euh, des trucs secrets, quoi. Je suis pas là pour faire les gamins, hein. j'ai 30 ans, c'est bon. <laughs> et c'est sûr que quelqu'un qui maîtrise le freestyle, bah, clairement, il pourra donner... Bah, les meilleurs conseils, quelqu'un qui maîtrise son freestyle, c'est comme pour moi le tuning quelqu'un qui sait pas piloter bah pour moi son tuning il est pas vraiment valable parce que il a pas testé les tricks justement hardcore pour pouvoir tester si son setup va résister, s'il y aura des rebonds si il est flottant, s'il y a des, des, des rebonds lents quand il balance des tricks un peu agressifs etc il y a que les mecs qui... qui qui pratiquent ce, ce freestyle agressif, qui pourront tester la machine dans tous ses recoins et pouvoir donner un tune parfait. C'est pour ça que Blackbird, pour moi, c'est le dieu du tune, en plus d'être euh, l'un de mes préférés en freestyle. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, 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 qui connaît ce qu qu'il sait ce qu'il fait. Et puis, de toute façon, on le ressent quand on teste son quand on teste son oh. X, on le ressent directement que c'est assez ouf quoi. Donc voilà. Je pense que voilà, bah, ce que fait Marius là, c'est clairement euh, oh. ce que vous pouvez faire en maîtrisant plusieurs tricks. Vous les enchaînez sur une ligne. Il y a des, moves, il y a des tricks et des moves de flow. Les moves de flow, c'est ce qu'on fait entre deux tricks. Et les, les, les tricks en eux-mêmes, bah, vous avez bien vu, c'est des moves assez, euh, assez agressifs à chaque fois, avec euh, beaucoup de, de rotation, etc. C'est vraiment un truc à apprendre par cœur, comme une, comme une poésie, on va dire. Et oh. voilà, tout ce qu'il y a entre les tricks, c'est vraiment des moves de flow. Tu vois ce que je veux dire, toi, Maristan Ouais, ouais, clairement. Mais ouais, au début sur Lift Off, quand je, je jouais, je faisais vraiment que en fait du flow. Je je sais pas de faire des tricks. Je voulais juste parce que ça me faisait kiffer de de faire des tricks parce qu'il faut les maîtriser. Ouais. ne peux pas le. là, j'ai commencé à essayer de faire des tricks. Genre, euh, tu fais du flow, tu fais un trick violent qui, qui est vraiment euh, un niveau au-dessus de, de tous tes autres tricks. Oui, bah Et clairement. Ça, Clairement, euh, Fab, moi quand je disais un tune, c'est un tune pour le freestyle. Euh, tu, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir, euh, comment on dit, euh, euh, t'entraîner à, enfin, tuner ton quad pour la race parce que la race, ça demande pas vraiment, vraiment de moves très agressifs. Tu fais pas d'inverted, par exemple, en, en race, tu fais pas des trucs euh, de ce type-là où tu vas changer ta trajectoire instantanément, on va dire. C'est souvent une ligne que tu tiens du début à la fin et du coup c'est pas ça demande pas du tout les mêmes rates pareil pour le cinématique pareil pour tout en gros il y a un tune pour tout et, et pour même pour le freestyle il y a des tunes différents pour chaque style quand tu fais du freeride t'as pas besoin d'un tune pour un mec qui fait du juice qui a sa machine ultra ultra agressive etc genre enfin ouais il y a plusieurs tunes différents mais moi je parle pour un tune freestyle il y a vraiment que les mecs qui savent bah, freestyle agressivement qui peuvent tester une machine dans, bah, dans oh, t'sais, t'sais, en testant tous les axes quoi Ouais, clairement. Bah, en fait, c'est. Euh... Ah, je sais que c'est violent, hein. Quand ouais. du... qui fait du, par exemple, du free ride, ouais. il va jamais donner un coup de de full, de full roll et il va lâcher direct. Ouais, bah, ouais, il va toujours clairement. accompagner. Alors que moi, quand je veux faire, par exemple, mon inverted euh, en partant du roll, bon, là, j'ai ouais, loupé, mais. Vas-y, fais-le, fais-le. Ah oh, merde. Euh, quand je veux le faire, bah, en fait, en réalité, vu que. Oh, je, le, je le rate plein de fois. Mais... Ouais, c'est pas grave. En, en vrai, moi quand je fais ce truc, j'ai beaucoup beaucoup de rebonds. Du coup, je suis obligé de ou pas le faire ou essayer de le faire un peu plus lent quoi. Parce que du coup, on a une machine 6S, on a beau être sous Falco, on a une machine 6S, du coup, ouais. bah, on n'a pas pu se servir du, du, du preset de Blackbird. Et bah du coup, on essaye de tuner un peu à notre manière, mais bon, on n'est ouais, vraiment pas fort, on est vraiment spécialisé dans le pilotage. Euh, on a, Pour moi, ça me barbe un peu les tunes, etc. C'est comme quand t'achètes une voiture, je suis désolé, t'as pas besoin de la tuner quoi. T'achètes la voiture et tu conduis avec. Bah moi j'aimerais bien faire la même chose avec le drone, mais c'est trop demandé parce qu'on construit déjà le drone tout seul avec des pièces à part entière et tout. On n'a jamais le même quad. Ouais, c'est normal qu'il faut tuner un minimum, mais bon. C'est vrai que c'est assez barbant pour les gens qui n'ont pas envie. Et moi quand j'ai pas envie de faire un truc en général, j'y accorde très peu de temps. Donc je connais un peu les bases, je sais que Blackbird de temps en temps il me dit il faut faire ci, si, il faut faire ça Mais comme je m'en fous un peu et que j'aime pas ça, ça reste pas en tête wow. Alors je vais lire vos commentaires les gars parce que j'ai un peu zappé, désolé C'est vraiment mon premier live les gars, je vais essayer de structurer un peu ça Je vais mater mon live plusieurs fois pour savoir quoi ne pas faire la prochaine fois etc Mais ouais franchement c'était cool en tout cas J'espère que... que mon avis sur le Lift Liftoff va vous aider, déjà que je pense pas que je l'aborde de la même façon que tout le monde l'aborde. C'est vraiment, on est là pour euh, faire, euh, faire du gros freestyle. Sinon, ça sert à rien de l'allumer. Hein, Marius, quand tu vas pour chill, ouais. tu l'allumes pas liftoff. Désolé, non, tu allumes un autre jeu. Bah, ouais, bah c'est sûr. Si tu... Même si tu veux chill en faisant du drone, au moins tu allumes par exemple un GTA, tu vois. Ouais, tu peux voilà. vraiment chill de où, tu vois. Tu voilà. peux vraiment faire ce que tu veux. Exactement, t'as trouvé la bonne réponse. En vrai, pour chill, voilà, t'as une map comme GTA, tu peux faire ce que tu veux, te balader où tu veux. Ouais, c'est kiffant. Mais pour tryhard, GTA, c'est pas... pas terrible. Moi, GTA, j'aime euh, pas la physique, ouais. mais j'aime bien mon... le... Ouais, la physique, elle est, je trouve vraiment... La physique, ça va pas. Ouais, Jimmy, le problème, c'est que nous, on a des, on a des quads hyper, hyper lourds. Et du coup, si on reste en 4S, <laughs> on a aucune puissance, quoi. Pour du free smooth, en vrai, euh, moi, je sais que même un, un quad tuné à peu près J'arrive à faire du smooth avec. C'est pas facile. C'est pas, pas dur de faire du smooth en vrai. Le smooth, tant que t'accompagnes tes mouvements, bah, il y aura pas de rebond, il y aura rien en vrai. Parce que t'accompagnes tout ce que tu fais quand tu fais du smooth. Ouais, c'est sûr. Bah, le smooth, tu fais presque. Je dis pas avec tous les tunes, mais en tout cas, c'est. Tant que ton quad ne vibre pas. Ouais, clairement. Peux... Ah ouais. 800 grammes en 4S, non mais. Ah oh oui. ouais, mais 800 grammes <laughs> en 4S, tu dois pas. Tu vas avoir des petits soucis, non Parce que moi j'avais ça à l'époque. Nous on a kiffé je... euh, on, a, on a, en fait en gros euh, moi je suis passé en 6S parce que bah, je suis passé sous DGI et sous Hero 7. Bah ça fait un quad assez lourd et du coup bah euh, ça commence à faire lourd pour un petit setup 4S, tu vois. C'est ouais. pas c'est pas que ça fait lourd dans le sens où genre, tu pourras pas freestyle mais sur un, un gros rewind où tu dois imaginons, tu arrives tu dans le sol très rapidement et tu veux tu euh, faire comme ça, ouais, si tu fais quelque chose comme ça où tu veux vraiment t'arrêter de net. Voilà, bah par exemple, tu veux partir comme ça et tu veux. Là, tu veux faire le la... voilà. Bon, là, je l'ai loupé parce que c'est. C'est mais... là qu'on sent que la machine, elle est un peu pâteau et qu'elle veut pas partir aussi rapidement. Et moi, je sais qu'en 4S, j'avais beaucoup de mal à faire ces moves-là. Je suis passé en 6S avec euh, le même setup, du coup, Hero 7 et Air Unit. Waouh, c'est devenu euh, hardcore, les gars. En plus, j'ai pris des F40 moi personnellement je, je jure que par les f40 pro 2 pour l'instant j'attends les f40 pro4 avec impatience et je vais les acheter mais pour moi les f40 ah, c'est les meilleurs moteurs de freestyle après j'ai pas tout testé je peux pas je peux pas dire que c'est les meilleurs du, du monde tu vois mais pour moi d'après tout ce que j'ai testé en 4s les meilleurs moteurs que j'ai pu tester c'était les blackbirds Ouais, clairement. Les 22.074S, ils sont insane. On sent que la, la courbe de gaz, elle a été bossée pour le free. On sent qu'il y a eu un travail derrière en amont sur ces moteurs là. Et en gros, sur les F40, moi je trouve que ils l'ont instinctivement en fait ce, ce côté bossé sur le bas des gaz. T'as un couple sur le bas des gaz en F40 qui est vraiment incroyable. Et c'est ce vraiment ce, ce couple que, que j'ai kiffé quoi. C'est, il te permet d'être très agressif, mais tout en étant euh, tout aussi smooth. En gros sur, euh, on le ressent vraiment sur un sur un split s où genre on, on monte au dessus d'un arbre, on fait un split s. Là on redescend un peu à haute vitesse et on veut s'arrêter net pour repartir. Ouais. Sans à coup sans rien. Ce du genre tout. de ce genre de move là quoi. Je... Voilà, et repartir sans à coup sans rien du tout. Limite, sur lift-off, on, on a plus de mal que le faire Ouais, euh, sur lift-off, on a plus de panne. Ouais. Parce que notre machine, en fait, elle s'y prête trop bien. Je sais pas comment vous expliquer. La moindre impulsion, et ça y est, quand on est maintenu au sol et on n'a même pas dà coup ni de, ni de barre vers le haut, c'est vraiment instantané. Et, et c'est cette puissance-là que j'ai kiffé. Il euh, y a moins de puissance en top. Pour, ouais. euh, Mais du coup, vu qu'on est en 6S... Voilà, c'est ça. Ça compense, bah, et du coup, on a la puissance qu'il faut. Sur un gros rewind par exemple, j'ai des, des vidéos où, où j'ai un, un rewind où genre vraiment je fais un arrêt net à côté d'une branche et je repars, mais le drone il repart à, à 350 et il fait un arrêt net pur. Et ça en 4S j'ai déjà essayé, c'est pas possible avec euh, ma config à moi presque à 800 grammes. Moi je vais lire vos, vos, vos commentaires, les gars, je suis vraiment désolé. Forcez un peu le i, ou plutôt tendance à mettre le i, euh, le minimum sur vos thunes. Euh, en général, le i, c'est sa réputation de, de rendre la machine plus loquée. Euh, sur sais, des rails, ouais. Voilà, sur un, sur un rail, on va dire. Donc euh, oui, ça aide, mais je sais pas, selon des tunes parce que j'ai eu plusieurs presets, j'ai eu un preset d'Omly, qui était parfait aussi, super bien, mais euh, quand tu vas trop, trop, trop dans l'agressivité. Et ben il y a des petits rebonds etc Donc du coup j'avais bah, je, je suis passé sous Falco récemment J'ai toujours pas testé Mais mes dernières vidéos sont faites sous bêta Pour savoir Pour vous dire Et on peut freestyle sous bêta aussi hein. C'est juste que Bah il y a des petits rebonds à droite à gauche Il petits... y a des petites conneries Et Moi je sais pas régler Du coup bah j'ai mis un, un tune On va dire à peu près Et ça vole à peu près bien Mais c'est vrai que Quand j'étais sous Falco X en 4S Avec les Blackbirds C'était beaucoup mieux Je vous le dis ouais, On sentait qu'on qu qu avait un setup bien réglé Vous voyez euh, ah ouais d'ailleurs en passant Airbus c'est quoi vraiment l'intérêt genre c'est vraiment exprès pour le drone mais après perso je regarde H24 des vidéos FPV sur YouTube ou Facebook ouais bah Airbus bah ouais ils ont voulu créer un truc dédié au drone tu vois pas que bah, c'est pas du tout freestyle c'est freestyle cinématique Mavic euh, un peu tout quoi ouais bah, je sais pas trop hein. moi je sais que bah, ils ont leur communauté dès qu'ils postent un truc c'est assez c'est bien vu et tout donc euh, ça marche bien on va dire mais euh, je pense pas qu'ils pourront remplacer YouTube non je pense pas c'est autre chose pour moi c'est autre chose ouais Go4s m'y arrêtes, calme-toi un peu. ouais bah Jimmy, j'avais exactement le même setup que toi avant avec les, les bébés c'est trop et, lourd. Euh, et en 4s avec euh, du coup DJ euh, en plus Hero je pense que tu es en 6. session je pense que t'es en session t'es pas en Hero7 non il a 750 grammes avec une une Hero7 je sais pas et euh, bah du coup, euh, ouais j'avais de la peine à surtout de l'opener en fait. Euh, J'arrivais de la peine à prendre la vitesse et vraiment m'éjecter et, et prendre un, être un boulet de canon, tu vois. Alors que maintenant quand je m'envoie, mec, j'ai l'impression euh, rien ne peut m'arrêter, tu vois. Et genre je peux enchaîner tous les tricks que je veux, tu vois. Et ça va toujours tout droit. Et ça, c'est ce que je kiffe le plus. Après, on... enfin, moi j'ai testé des 2207 1750 KV, exactement le même KV que mes moteurs en F40. Et je trouve qu'il y a trop de puissance en top. C'était trop abusé, les gars. Euh, la puissance du top que j'avais en, en 22.07, c'était des Hobby Wings, des moteurs. Euh, ouais, c'était trop. Je vous jure, c'était trop, les gars. Je m'éjectais, je voulais m'éjecter, euh, je sais pas, moi, précisément au-dessus d'un arbre, etc. Fallait vraiment que, que j'adapte ma courbe, quoi. Quand j'ai testé ces moteurs-là, pour moi, ils ont vraiment paru trop puissants. En fait, limite, c'était c'est useless en fait d'avoir autant de puissance en freestyle. On n'a pas besoin d'avoir des, des machines ra de race quoi. Ne serait-ce que un, un voilà un, un bon top, c'est suffisant. Un truc pour pouvoir repartir avec des, des rewinds agressifs, ça suffit. Pas plus. Plus après, je trouve que ça fait trop et ça sert à rien. Et ça suce la batterie pour rien aussi. Hein. Ouais. Ah, j'imagine que ah, il... Fabien il dit que ces machines de race, elles font 260 grammes sans la lipo. Ah, j'imagine gros. Un avion, le truc. Tu gros Ouais. Jack, nous, mec, no quoi Ils arrivent à prendre une vitesse Alors, j'imagine pas. Oh, il dit qu'il a zéro problème, Jim. C'est juste euh, qu'il vole 2 minutes 30 quoi, avec des. Airlines. Ouais, bah c'est ce que j'ai répondu. À voilà. Tiens, tu veux voler un peu F40 2306, c'est exactement ça, Fab. Ouais, bah, je finis de lire les messages et après j'attaque, si tu veux. Oui. Les Blackbirds sont géniaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est les meilleurs moteurs 4 S que j'ai testé et c'est les Xnova Hardline Franchement, j'ai jamais testé. Après, je sais que Dame, un collègue à nous de la team, les a testés. Et il en dit que du bien. D'ailleurs, il, il, il jure que par les Xnova. Et je sais qu'il pilote assez bien. Donc, euh, moi, je pense que c'est des super moteurs. Donc, euh, ouais, pourquoi pas. Xnova, c'est pas mal. Mais ouais, franchement, ah. moi, j'ai vraiment accroché sur mes F40. Je suis. C'est bon, quoi. C'est pour vous dire. Les F40 Pro4, là, qui vont sortir. Ils ont 100 kV de plus, mais je les prends quand même. Je m'en fous. 100 kV de plus c'est vaut mieux plus que pas assez tu vois yo Toto ça va ou quoi ou F60 Pro4 bah j'ai pas testé les F60 Pro4 mais euh, en général j'ai testé beaucoup de moteurs T-Motor et j'ai toujours été content d'avoir volé du T-Motor vraiment je trouve que F60 c'est trop genre les 2207 euh, ces moteurs sont démoniaques, gros ah ouais moi j'ai pas, j ai pas testé les F60 en 6S j'ai testé des Hobby wing c'était déjà hardcore mais je pense que c'est la même chose parce que c'est la même taille de moteur c'est la même taille de enfin de, c'est la même c'est les mêmes moteurs quoi même euh, même taille, c'est juste une marque différente. Donc, euh, à mon avis, ouais, les... pour, pour nous, après les gars, hein, moi, euh, on vous dit pas que c'est pas possible de freestyle. Hein. Moi, je suis de l'avis que c'est possible de freestyle avec n'importe quelle config. Tu euh, Moi, j'y crois pas à ceux qui disent ouais 4S et on peut freestyle quand 4S, 6S c'est pas bon. Enfin non, on peut freestyle avec tout. C'est juste que voilà, il y a un feeling à avoir après avec euh, le matériel qu'on utilise, et plus on utilise, et plus on développe un feeling, et ça devient dur après de changer. J'ai remarqué. Mais on peut s'habituer à n'importe quel setup et faire du sale avec. Je veux dire, euh, j'ai vu plein de vidéos de mecs qui freestylaient en, en 6 s et ça passe très bien. Euh, j'ai vu euh, des mecs freestyle en. Le seul, le seul truc que je trouve vraiment pas pas assez puissant, c'est les 23,06 en 4S. Le top devient problématique. Je sais pas si t'as dit. Même les 23,06, t'as dit 22,06. Ah, 20... ah 23,06, ouais, ouais 23,06, désolé les gars. En gros F40 c'est 23.06, F60 c'est 2207. C'est un peu la taille que oh tout le monde a ouais. sur leur freestyler. Quoi. Alors attends, je continue les, les questions. Réexpliquer le juicy flip, je débarque. Euh, tu peux en faire quelques-uns euh, pour euh, notre ami Thibaut. Ouais. Il va t'en faire quelques-uns, mais je dans tous les cas, cas Thibaut, t'inquiète, il y a la rediff, je l'ai fait, on ouais. l'a fait plusieurs fois, vraiment beaucoup de fois. Pour te récapituler un peu, c'est tu prends la vitesse tu, tu, Enfin non, là j'ai mal face tu, tu fais un, un demi euh, pitch Et ensuite tu vas plus lentement sur le roll pour euh, le reprendre en fait Donc vraiment tac, tu bloques Et ensuite tu vas plus lentement sur le roll pour donner euh, l'effet de plus de lenteur en fait tout tac, et tu vas plus lentement Et après quand tu vas réussir à avoir le bon timing, tu vas les enchaîner direct en fait Tac, tac En fait, euh, plus tu as l'enchaînement entre les deux est rapide plus tu vas donner cet effet de, de fluidité, en fait. Alors, euh, du coup, il me disait que... Bah, en gros, Jimmy, il a, la... enfin, il a une config lourde comme nous et tout, mais il, a... il est en session 5, tu vois. Ouais, mais ça change quoi À session 5, ça change quoi C'est sérieux, là Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le poids qui, qui compte justement une Hero 7 et une session 5 ça a pas le même poids gros il y a le oui mais de poids. il a dit que le poids qu'il avait c'était 750 grammes euh, moi je suis plus vers les 800 que les 750 bah moi je suis à 750 là hein. enfin non ah, 760 ouais mais comment tu as fait ça toi c'est le Vista gros ah ouais, ouais moi je suis à Air Unit, putain mais non mais toi t'es genre à 80 max hein. 780 Ouais, je suis dans, je suis dans ces eaux-là. Ouais, quand je, je fais, bah, j'ai une balance un peu, je la gosse. Et quand je le fais, bah clairement, je suis entre 780 et 790. Le 4S ça passe, mais clairement, dès que j'ai le budget, go 6S. Bah, c'est cool le 6S Toto. Franchement, moi j'ai kiffé. Il n'y a pas de raison de se priver, les gars. C'est juste une habitude à reprendre et vous pourrez freestyle. Moi, de mon avis, vous pourrez freestyle je suis passé du 4S en 6S, ça m'a pas bridé au contraire les gars, j'ai up depuis. Donc euh, moi je pense pas que ça peut vous brider les gars. Le 6S c'est une bonne une bonne initiative. Après on a un style assez particulier. Donc je sais pas, si vous faites que du proxy, je sais pas si ça a un réel intérêt euh, le ouais. 6S. Clairement moi en fait là où je en fait, je manquais pas de puissance euh, en 4S dans des spots un peu plus euh, proxy, mais quand je faisais vraiment du champ et euh, là franchement j'arrivais de la peine à, à m'éjecter sur le sol Donner vraiment de la, la vitesse à, à mes, tous mes moves euh, Et tout ça Bah Jim il dit que les F60 Pro 3 c'était trop Au niveau de la puissance Bah y a, y, Toto il dit qu'il a jamais trop de puissance en top Mais si en vrai on n'a pas besoin d'avoir des machines de guerre pour freestyle. faut juste avoir le, le, le bon ratio en fait. Plus tu vas avoir un, un setup, on va dire, raisonnable et avec la puissance qu'il te faut juste pour faire ce que tu veux, bah en gros, bah, tu gagnes déjà de l'autonomie. Avoir trop de top, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas monter le top, bah, tu vas surconsommer par rapport à ce que tu avais vraiment envie de faire. Et du coup, ça sert à rien quoi. Ouais, je pense que Toto, il, il a raison. 23,06 en 4S pour du long grain, c'est pas mal. Parce que ça consomme un peu moins. Mais il manque trop de top en 4S, en 23,06. J'ai testé sur le setup à Antoine, en plus, il avait des 23,06 à une époque. Ah, C'est pas assez puissant en top. On le sent clairement qu'il y a un problème. Alors. Je veux voler, bro. Putain, t'es pas le seul. Hein Toto, il en peut plus. Hein. Tous les jours, il m'envoie. Putain, je veux voler, je veux voler. <laughs> ouais, y'a pas de problème, Fab. Un... Bah. Euh, si, si on peut partager quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On se l'était dit un peu avec Marius depuis longtemps que bah, pourquoi pas lancer des lives et commencer un peu à, à essayer de donner la même chose que ce qu'on essaie de faire aux gens. quoi on a on, je veux dire on a les conseils qu'il qu faut on n'est pas encore au point au niveau du freestyle on est sans cesse en train de progresser les gars ouais. si, si vous nous si sinon on... on ferait plus de liftoff si ouais, on pas plus clairement hein, on, si on avait des rushs de il y a un mois comme on faisait du lift lift-off, moi avant confinement et après confinement ça a été clairement euh, j'ai up directement j'ai tryhard comme un, un connard les gars et franchement j'ai j'ai up j'ai maîtrisé des moves que je maîtrisais pas avant euh, des du juice un peu agressif que j'arrivais pas à faire avant bah ça passe maintenant bah il y a quelques ratés mais ça vient ça vient ça veut dire que c'est c'est sur euh, je suis sur la bonne voie quoi. Du coup ouais, on est encore en train d'évoluer notre freestyle mais je pense qu'on a déjà quelques bases à vous donner pour euh, bah, pour vous faire évoluer de la même façon quoi. ouais bah, euh, pas de souci Thibault hein. c'est on tout ce que tout ce que enfin toutes les toutes les, les, les phrases que, que je vois là euh, c'est vraiment ce que ce qu'on qu'on se disait avec euh, avec Marius on tombe souvent sur des vidéos euh, de mecs qui ont un an de freestyle etc et on voit clairement les, les trucs qui pourraient qui pourrait régler mais même en une semaine ou voire deux semaines tu vois mais comme il n'a pas l'info ben c'est dur de, 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 de la pondre tu vois en plus on n'est pas tous euh, dans des villes où il y a une grosse communauté de, de, de mecs qui volent qui, qui ont de l'expérience et ouais c'est clair que ça peut aider ce genre de choses du coup ben, on essaye de mettre à, à disposition l'expérience qu'on a acquérie, et pendant tout ce temps on s'est entraîné quoi euh, le bambi est sérieux quoi Genre euh, tu t'es dit là ce soir, je vais me connecter et je vais aller te dire caca sur un live euh, <laughs> 10 fois genre. Genre ça c'était l'objectif de ta vie. <laughs> eh ben. Laisse tomber gros. C'est pas mal ça. Ouais. <coughs> ah abonnez-vous à ma chaîne YouTube en plus, il a dit. Eh ben. Alors Farouk, si on vole ensemble un jour, je te ferai tester mon 6S avec des X Nova. Et pas de soucis, bro. Franchement, il n'y a pas de soucis. Si vous voulez venir voler avec nous dans le sud, les gars, quand ce euh, bah, sera plus le confinement, il a vraiment pas de soucis. Vous nous contactez un peu à l'avance, on essaie de s'organiser, euh, bah, on vous intègre directement à une session qu'on fait. Et ouais, ça peut être super cool, les gars. Moi, je suis vraiment pas contre de partager des, des, des vols avec, euh, bah, avec les poteaux du, des groupes, quoi. Hum. bah tu peux ce un hein, hein. moi euh, pour te dire j'ai deux quads euh, j'ai un freestyle et un cinématique mais c'est juste moi je lui donne le nom de cinématique en vrai c'est un quad euh, type freestyle il a des 2207 1750 kv euh, je pourrais clairement free avec mais limite du... ton quad freestyle il est plus cinématique genre avec tes ouais euh, c'est ça genre euh... mais ouais moi je préfère freestyle en 2306 du coup bah je... J'ai deux quads, on va dire, freestyle, mais il y en a un avec lequel je fais du mid et un avec lequel je fais du freestyle, quoi. Ouais, j'ai un peu la moustache qui a poussé. Un problème, Simon <laughs> Ça va être le style français, ça Après Fabien, tu peux, tu, peux vraiment, tu peux vraiment continuer sur Vélocidrone. Hein. Je te jure, il n'y a pas de souci. Tant que tu, tu, tu utilises la même méthodologie qu'on qu fait, il bah, n'y a pas de souci, gros. Il n'y a vraiment pas de souci. Je pense que Vélocidrone peut t'apporter tout autant. T'en penses quoi, toi, Marius Un Simus, c'est un Simus. Bah, en en vrai. fait, Tant que t'es heureux gros, euh, tu changes pas hein. Bah ouais, si t'as réussi à, à évoluer un petit peu avec ce Simula, bah franchement, reste dessus. Mais ouais, si tu veux découvrir lift-off, gros, on a déjà les machines pré-réglées, on a du 4S, on a du 6S, on a un peu de tout. Tu peux direct démarrer avec un quad assez bien réglé, on va dire, on a essayé de se rapprocher le maximum de, de la réalité. Ah, on n'a Et... pas proposé de télécharger ton quad. Ouais, bah je pense que je vais le mettre dans la description, ça pourrait être cool. Ouais. Mon quad, celui de Marius, celui d'Antoine. Euh, ouais, on pourrait faire ça, les gars, si vous voulez. Il y a plusieurs feelings différents. Euh... Ah, mais c'est clair, passer le confinement, je vais squatter une de vos sessions. Il n'y a pas de soucis, franchement, il n'y a pas de soucis, les gars. et Vraiment, euh... moi, c'est le kiff. Plus il y a des nouveaux, plus je kiffe. <laughs> ouais, après, même si vous êtes très loin, les gars, vous préparez la chose, même euh... en mode... Euh, voilà, dans... Euh... Vous attendez les vacances et tout, il n'y a pas de souci les gars, il n'y a pas de soucis. Gars, pas de soucis. Bah, comme, tu, euh, comme tu dis Aizen, c'est vraiment du boulot, clairement. On se tue tous les jours pour avoir ce niveau-là. Bon après quand vous, vous voyez Marius, vous me voyez un peu moins voler. On a, un peu, on a un peu le même style. On a des trucs un peu différents. Mais voilà, on essaie de, de faire un peu le, 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 même, le même style de freestyle. Du coup, bah là, je suis le chat et lui il freestyle, mais ouais, on... J'ai mal le pouce gros Tu veux qu'on alterne Vas-y y'a pas de soucis bro Moi c'était juste pour suivre je un peu les, les messages Non mais vas-y euh... continue un petit peu Ah y'en a pas tellement hein. Le sud c'est plus à 10 heures de route Ah ouais ça commence à faire loin j'avoue Voilà comme je t'ai dit euh, Si ça, ça doit se préparer on attend les vacances ou quoi Vraiment pas de soucis euh, je te jure Oh oui, bien Oxy. sûr, euh, Oxy je viens avec toi. Tu to, vas to... qui, qui l'offre le <laughs> Airbnb Quoi C'est quoi l'histoire C'est Oxy il dit ouais, que ça tu va. offres le Airbnb. Là que je galère à m'acheter des Eddies, si tu veux que je paye un Airbnb à qui <laughs> Alors, heure de lift-off, je vais vous donner l'heure exacte. l'heure exacte. Je vais vous donner le nombre d'heures exactes plutôt. Alors 498 heures. Je suis à 2 h les heures. 15 derniers jours. Les 15 derniers jours je suis à 28 heures. Bâtard. Et toi t'as combien Moi je suis en tout, je suis à 2... Deux... Ah non, c'est pas là. 380. Ah ouais Tu vas m'arrêter Et euh... Ouais, t'as vu oui, Et 23h les 15 derniers. Ouais, bah, c'est pas mal, franchement pas mal. Ah ouais non ça demande du temps les gars clairement c est... C est... Après c'est un plaisir les gars comme on vous dit on fait pas ça pas pour on se force pas à faire ça hein. nous c'est un plaisir de freestyle Je pense que moi et Marius on est à peu près le même genre de gars genre je pense que quand on, on touche à un domaine on aime bien avoir un peu du niveau tu vois dans le domaine où, où... Où on est, tu vois. Moi, que ce soit les, les jeux ou etc. J'aime pas trop jouer en mode casu. J'aime bien avoir du niveau un peu partout. Et voilà. Donc du coup, on se donne les moyens. On a Tryhard et ouais, et clairement, il y a vraiment moyen de faire exactement la même chose, les gars. Euh, ouais, après, comme je t'ai dit, Emilien, c'est souvent... Euh, bah, je pense que tu as, as bien squatté Veloci Drone et du coup, bah tu as pris goût, etc. Mais je pense que tous les simus peuvent fournir la même chose. Il euh, y en a qui sont, bah, par exemple, celui d'Orca en ce moment, il débute à peine, du coup, on peut pas trop s'y fier pour l'instant. Moi, j'ai testé, j'ai pas trop trop accroché. Ouais, j'ai testé aussi, j'ai voilà. pas... Le, le FOV un peu chelou, euh, des réglages manquants, etc. Du coup, bah c'est pas encore au point. Mais... Euh, je pense que tu peux performer sur n'importe quel simu. Euh... Ouais, on ressent le flow du 06, il a dit Aizen. Eh ouais, gros <laughs> Non, mais j'avoue que, voilà, moi, j'ai eu de la chance d'être dans cette team-là. Euh, on a... Ils ont tous du talent, les gars. Franchement, euh, vous les voyez piloter un par un. Ils ont tous quelque chose. Il y en a des plus forts, il y en a des moins forts, mais... Ouais, je suis, je suis vraiment dans une team qui, qui pousse à, à, devenir, à devenir bon, quoi. Euh, clairement, je pouvais pas me permettre de rester en mode euh, split test un, dans un champ, tu vois. Euh, non, c'était pas possible. Quand je voyais Antoine piloter, c'était clairement... Euh, J'avais envie de faire du sale, quoi. C'est ce que tu fais maintenant, plus split test dans un champ, non Ouais, ouais, calme-toi. <laughs> <laughs> de faire du simulateur 30 minutes tous les jours ou un gros training mais moins souvent en gros au début moi c'est ce que je conseillais antoine il m'a dit tu fais au moins une heure par jour au début j'arrivais à faire les une heure par jour plus j'arrivais pas tu vois parce que quand t'as pas trop trop de niveau tu tournes en rond tu fais un peu des trucs pourris et tout et du coup tu te vite de toi même tu vois mais euh, franchement les gars quand vous commencez à à Faire les premières lines en mode propre et tout, ouais, c'est là que ça vous donne envie en fait de vraiment continuer parce que vous voyez ce que ça vous fait une heure de lift-off. Alors, si, si vous commencez à, à trahir toute la soirée, ouais, ça devient un plaisir, les gars. Faut pas que vous vous forciez. Si vous n'avez pas envie de le faire, bah, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de faire du gros freestyle. quoi. On ne peut pas faire, avoir envie de faire du gros freestyle sans avoir envie de s'en donner les moyens parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tu es obligé de passer du temps énormément. Pour, euh, pour avoir ce niveau, c'est obligé les gars. De toute façon, c'est comme tout. On est obligé de passer du temps à faire quelque chose pour avoir du de l'expérience. Hein. C'est obligé, hein. Et comme je vous ai dit, oh là, le meilleur exemple que j'ai à donner, moi, c'est vraiment Marius. Je l'ai récupéré en mode, euh... c'est quoi un eject, s'il te plaît Genre même un <laughs> il qui savait pas le faire et tout et. Non, ça je savais, force ah, pas. Mec, tu le faisais comment ton Flick très basique on va, on va pas se mentir, comme ça Attends, je peux... Comme ça Non, je le faisais, je le. Faisais, oui, mais tu le faisais pas aussi propre. La sortie, elle était pas propre comme ça. Il y avait des saccades, il y avait des corrections. Euh, tu t'en rappelles ou pas Je crois que tu t'en rappelles pas, non, gros. Ouais, non, euh... mais regardez maintenant comment c'est devenu les gars c'est juste il a, voilà il s'est donné un peu de rigueur il s'est donné des objectifs et euh, c'est juste ouf mec comment il vole maintenant franchement euh, c'est vraiment le meilleur exemple à suivre c'est vraiment euh, c'est vraiment marius quoi Oui, bah, en gros, de bah, toute façon, nous, on voulait montrer que deux tricks, mais si tu veux qu'on repasse dessus, qu'on qu repasse sur les tricks en question, il euh, n'y a pas de soucis, gros. Si tu veux qu'on te remontre encore un peu, il ouais, n'y a pas de soucis. Euh, Maris, tu peux éviter de faire des, des ronds dans un champ et faire euh, le Flick et l'éjecte. <laughs> essaye de les varier, essaye de les faire au ralenti, essaye de les ralentir au maximum de ce que tu peux faire. C'est que je t'en demande un peu trop, mais. Le pareil euh, scoff doggy dog, c'est vraiment le mode c'est pareil, c'est un truc à, à bosser, tu dois, euh, es là, tu décolles, tu fais du rasmode, euh, tu prends le sol, bah tu recommences, tu essaies ton -mode, tu etc, etc, jusqu'à ce jusqu que tu sois le plus propre possible. Bah en gros, Thibaut euh, on, on va faire ça petit à petit. On, moi, c'est l'épisode 1, en fait, celui-là. Et du coup, euh, bah, on vous apprend deux tricks un peu basiques au début. Après, on augmente petit à petit le niveau jusqu'à finir avec des tricks de l'espace, comme vous avez vu Marius faire. C'est vraiment un truc qu'on veut faire en mode euh, petit à petit, tranquille. Euh, on n'est pas pressé, quoi. On ne peut pas se presser de toute façon. Je ne peux pas vous montrer, imaginons là les tricks que je viens d'apprendre récemment. Alors que bah, maintenant, ça fait presque un an que je fais du lift-off. Enfin, on est obligé de passer par une étape où il y a une propreté à avoir sur ses doigts. Il y a, y a, comme je vous ai dit, bosser le lock de la machine. Enfin... Ça sert à rien qu'on vous montre des tricks là super impressionnants, etc. Et de toute parce qu'ils qu sont très durs ouais. à faire. Tu es obligé de maîtriser plusieurs tricks avant pour pouvoir l'enchaîner justement celui-là. Et quand tu dis, enfin tous les tricks que je faisais avant quand, quand je freestyle les normales, ouais. ben c'est tous des tricks que, c'est un peu un tis, quoi, enfin je veux dire c'est tous ces tricks là que vous saurez faire, enfin je veux dire. Euh... Après Marius on a des différents, moi j'en ai des différents, c'est un peu là dedans qu'on arrive à se différencier, moi et Marius, mais euh, vous verrez que voilà, que ce soit les miens ou les siens, c'est des trucs assez pointus. Il faut vraiment avoir du niveau pour essayer de, de, de les taper. Des fois, c'est des tricks qu'on enchaîne à, à plus de 1000 degrés, à 10 cm du sol. Et il faut tenir euh, tout le long à 10 cm du sol. Enfin, ouais, c'est des techniques à apprendre, les gars. Moi, je pense que déjà, l'éjecte plus, euh, plus le, le juicy flick, vous le bossez, vous le bossez, vous le bossez. Et la prochaine fois qu'on se voit en live, les gars, moi, je vais prendre des nouvelles de. Bah de tous ceux qui l'ont tryhard, je vais poser des questions et tous ceux qui l'ont bossé, bah si vous voulez les gars, vous pouvez même m'envoyer euh, des vidéos bah de votre session lift off que vous avez essayé les tricks en question et je vous les valide ou je vous les valide pas, il n'y a pas de souci les gars. Ce qu'on faut... peut faire aussi, euh, j'avais une idée, c'est qu'on pouvait genre à la fin du live euh, on, on ouvre le on ouvre lift off et on tous Donc ceux quoi. qui veulent venir euh, ils nous montrent euh, ce qu'ils font quoi. Ouais d'ailleurs ouais. Bah après le problème avec ça, c'est que là par exemple, on est 53 sur le live et il y aurait que 4 ouais. places. Ça, fait, ça va faire des, des, des frustrés. Donc, euh, à mon avis, les gars, venez comme ça par hasard. Imaginons euh, demain, il n'y aura pas de live. Ce pas tous les jours, tu vois. Donc, euh, demain, il n'y aura pas de live. Vous savez que nous, on s'entraîne tous les jours. Je vais vous partager le Discord de, du crew et je vais vous partager ma machine. Je vais tout vous partager. Et si, Les gars, si vous voulez rejoindre, n'hésitez vraiment pas. Faut pas avoir honte. On est super sympa. Euh, on agresse personne. Euh, sans blague, euh, on est vraiment très ouvert et super euh, drôle en plus. On fait des blagues, on fait des conneries. Ouais, voilà, Farouk, des fois, c'est pas très drôle. Hein. Calme-toi. <laughs> Le mec, il a 30 ans, mais on en dit encore un enfant, quoi. Ah, les gars, j'avoue que je suis un peu un gamin. J'ai 30 <laughs> ans, euh, mais on dirait pas. Je suis pas de gosse. Hein. Je pense que vous avez compris. <laughs> Pour travailler d'autant un simu, je pense qu'il faut pas avoir de gosse. C'est super compliqué après une fois qu'on a une vie de famille. Moi, déjà, je suis marié et tout. Et je sais que des fois, quand on squatte un peu trop, ma femme elle me tire les gros yeux. Je regarde si. Ah, tiens, elle a vu. <laughs> ouais, voilà, c'est normal, les gars. On rentre du travail. Moi, je sais que voilà, je rentre du travail, je vais me laver et tout. Et bah, j'enchaîne le simu. Des fois, je m'arrête plus. C'est trop un kiff, les gars. Vous vous rendez pas compte à quel point on prend plaisir à faire ça. C'est vraiment un truc à part entière le freestyle. Comme je dis souvent à Marius, c'est vraiment un art qu'on essaie de développer et on est tous là pour mettre un peu sa... sa marque de fabrique. On a tous une marque de fabrique cachée. Je le sais parce que à chaque fois que j'ai vu quelqu'un sortir du lot en freestyle, et ben, il avait sa patte. Et c'est vraiment ça que, que j'essaye de faire avec euh, ben, ceux qui veulent apprendre un freestyle, quoi, clairement. Hein. Il ah, y a grave des gens allez vous abonner à ma chaîne et tout. Ça va, les gars? Abonnez-vous à la mienne déjà. Oh. <laughs> non, la mienne. Ouais, celle de Marius aussi. Les allez. gars, j'ai moins d'abonnés. Si vous <laughs> si vous abonnez tous sur le live, je suis presque à 500 abonnés, les gars. Ah. Ouais, comme dit Oxy, c'est vraiment des barres de rire notre Discord. Ouais. On a tous les profils, Surtout les quoi, gars. Il... On a des Quand il est là, des... c'est encore plus drôle, quoi. <laughs> J'avoue, Oxy, il est assez marrant, les gars. Ouais, c'est vraiment le plus drôle. C'est Putain. Mais ouais, on a des gars d'un <laughs> peu partout, les gars. Où vous allez rencontrer des gars de, de vraiment partout dans la France. Euh, ouais, c'est notre, notre Discord. Il est assez, euh, assez cosmopolite. Pas hein. oh, c'est termes. Tu peux nous remontrer ce qu'est un éjecte. J'ai pas suivi le début du live. Montre-lui l'éjecte, gros. Ouais, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. c'est le tu... avec ta voix. Tu veux que vois. je prenne le relais ou, veux... ou tu veux le vas faire Vas-y, je, f... je le fais. Après, je le fais. Ok, vas-y, vas-y. Euh, parce que peut-être si je l'explique de ma manière, après tu l'expliques de la non tienne. Non, tu non vois. mais c'est exactement la même chose, mec. Ce qu'on fait. Tu, tu, prends de la vitesse. Et, oh ouais bon, il faut d'abord prendre de la vitesse, tu vois. Voilà, d'abord. Parce que nous, on le fait plus droite, rapidement, voilà, en fait. Bah, je vais voilà. essayer de te décortiquer. Tu te mets sur une ligne droite, tout d'abord. Et là, voilà. tu vas chercher la vitesse et tout d'un coup, t'envoies en fait. D'un coup, en C'est ouais, vraiment... vraiment ça. Tu sens qu'il y a une inclinaison vers le sol qui va chercher la vitesse et c'est cette inclinaison vers le sol que tu vas redresser avec un arrêt net. Pour avoir cet effet éjecte en fait. Tu as vraiment l'impression que tu as éjecté ton quad. Et en gros, ce qu'il fait aller loin, c'est quand tu préserves après ce petit filet de gaz à la fin pour justement euh, prolonger. Je sais pas si vous voyez, regardez bien, ces... regardez bien les sticks, parce que moi je regarde les sticks là par exemple et je vois clairement en fait le move. Vous voyez qu'il y a une grosse impulsion de gaz, là les gaz redescendent à, à peu près 30%, et c'est le pitch qui prend le relais pour arrêter directement au milieu. Voilà, essaye de te balader ouais, en éjecte, comme ça ils voient vraiment c'est quoi des éjectes Et du coup, y a, bon, y a, comme on a dit euh, tout à l'heure, il y a plusieurs sortes en fait Il y a vrai. vraiment l'éjecte qui passe par dessus quelque chose Par exemple là, je passe au, au dessus de l'arbre Celui ou qui celui passe celui -là, en dessous là, là. aussi Ta Ouais voilà, au dessus là Et il euh, y a vraiment, il y a celui qui donne la vitesse au sol en fait Et celui-là il, il te sert à enchaîner des figures au sol en fait Du coup tu, tu prends la vitesse et tac, tu te mets direct voilà. sur le sol en fait Et tu fais comme si tu glissais en fait tu peux même varier avec du Yo fais -leur, le Yo Drift, tu te fais Ouais, mais ça je suis. Mais si t'arrives à le faire, calme-toi. Voilà. Là c'est une variante, on va dire que ça, en gros c'est un truc qui s'est développé à force de faire des éjectes. Bah je voyais qu'en mettant un peu de Yo ça faisait un truc stylé. Bah voilà, on le met, on le fait, et on le bosse, Attends. on le bosse et c'est devenu un truc à part entière et maintenant on l'appelle le Yo Drift et c'est clairement. Voilà. Oulala, là là, c'est loupé. Ouais, il est un peu sur, il est un peu sur la, la tranche celui-là. Voilà c'est vraiment un truc qu'on on, on déclenche, ça veut dire qu'on fait le gros coup de pitch qui va déclencher justement l'arénette Et là en fait il n'y a que du yo et on a l'impression de glisser en fait sur le sol Vas-y tu faire un peu <coughs> Attends, moi j'aimerais plus faire du mid, range et cinématique mais je ne sais pas quoi bosser exactement en priorité. Bah pour le mid-range et le cinématique, tu as juste à bosser ton... ta propreté sur ton statistique sur ouais. Ça veut dire que... Moi, j'ai un, un... un tour de technique pour ça. C'est que, en fait, tu dois t'entraîner sur les stuffs, par exemple, de ne pas faire de correction, tu vois. Donc, de correction, c'est genre, euh, tu vas vers un arbre là. Et tout d'un coup, au dernier moment, tu as... es comme ça, tu vois. Tu, fais un... tu, tu bouges dans tous les sens, tu vois. Tu... Genre tu euh, t'es pas droit, tu vois, tu restes pas en ligne droite. Ouais, montre-leur c'est quoi des chi -chi. corrections Voilà, c'est ça. Les corrections, c'est quand c'est quand vous êtes pas stable en fait sur votre. C'est comme ça. Et là, tout d'un coup, tu, tu vas dans un autre sens pour éviter quelque chose, par exemple, tu vois C'est vraiment quand vous voilà, vous faites je beaucoup je de faire, droite gauche. Bah, on a trop pris l'habitude de loquer notre appareil, ça veut dire d'avoir des, des, des trajectoires euh, linéaires du début jusqu'à la fin. Et du coup, ça nous est difficile de faire des corrections de nos jours. Mais c'est pour vous dire à quel point bah, le travail peut carrément inverser la tendance. Et du coup, moi, ce que je te conseille de faire, ah, c'est euh, en fait à chaque fois que tu fais une correction et qu'il t'envoie une, tu, re tu, tu respawn en fait. Et, et du coup, là, tu t'entraînes, tac, et là, par exemple, tu, tu prends une ligne, tu suis une ligne, et tu fais ah mince, ah moi, j'ai pas suivi cette ligne, voilà, là, là, Donc là, tu, tu recommences. Ouais, clairement, c'est une bonne façon de. Là, tu, tu fais des corrections, ah, là, tu recommences, tu vois, et là, si, du coup, ça va te forcer, si tu veux voler, euh, plus en faire en fait. pas et compris, ça, ça va C'est quoi mon pavé Je crois que c'est ton quad. Ah ouais Sur Liftoff. Ah d'accord ouais, c'est vrai qu'il est assez lourd gros. Moi je l'ai fait exprès, enfin je l'ai fait pour moi par rapport à ma, à ma machine, elle est un peu lourde, tu vois, en IRL. Mais j'avoue que pour des gens qui ont des quads à 600 grammes, 650 grammes et tout, euh, elle paraît super euh, bah, super lourde quoi c'est vrai. Donc euh, moi je pense que ouais partir sur euh, le setup de je sais pas... Antoine il a un setup analogique. Euh, et il freestyle en session 5, donc je pense qu'au niveau du poids, il a dû s'approcher de son quad. Et à mon avis, je pense que celui d'Antoine aurait plus le feeling d'un quad qui est euh, 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 classique. classique, classique on va classique. dire, genre pas lourd quoi. C'est juste un 6S, il aura juste une lipo un peu lourde, on va dire, mais c'est tout. Il n'y a pas le Air Unit, il n'y a pas l'Aero 7. C'est le Jade V2 euh, je sais pas comment il l'a appelé, mais il me semble qu'il l'avait partagé. De toute façon, euh, je pense que je vais les mettre dans la description, les gars. Si ça y, ouais, ouais, est, une... si ça y est pas aujourd'hui, ça y sera demain dans tous les cas. Et je mettrai euh, nos trois setups à moi, Marius et, et Antoine. Ouais, clairement. Euh, bah, Marius, en fait, il a les mêmes quads que moi. Du coup, il a quasiment le même quad, on va dire, dans le sens où, genre. Euh... Euh, on vole avec euh, les Air Unit aussi Enfin on est tous les deux en HD On est tous les deux en Hero Lui il a une Hero 6, moi j'ai une Hero 7 ouais. Et on a une frame en 230 Toilet tank Truex Moi j'ai le XB230 Que j'adore vraiment et, euh, en, euh, et Marius a le, le Dame Dame. c'est la frame du crew Et en gros c'est un, un Toilet tank euh, et, ouais, Pour moi c'est comme un frère jumeau Du XB avec une autre forme mais c'est le même feeling et en plus Damdam il est hyper gentil donc euh, ouais, est il est hyper gentil et franchement c'est 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 un bon pilote pour quelqu'un qui fait des frames franchement t'en as pas beaucoup des gars qui font des frames et qui sont super forts au pilotage lui franchement il est vraiment très bon j'aime bien le regarder piloter quoi Euh, McFly, euh, ouais. mon quad maintenant il fait euh, euh, environ 760 grammes avec le, le Vista. Moi ouais, il est entre euh, 780 et 790. Parce que j'ai un Air Unit, pas un Vista. Ouais, clairement, la frame de Dame. Euh... Il a fait un truc vraiment stylé quoi. Il s'est fait chier en plus. En live. Hein. Est eh oui. oh, es on est là, malade. Et oui. On est encore en live. Bonjour. Tu peux t'occuper des questions, euh... Euh, Marius ah Ouais, ouais. Ah, les gars, c'est Tarik, alias Crazy FPV, qui vient de rejoindre. Vous êtes des grands malades, bientôt 3 heures de live. Oh, oh c'est pas oh. grave, nous, de toute façon, c'est ce qu'on fait d'habitude. De toute façon, on a les soirs. Ouais. <laughs> Donc là on le fait en live, un en, en même temps on donne des bons conseils aux gens, du coup c'est stylé quoi J'avoue Le oh, McFly, nous on est en, on est en Hero 6, enfin moi je suis en Hero 6 et Farouk en Hero 7 Du coup le même poids quoi Ouais Putain mec j'ai mal au pouce, ça fait vraiment ouais, deux heures bah, que je suis en train de, de freestyle gros Ah il est éclaté mon putain des questions euh, n'hésite pas à les rayer il ouais, hein. euh, a Fabs qui demande euh, quelle est la différence entre euh, entre un quad de, de type bus et toilette tank mmh, le feeling pour moi le feeling au niveau du yo il est un poil différent et en fait en gros euh, moi j'ai testé les deux et en fait en gros dès que je commence à faire du yo je sens qu'il y a une différence c'est ça qui me perturbe en vrai mais il a aucune différence Si t'apprends avec un bus, tu pourras faire euh, tout autant de choses qu'avec un toilette-tank A mon ouais, avis hein, Moi je pense que c'est juste une d habitude, d habitude en fait Ouais, ouais, ouais. c'est ça Et puis il euh, y a Boonsba qui demande euh, si on a plutôt des sticks euh, euh, je veux dire peu tendus ou tendus Alors, On a des sticks, bah moi euh, le stick du throttle si je le lâche et que la radio elle est elle est penchée, il bouge tout seul. C'est Ouais. Carrément. J'ai aucune puissance sur le le throttle. Et les autres sticks sont normaux, on va dire, ils sont pas Ouais, moi c'est plutôt plutôt tendre, on va dire. Parce que au pouce, enfin nous on est pilote au pouce. Au pouce c'est quand même euh, du coup mieux d'avoir je pense un peu plus de facilité de le bouger quoi. Il y a aussi un truc, les gars, qu'on n'a pas tendance à savoir au début. Mais quasiment tous les moves se, montrent, se font avec des, des mixages de sticks. Regardez bien. Regardez bien quand je prends mes lignes, quand je prends un peu tout. Je mixe à chaque fois mes, mes, mes sticks. C'est quasiment du, du constant. J'utilise jamais un axe tout seul. Oh, j'ai cassé. C'est vraiment de ouais, constant. Je suis tout le temps en train d'ajuster mes sticks, quoi. Ouais, la team pousse, hein. Ouais, les pousses, c'est vraiment le. Je le... trouve que c'est la chose là qui, qui, te, qui te facilite le plus l'agressivité. La, ouais, de ouf, de ouf. Yo, Orby. Ça va Ah, oh, merci, Crazy, t'es trop gentil, franchement. <laughs> Je suis mort Raté Les gens ils connaissent pas ça Ils ont envie connaître On l'installe doucement oh. N'hésite pas à me lire les questions hein, si y en a. Ouais ouais, je, je regarde. J'essaie de me concentrer sur le free, mais je peux répondre aussi. Dans un euh, arbre ça, Il faut pas faire ça par contre Ça c'est l'éjectif Il faut team pas, pas faire team les gars Mazar <laughs> Vous voyez ça Ce qu'il vient de faire C'est une sorte de... de De mix De Du Peut-être que tu fais un full pitch Et tu fais un roll après Comment ça Ça genre Full pitch ouais Non full pitch C'est quoi full pitch Donc, Tu fais un, un tour ah, en petit avant Ouais bon, Ça c'était un peu loupé quoi. Ouais c'était un peu loupé ça c'est une combinaison en vrai. Je fais un merde. Je fais un pitch avant, entier, et j'enchaîne avec euh, juste derrière. Mais vraiment, il faut que quasiment ils soit assemblés Regardez, je fais un tourbillon. Les Crazy, euh, je le connais pas du tout, il dit qu'il adore ta moustache. <laughs> je sais pas du tout qui c'est mais ouais il adore ta moustache. Voilà, wow, si ça classe sur la moustache ça veut dire que la prochaine fois faut que je l'enlève déjà Parce que là vous savez pas les gars Mais ça prépare des mêmes là Ça m'a menacé et tout de base oh, Le Mister Style du 06 Comment ça Mister Style Ah parce que la moustache hey. Voilà le genre de truc que j'aimerais bien tenter en vrai les gars Mais putain Si tu loupes ça tu l'oublies hein ta machine. Ah ouais mais elle là oublié Tu <laughs> l'oublies. Vas-y à c'est hein. Premier jour. Il <laughs> <laughs> y a fa parce qu'il demande euh, quand tu stresses est-ce que es, vu que tu pilotes au pouce tu trembles dans tous les sens. Un petit peu là je stresse énormément par exemple je suis pas à l'aise clairement je suis... voilà euh, d'habitude je m'en fous de de faire un peu du caca des fois je crache souvent mais là ouais comme c'est en live c'est normal que ça me stresse un petit peu mais oui j'ai ce j'ai ce truc là mais en fait vu, as, tu prends l'habitude sur tes pouces en fait et euh, même si tu trembles enfin t'es un peu stressé euh, tu arrives à prendre le dessus et freestyle euh, comme d'habitude il euh, y a McFly qui demande euh, la radio ta radio Farouk c'est quoi c'est une jumper T16 et puis euh, moi il me demande euh, si c'est une footaba, moi je veux le en... Moi je suis la, la pire radio de schlag. <laughs> en vrai c'est bah, pas... bien parce que ça peut prouver aux gens que voilà c'est pas vraiment la radio ouais. qui va déterminer quoi. Ouais non je suis pas en footaba, je suis en X9 Lite. Et euh, En fait j'ai changé les gimbal pour les, les M7, donc c'est les halls de la X97, la X7. Mais du coup ça j'ai dû faire un mode pour les rentrer et du coup j'ai printé un truc autour et euh, ouais donc c'est vraiment Schlag. mais ça marche. <laughs> ouais ça je pense c'est à peu près tout hein si je voulais que je vous refasse l'éjecte je refasse le tout ici flic. Scoff qui demande euh, comment on fait pour euh, que le drone ne prenne pas de hauteur. C'est-à-dire genre pour euh, faire ça bah, je sais pas en fait. Je parle de sur quel tricks en fait. Euh, Scoff Si tu parles de celui qui est, euh... celui qui est quand tu te mets à, à l'envers en fait, bah il faut vraiment donner un coup de trottle quand tu es à l'envers pour que tu restes plaqué en fait sur le sol. Lequel Quand tu te mets à, à l'envers. Ce que tu viens de faire juste avant On a le fait. Regardez, regardez par exemple les gars, ce que je vous dis de faire un trick 200 fois. Vous avez vu celui-là Je le fais souvent. Hein. Mais pourtant des fois il a des ratés. Ouais mais il est trop dur lui, c'est vraiment le plus dur je pense à prendre le timing. C'est pour vous dire que à quel point il faut tryhard tryhard et tryhard pour le maîtriser. Regardez des fois ce que j'arrive à sortir. <laughs> Donc ouais, ouais. clairement les tricks les gars c'est 200, 300 fois, 400 fois ce tricks là par exemple. Allez, je l'ai fait au moins au moins 20 000 fois. <laughs> vas vas-y fais le double pitchback. Le double pitchback Ouais, ah ouais, euh, le truc ça que... m'a réussi, allez. Vas-y. Je sais pas s'il va passer, gros. T'as l'impression Attention. Ouh, ça va. Ah bien joué. Il y a qu Guico qui te demande, ouais. Voilà ce qui me fait faire le, le petit jeune. Il <laughs> y a qui te demande est-ce que t'arrives bien à régler euh, la sensibilité des... des sticks sur la la T16. C'est-à-dire. J'imagine euh, la dureté des sticks et tout Ah la dureté oui Oui franchement ouais, ça me convient totalement ce que j'ai D'ailleurs euh, les gars petite astuce Si vous pilotez euh, Bah tiens je passe sur toi Marius On change un peu oh. Bah ouais on essaie d'alterner un peu euh, Du coup bah, je pense que si vous pilotez au pouce euh, C'est mieux d'avoir des sticks très très bas Genre euh, quasiment au maximum de, de ce que vous pouvez visser Et euh, si vous êtes au pinch il faut les avoir très haut plus vous êtes bas avec le, avec, euh, avec le stick, et plus vous allez avoir de, de la sensibilité dans le pouce. Et vous pouvez aller euh, loin, en fait. Vous allez pouvoir aller très très loin dans les, dans les sticks. En fait, plus il est haut, et plus vous allez galérer, en fait, à toucher les coins. C'est vraiment un problème. Et du coup, ça va vous faire mal au pouce quand vous allez devoir forcer pour aller loin et tout. Oh. Donc, vaut mieux l'avoir très très court. Et bah, très long si vous faites euh, du pinch, quoi. Et euh, moi, je trouve que. Je trouve qu'avoir les sticks souples, c je préfère. Au moins, j'ai un contrôle total sur mon, sur mon, sur mon freestyle. Et bah, s'il y a une erreur, c'est que c'est mes doigts qui ont mal foutu le truc. Quoi. Bah, moi, ils ne sont pas, pas max desserrés, mais ils sont pas mal desserrés. Ouais, ça aide. Surtout quand tu es au pouce. Après, quand tu es au pinch, tu la force de à deux doigts, tu as la force ouais. de pouvoir forcer sur un stick dur. Mais par contre, au pouce, c'est vraiment dur. Tu as limite l'impression que ça te bride et que ça te freine. Oh là. là. Il ouais, y a, y a qui, qui dit que c'est euh, par rapport à euh, quand tu fais du Razmot. Ouais, bah quand tu fais du Razmot, euh, c'est juste il faut avoir le bon ratio entre vitesse et, et inclinaison. En fait, c'est un truc qui se bosse et qui vient euh, ouais, petit à petit. En fait, il n'y a pas vraiment de, de truc secret pour. Euh... Plus tu vas faire Tant, ça, et tu plus, plus ça ça à va être vers le Razmot, ouais, et tu. Ça devient instinctif après, hein. Ouais. Oui, j'ai les pouces qui glissent du stick McFly. D'ailleurs, ça me fait chier, ça m'arrive souvent. Pourtant, ouais, j'ai des pointes. C'est ce que ça veut dire Des pointes. Si j'appuie trop, je pense que ça rentre dans mon doigt. Pour te dire. Mais ça glisse des fois. En plus, moi, je touche à des substances un peu chelou. Et du coup, j'ai les doigts qui glissent. Et bah, mec, ouais, c'est assez, assez chiant. Ça m'arrive, euh, ouais, on va dire euh, une fois tous les 3-4 lipo Quand je fais un move vraiment agressif et que j'appuyais pas trop sur le stick, ouais, ça m'arrive. Je pense qu'il faut trouver les sticks parfaits, mais à mon avis ça doit arriver de temps Mais il te faudrait voir. tester les grands Lotus euh, les, quoi les Ils sont un peu plus de surface Non pas les Umbrella, pas, les, pas les, okay. les trucs hyper larges trop large je pense que tu perds en sensi Ouais non ça c'est ça c'est un peu, j'ai l'impression que c'est nul Mais euh, tu sais les, les Umbrella c'est avec des pointes mais plus larges. Ouais je vois J'en ai commandé mais c'était des, des M3 à la place des M4 <laughs> Orbi il a dit, putain, euh, respect les gars, moi je sais faire que des lignes droites. <laughs> ouais, ah, mais, mais gros, ça se bosse. Quelle hein, ligne est droite, tout. quelle ligne droite quoi aussi. Ça se bosse, gros, c'est tout, hein, franchement. Moi je suis vraiment de la vie où tout le monde est capable de le faire, les gars, vraiment. Tous ceux qui, qui pensent que c'est le talent ou quoi que ce soit, moi j'y crois pas. Tout le monde en est capable, les gars. N'importe quel d'entre vous, même celui qui il sait même pas faire un rôle, ben, je pense qu'il est capable de... de devenir aussi bon que ce que vous voyez maintenant là, sur Lift hein. T'as vu la vidéo de Orbi où il... où il nage pour aller chercher son drone Oui, je l'ai vu, putain, le pauvre. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Je sais que c'est la chose qui t'as pas envie que ça t'arrive, tu vois. Mec, ouais, il a dû plonger dans l'eau froide et tout, mec, l'angoisse. <laughs> Ouais, ça m'arrive tout le temps, McFly, hein. vraiment. Pour te dire, je sais pas, toi, Marie, ça t'arrive souvent ou pas euh, Ouais, en fait, moi, c'est plus qu'il glisse et à la fin de, 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 de l'enchaînement, il, il est tout en bas de mon pouce, tu Ouais. Et du coup, je suis obligé de, de lâcher le, le stick pour le remettre au milieu, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, ouais, on a le même problème, du coup. Mais ouais les gars, Liftoff c'est la vie. Je le dis souvent, je, je le répète souvent, des fois il n'y a pas aucun bruit mec, je dis putain Liftoff c'est trop bien. C'est pour vous dire à quel point ça nous a vraiment apporté et on, on peut que remercier Liftoff. Euh, moi je pense même que si un, mec, le, si un jour le mec de Liftoff me demande un service, je lui rends direct. Ne serait-ce que pour tout ce que ça m'a apporté, tu vois. Même si j'ai payé le jeu et que c'est ça le jeu, tu vois, mais ouais je pense que... Moi, ça m'a beaucoup apporté dans mon, dans mon monde à moi, surtout parce que je ne peux pas piloter le, la semaine. Enfin, J'ai un travail qui est ch... enfin, où je dois aller me déplacer assez loin, je dois rentrer, je suis sale, je, je rentre du bâtiment. Du coup, bah, je dois me laver et tout. Le temps de me laver, c'est. En plus, comme je vous ai dit, les spots, ils sont à minimum 45 km de chez moi. Je n'ai vraiment pas le temps d'aller voler la semaine. Donc. Euh... Et je peux pas voler les deux jours parce que je suis marié et que bah, pour passer un peu de temps avec ma femme, je suis obligé de faire un jour euh, plaisir et un jour je suis avec ma femme, quoi. C'est normal, tu vois. Et ouais, c'est assez dur de. Moi, je pense que j'aurais jamais réussi à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui si j'aurais volé que le samedi. C'est pas possible. Vous imaginez un jour par semaine, même si je vole toutes les semaines, je pense que c'est pas possible. Donc non, euh, ouais, jamais... lift-off, cl clairement, c'est. Moi, je pense que c'est la, la la clé, la réelle clé pour. Euh... Pour apprendre à freestyle correctement et pas que freestyle je pense qu'on peut être très bon raceur en, en apprenant sur lift off et je pense pareil pour le free ride et même pour le ciné on peut bosser des lines on peut bosser plein de trucs sur le tout à l'heure vous parliez de foutre un coup de throttle une fois que le quad est retourné ah, ah oui oui c'est une impulsion qu'on met pour garder en fait, euh, ouais, voilà. bah garder de la gravité et pouvoir enchaîner encore des choses en l'air. quoi. En fait, c'est ça. C'est que hum, je donne mon coup de trottle et je le, je le laisse un peu quand je suis à l'envers. Et comme ça, je, je, vais pas, je vais pas monter, mais je vais rester vraiment ouais. euh, mais je pense que sur le, le sol. Le plus parlant, voilà, c'est avec le Juicy Flick. Gros. Fais avec le Juicy Flick. As vu Fais un Juicy Flick et derrière, t'enchaînes un truc. Là, tu mets une impulsion. Tu vois ce que je veux te dire ou pas Là il y a une impulsion et en fait on la voit pas, on la sent pas parce qu'on se retourne juste après, mais en gros il y a eu une impulsion qui nous permet d'encore enchaîner des trucs en inverted par exemple. Parce que en gros si vous enchaînez un juicy flick et que juste derrière vous enchaînez quelque chose d'autre, bah vous êtes dans le sol en vrai. Si vous vous servez de l'impulsion de base. Donc en ouais, gros... Si, si j'accélère pas le throttle là, vous voyez mon throttle. Bah je peux ah, rien ouais, faire, vous voyez, ouais. je suis ouais. direct dans... Il n'y a pas ce qui fait de, de vitesse de propulsion En gros c'est un coup de gaz un peu camouflé Qu'on essaye de camoufler justement Pas montrer qu'on a fait ça Et en gros ça permet de bah, C'est comme si le mec il, il s'est éjecté Et là tu le vois enchaîner 3, 4, 5 moves Que normalement au premier move il est par terre Mais en fait il y arrive bah, En gros il y, y a un coup de, de gaz caché Entre les entre les, les enchaînements Montre, Vas-y refais-le une dernière fois Pour vraiment montrer Oh il oh, est stylé celui-là c'est pour Rasta, c'est vrai. C'est vrai Asta. Et t'as <laughs> hey, vu Rasta je le fais déjà mieux que Farouk Non non c'est pas vrai ça T'as ouais, vu ce as vu ce salopard là Moi j'essaye de trouver des trucs il est une connard direct là <rire> 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 Non en vrai t'as fait une variante là Ouais mais je... <laughs> Mec je l'ai fait trois fois de suite Vas-y <laughs> vas-y attends attends C'est quoi toi Vas-y Attends il y a encore des messages gros même attends quand t'es en plein sur un trick c'est relou ouais ça m'arrive souvent en plein sur un trick c'est souvent quand tu bouges le, le, le stick et là il se lâche et d'un coup tu vois ton quad bah, se, se, se friser au niveau d'un axe et continuer sur les autres parce que moi je mets tout le temps un peu yo et genre tu sais t'as le stick qui se lâche et là t'as le roll qui s'arrête et tu as juste le yo en fait tu vois le move se devenir dégueulasse en 3 secondes quoi J'essaie de, du... de faire 30 minutes par jour de lift-off et ça paye, on progresse. Bah, clairement, hein clairement, hein franchement. Bah, imagine-toi, 30 minutes de lift-off, c'est comme si tu faisais genre, euh, je sais pas, euh, 10 batteries. Ouais, c'est 10 batteries à chaque peu Chaque jour. Hein bah, c'est beaucoup en vrai. Hein franchement, les gars, c'est pas rien, hein c'est pas à négliger. Hein ouais, J'espère que t'as compris euh, le coup de trottle du coup, euh, Mika. Bienvenue au club, je te comprends. Ok, parce que je te file avec oh. uniquement l'impulsion de base, moi clairement. Ouais, ouais, non, tu peux pas. Avec l'impulsion de base, tu peux pas. T'es obligé de surenchérir un peu sur l'impulsion, en fait. Mais c'est pas. C'est pour ça qu'en fait, on vous a montré l'éjecte au début. Parce qu'en fait, euh, l'éjecte, c'est vraiment la base pour euh, tout combiner, en fait, après. Mmh. C'est vrai. Voilà. Bah clairement, les gars, c'est ce que j'attends de vous, hein. Que bah, que ça. Que ça, que ça vous motive en fait de nous voir euh, de nous voir euh, gérer sur lift-off etc et que ça vous motive bah, à faire pareil quoi parce que c'est clairement juste des conseils à appliquer et une méthodologie à avoir faut vraiment pas y aller en mode euh, ouais bah je vais jouer un peu à lift-off non on joue pas sur lift-off on fait du simu et on s'entraîne Bon, forcément... mais si c'est vrai c'est comme non, ça franchement gros. tu forces mec moi je joue mais gros. tout je force je joue pas gros je joue à, à réussir mon freestyle mais c'est vraiment ça qui m'amuse c'est tout gros après moi ce qui m'amuse c'est quand je te clash toi quand je te fais chier <laughs> tu vois. ça c'est mon jeu à moi tu vois <rire> bah, bah, <rire> mais je m'amuse pas sur lift off gros je vois pas le plaisir en fait t'appelles ça des arbres toi en vrai si tu regardes bien c'est pas comme ça des arbres gros ouais mais après je fais des tricks meilleurs que toi et après c'est ça ah, qui Ah ok excuse-moi, excuse-moi mon, mon grand maître <rire> 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 Oulala c'est n'importe vas-y vas-y vas à toi parce que là c'est n'importe quoi nah, mais je pense qu'on va clôturer gros c'est bon, là, là on, a fait, on, a, enfin, on a montré les tricks en question plusieurs fois. Je pense qu'il y a plusieurs passages de la vidéo pour vous, euh, pour vous bosser, pour, pour faire bosser les tricks en question. Euh, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous avez des questions maintenant, si vous avez euh, un truc qui vous vient en tête à la dernière minute, n'hésitez pas, les gars. Ouais bah c'est un autre style d'entraînement McFly, moi je t'avoue qu'on on, le fait pas souvent ça, on n'est pas du genre trou-trou moi et Marius, mais euh, je sais que si tu le bosses sur la map bandeau bah clairement t'auras des facilités à passer tes trou-trous après en vrai etc, non non clairement ça marche pour tous les genres de style. Ouais mais moi bon. je le fais des fois, ça m'amuse. Il faut, il faut pas voir vraiment. Bah, c'est vrai que de temps en temps, quand on va sur la map bandeau, on se lance des défis. Ouais, celui qui arrive à diver dans le... la cage d'escalier, je sais pas quoi. Mais oui, non, non c'est. On peut tout bosser sur lift-off, clairement. C'est juste après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous n'êtes pas obligé, là, de nous de nous recopier dans le sens où, genre, faire... faire notre style. On vous impose pas du tout ça, les gars. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez du free ride du, du juicy agressif, du juicy doux. Enfin, euh, ce que vous voulez, en vrai. Là, on vous donne juste les. Quelques, quelques tricks clés un peu qui, vous, qui, vous, qui vont vous aider à, à structurer votre freestyle Mais sinon vous faites le style que vous voulez les gars Bah merci beaucoup Johan hein. C'est bah, le but hein, moi quand quelqu'un me dit que mes vidéos Le, le, le motif ouais, c'est clairement euh, C'est la, la meilleure des récompenses que je peux ah, avoir après avoir posté une vidéo quoi. Je cherche rien d'autre en vrai hein. Euh, Sorel, j'ai pas compris. Tu veux mes vidéos YouTube Bah, oh, elles sont sur ma chaîne YouTube. Là, tu as juste à t'abonner à ma chaîne. Ma chaîne, euh, là, là, tu fais juste à t'abonner. En gros, euh, tu vas dans mes vidéos et tu toutes mes vidéos. Après, c'est pas des tutos, c'est des vidéos où je freestyle. Mais euh, ouais, ça peut te donner une idée de ce que tu pourrais apprendre mmh. comme trick. Et puis, si tu vois un trick qui t'intéresse, tu peux me le poser. Euh, tu peux. Tu peux me le poser, euh, enfin, tu peux me demander de, de, de refaire ce trick là pour la prochaine fois. Tu qu'il y a pas mal de tricks que les gens ont kiffé et qui me demandent souvent de refaire, etc. Donc, ouais, ouais, nous on compte les faire déjà petit à petit, mais si, imaginons, euh, à la session prochaine, tu veux voir un, un, un trick en particulier, n'hésite vraiment pas. Euh, le triple Rubik's Cube, je vois pas ce que c'est. Le Rubik's Cube, oui, mais le triple Rubik's Cube, Attends, j'essaye, je j'essaye, j'essaye, tout à l'heure. Le triple. Attends, ouais, je sais pas, j'en t'en fais trois. Mais quoi d'affilé <laughs> <Wow. rire> tu, veux, tu veux tuer ceux qui ont déjà le tourni avec juste un ah Rubik's ah <laughs> T'en fais trois, c'est fini gros <laughs> Même toi t'as le tournis Ouais toujours en live escape hein. Bah écoute nous euh, comme je t'ai dit d'habitude on est sur, sur lift-off là en train de, de s'entraîner Donc euh, c'est pareil hein. S'il y a encore des gens qui restent pourquoi pas quoi Là je pense qu'on a fait le tour un peu Donc euh, ouais j'attends les questions un peu Euh, mais ouais, Sorel, tu peux accéder à mes vidéos euh, bah, via ma chaîne YouTube, sur Facebook. Euh, C'est Farouk FPV sur euh, tous les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook et que ce soit YouTube. Jamais j'aurais tenté de high tilt IRL sans être passé sur lift off avant perso. C'est le Simu qui m'a tout appris. Voilà, bah, un autre un autre exemple de quelqu'un qui a kill Simu, ça a vraiment réussi. D'ailleurs, quand on voit le niveau de Rasta, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à nous faire en, en high tilt. C'est vraiment impressionnant. Donc euh, ouais, regardez même pour du high tilt les gars, ça a marché. Donc euh, c'est pas vraiment un style en particulier. C'est vraiment euh c'est vraiment tous les styles qu'on peut tryhard, tous les moves qu'on peut tryhard. Euh, voilà, donc euh, essayez de, de de bosser. Et bah, j'espère qu'au prochain live vous allez me dire que ça a marché pour vous. Et franchement, bah, ça me ferait vraiment plaisir. Que ça mais marche. Tout par off pour dire ça Non, même pas. Ah oh, putain, je je peux pas, pas nous donner un peu d'argent D'ailleurs, j'ai même pas, oh, j'ai aucun contact avec, je l euh, mec. avec. Viens, on leur avec... demande. Je sais que Tariq Sinon le on connaît, que, euh, mais moi non. je le connais pas. Sinon, on dit que les drone c'est mieux. Ah, j'ai tendance à vanter les produits que je kiffe, même si je suis bah, ouais, non, aucun rapport je rigolais, avec je eux, donc ouais, c'est normal gros. Après euh... Gecko il dit c'était vraiment cool le live. Bah ça, franchement, ça nous fait plaisir que, que tu ouais. kiffes. Hein. Ouh là, là. bonne nuit à tous ceux qui y vont. J'espère que ça vous a apporté quelque chose ce live. Euh, bah pour l'instant on commence doucement les gars mais vous inquiétez pas hein. Enfin je sais qu'à partir de l'épisode 2 ça va commencer à, à faire des tricks de plus, en plus, de plus en plus hard on va dire Et ça finira sur vraiment des enchaînements hardcore que seuls ceux qui auront bossé les premiers épisodes pourront on va dire appliquer Parce que c'est à base de, de tricks qu'on a bossé déjà Le Juicy Flick revient souvent par exemple Et, et l'éjectes à chaque fois Ouais l'éjecte aussi pareil il y a plein de moves que vous, verrez, euh, que vous verrez qui vont revenir souvent et qui vous permettent d'enclencher votre, votre flow okay. quoi. Merci les gars pour ce live, j'ai été faire 145 minutes de simu entre temps, ça m'a motivé, bonne soirée ça les okay, gars. Bon, C'est bah, cool MacLive, franchement, ça fait plaisir. Hein. Plus je sais que toi t'es motivé et tout, ouais, si t'as la bonne méthode, en vrai tu peux vraiment, euh, tu peux vraiment progresser euh, gros. Ouais, la race, ça apporte aussi, ça apporte la précision dans ses lignes, ça apporte aussi, euh, bah, si tu traînes bien sûr, parce que tu peux faire de la race en mode saccadé. mais si tu essayes de faire de la race un peu à la Minchan, tu sais, bah, ça apporte le côté loqué de l'appareil, ça apporte la propreté des moves, ça apporte le côté euh, sans correction, donc, euh, ouais, la race, ça peut, euh, ça, ça peut, vraiment apporter quelque chose. Nous après, on se focus vraiment sur le freestyle, mais, mais, euh, en vrai, on peut apprendre. Euh, tout, tout va nous apprendre quelque chose. Moi, je pense que toucher un peu à toutes les disciplines, c'est bien. Si, si vous en avez de l'envie, je pense que ça peut quand même vous apporter quelque chose. bah Même pour ceux qui. Enfin, pour tout le monde en fait faire un peu de race sur Liftoff ça ça entraîne toujours pour les trajectoires ouais, des bonnes trajectoires chercher, la, la des précision trous. quand tu quand tu vois le freestyle à dark c'est vraiment ce que c'est vraiment ce que, le, ce que la race peut vous apporter la précision du freestyle parce qu'il est super précis dark x quand il veut passer dans un endroit il passe dans un endroit quand enfin euh, il maîtrise tout son freestyle de A à Z et c'est un peu comme de la race tu maîtrises, tu maîtrises toutes tes trajectoires donc euh, ça apporte ça le côté race ouais tu peux le développer avec du freestyle en faisant tous les jours, tous les jours. Mais je sais que mets, tu mets plus de temps à développer ce côté-là que si tu faisais vraiment de la race. Voilà, en tout cas, après les gars, n'hésitez pas aussi à, quand, bah, sur le, quand vous regardez la vidéo pour bosser les tricks ou quoi que ce soit, si vous pensez à un trick que vous avez kiffé ou... Quoi que ce soit, bah parlez-nous-en dans les commentaires. Et moi, du coup, je les mets de côté et je sais que bah, je les bosserai dans un épisode. N'hésitez pas, ça sera vraiment en fonction de vous. Je suis pas obligé de bosser que les tricks que je maîtrise parfaitement. Je peux... Euh, si vous me dites un trick en particulier et que je le connais pas, bah, je vais aller le tryhard un peu. Et je vous le propose, il n'y a pas de souci, les gars. Comme je vous ai dit après, quand vous avez la méthodologie pour apprendre, il n'y a plus rien qui vous fait peur. À part euh, si vous voulez vraiment faire du... du très 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 proxy juicy. Oh, ça c'est clairement du temps hein, mec, qui pourra vous qui pourra vous apprendre à faire ça. Vous pouvez pas genre en une soirée commencer à faire du juicy proxy, c'est pas possible. Il y a un certain un certain ouais, je pense à un certain level à atteindre pour pouvoir prétendre faire des des moves comme ça quoi. Triple Rubik's Cube ah, c'est trop what the fuck pour nous, gros. On n'est pas assez fort encore pour faire ça. Mais non, regarde. Tu l'as fait ou pas hey Mec, on voit plus Voilà, on comprend plus rien à ce qui se passe. <rire> <rire> ah, un Rubik's Cube, c'est déjà très énervé. Je pense qu'un seul, ça suffit déjà. Faire un Rubik's Cube assez agressif et passer sur de la douceur, c'est cool. Par contre, en faire trois d'un coup, à mon avis, c'est gerbant. Oh là là. Il là là. faut pas trop abuser sur l'agressivité. C'est juste ce qu'il faut, mais pas trop. Que ça, ça peut faire quitter les gens de la vidéo. Surtout ceux qui n'ont pas l'habitude et qui aiment bien le freestyle assez doux. C'est pour ça que j'essaie de proposer les deux dans mon freestyle, du doux et de l'agressivité. Comme ça, dès que, tu... dès que la personne elle, sent que c'est trop agressif, j'envoie du doux. Comme ça, il ne peut pas partir, tu vois. Il est obligé de rester ouais. sur la vidéo. <laughs> je suis d'accord avec toi, Fab. Ouais je suis d'accord aussi les moves trop robotiques et Trop rapides J'aime pas du tout aussi Moi j'aime bien comme je t'ai dit voilà, Varier la vitesse de mon freestyle C'est à dire ouais. le Rubik's Cube Moi quand je le fais Je peux vous en montrer un par exemple J'ai juste basculé sur mon image Moi je fais comme ça un Rubik's Cube En gros je le balance rapidement ouais, Je l'ai raté Je le balance rapidement mais avec de la douceur, vous voyez, je le balance rapidement et après je le freine. Oh merde, je l'ai raté là. Oula! Comme ça que je fais les Rubik's Cube, moi tu veux voler, Marius ou t'es plus chaud? Non, non vas-y, attends, je lis le dernier message. Il a ah, truc... ouais, euh... c'est le tél le tour de la vie, la bon, je vais vomir et je reviens. Il <laughs> <laughs> euh, ya un truc que tu peux nous faire, c'est le truc que fait Erodio. Je sais pas comment il s'appelle, mais il est stylé. C'est comme un Matty Flip, mais sur le rôle Ah le. Le... le power loop sur le roll. Power là. loop sur le roll Ouais bah je sais pas le faire du tout les gars. Tu à faire ça toi Larisse euh, vite... euh, ouais non, mais regarde, je sais pas faire ça mais je peux essayer de le prendre en main. En plus d'ailleurs HeroDio, ah. il apprend à le faire. Ouais, mais, faut faire mais un... il faut le faire avec un Il peut le faire avec un truc mais il bah, y, y a rien. un truc. Si si, il euh, y a la map oh. The Pit pour vous entraîner à faire ça les gars, sur la map The Pit. Euh, vous ah, avez Ah oui, non mais je veux dire que cette map là. Oui, mais c'est pour donner la map avec laquelle on peut s'entraîner ouais, à là, faire ça. Sûr. En gros, il y a un sorte de une sorte de toboggan Pour faire glisser de la terre Et en gros il va du début jusqu'à la fin Et en gros je pense qu'on peut le tourbillonner de façon Erodio Celui là Mais ouais clairement c'est un bon exemple Que tu donnes Erodio parce que pareil voilà, il, il a juste un peu varié le, le trick et il paraît ouf Tu vois ce que je veux te dire ou pas Des fois il en faut juste un petit peu tu, vas, tu fais une petite variante et mec tu crées un petit Un petit truc vraiment stylé quoi Il en faut vraiment peu des fois pour varier le trick quoi Bon, là, il a quand même changé l'axe. Hein. Ouais, mais c'est quand même un power loop, quoi. Ah non, c'est pas, pas facile du tout. Je sais que je l'avais déjà essayé de le faire euh, une fois. Ouais, ça partait complètement en cacahuète et j'arrivais pas. Mais j'ai pas cherché plus que ça à le faire. J'aime bien les moves agressifs en général du coup les moves un peu coulés je les fais rarement d'ailleurs vous avez remarqué je fais quasiment jamais de power loop dans mes vidéos je fais jamais d'inverted orbit euh, tout ce qui est euh, move linéaire en fait j'ai du mal à, à les intégrer à mon freestyle j'aime bien avoir un freestyle assez agressif et assez euh, robotique et tous les moves qui paraissent pas robotiques bah, j'ai un peu de mal avec donc euh, inverted orbit j'ai du mal à, à pouvoir le placer en robotique euh, pareil pour les, tout ce qui est power loop enfin euh, euh vraiment pas du genre à faire ce genre de truc quoi ouf loupé ouais mais c'est une bonne idée mcfly je pourrais essayer de bosser ça pour voir si il ah, ya moyen de rentrer euh, rapidement quoi Ah parce qu'il faut pas euh, bouger faut changer rester dans le ah je sais pas la moi, même pas. Euh... moi je le connais pas gros mais euh, je sais qu'il a un stick cam où il montre comment faire donc euh, je pense que ce cam va beaucoup m'aider Ça un peu non Ouf. Hello Henri Tu découvres quoi le, le simu Le drone Le FPV C'est quoi que tu découvres Alors <laughs> BIM m'a tué gros. Moi bon, je vais au je reviens. <rire> <rire> Je sais très bien qu'il veut faire la même chose mais à ah, complet à dire, -à -dire des bien. en tout cas ouais bah j'espère que je vais vous revoir sur les autres lives les gars je pense que ouais ça tournera toujours à Bon ce sera plus basé euh, tuto trick cette fois. Là en fait au début il fallait que je, je, je mette au point un peu mon avis sur lift-off, mon avis sur les différents simus qui tournent en ce moment. Enfin, je bon, enfin, j'ai pas d'avis à donner ni sur Vélocy Drone, ni quoi que ce soit. Je pense que c'est des simus... Il euh, y a des pour et des contre sur chaque simu. Mais je pense que tous les simus finis te permettent d'évoluer. Donc que ce soit lift-off, que ce soit Vélocy je pense que vous êtes capable de d'apprendre et d'évoluer sur le, le simu quoi mais il fallait que je, voilà je, je mette au clair les, les, les trucs je vois beaucoup de personnes passer du temps sur lift off en mode jeu en mode play et c'est vraiment pas le but quoi si vous y allez en mode de jeu vous n'allez pas apprendre quoi que ce soit vous allez juste tourner en rond et vous allez rien apprendre donc il faut vraiment y aller avec une un objectif et il faut y aller avec une petite méthodologie dans le sens où genre comme je vous ai dit si si vous si vous maîtrisez pas le côté propre de, des lines Bah vous bossez ça dès le début avant de commencer des tricks euh, Une fois que vous avez ça bah, vous commencez avec l'éject Après vous passez au juicy flick, Et c'est vraiment un cheminement à avoir faut, Avant de passer au freestyle que vous avez vu Que moi et Marius on a fait Bah faut vraiment le construire en fait à la base Faut vraiment se, 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 se donner un... Un petit répertoire de tricks, c'est obligatoire pour pouvoir enchaîner quoi que ce soit. Euh, il faut avoir une méthodologie de, de flow, comment intégrer le flow à chaque fois qu'on enchaîne un truc et tout. Ouais, c'est vraiment un truc à, à apprendre petit à petit quoi. Et en faisant ce cheminement là, je sais que ça a marché pour moi, ça a marché pour Marius, donc ça va marcher pour vous les gars. Y a pas de raison. Même pour Antoine en vrai. Hein. Ouais, Antoine aussi, ouais. Mais Antoine tu sais, c'est un peu le patron, genre... C'est euh, lui qui m'a appris à la base, tu vois. Mais genre je vois que par rapport à la technique qu'il m'a appris, moi je l'ai un peu modifié et ça a marché quand même. En gros, il y a juste quelques trucs clés, mais après euh, ça reste un feeling aussi lift off tu vois. C'est comme toi quand il va un peu, des fois tu m'as dit ouais, moi je le prends un peu à la rigolade des fois tu vois c'est pour te dire qu'on le prend pas vraiment de la même façon mais je pense que plus tu le prends en mode euh, sérieux et training et plus ça, ça va porter ses fruits et essayer d'avoir toujours un trick à bosser euh, en tête quoi bah moi j'ai pas mangé gros mais j'ai pas faim je suis un peu hypé par le par le live et ça me fait plaisir d'aider les gens moi, et, mangé juste mais avant. marius a mangé juste avant donc euh, il est bien moi, j'ai ni fumé puisque d'habitude je fume beaucoup pendant que je joue. J'ai ni fumé ni, enfin, j'ai tiré de trois. Ah ouais. ouais c'est pas ça que j'appelle fumer quoi. Normalement, j'en suis au cinquième là. <laughs> Mais ouais, c'est pas ah, grave bah, les gars. Ça bien me... alors. Hein. J'ai dit moi, c'est, voilà, ça me fait plaisir de, de, de passer ce temps là avec vous et de bah, vous donner mes conseils qui ont marché pour moi. Donc euh, j'espère vraiment que ça a marché pour vous. C'est vraiment le truc, que... c'est vraiment le but de, de ce genre de live quoi. là Vas-y, vas-y, vol, vol, vol. J'ai le pouce exposé, gros. On va, on va arrêter, de toute ouais. façon, gros. Bon, bah, les gars, j'espère que si vous avez des dernières questions à poser, c'est maintenant. Parce que ouais on va clôturer le live. J'espère que ce live vous a, vous a <laughs> ça, plu. Fait, ça fait une heure qu'on dit ça. <laughs> ouais, mais il y a toujours des petites questions et tout. Coup, ça va. Euh... Toi, tu t'es ennuyé, gros, pendant ce live Non, pas du non, tout. Non, ça va, c'était cool, non bah Ça te ouais. fait plaisir, maintenant, de partager ouais, un peu la chose clairement. que, que tu as subie pendant tous ces mois, là <rire> <rire> Bah, je pense pas que ça aide, enfin, c'est juste une habitude que j'ai moi, tu vois. Mais, mais sinon, euh, ouais, moi je sais que ça m'aide un peu. <laughs> ça aide à être plus smooth, je pense. Très mais tout non, tout. ça veut rien dire. Regardez, Marius, il est clean, il fume pas, il boit pas, il fait rien. Et le mec, il, il vole super bien, donc euh, non, ça, ça a rien à voir. Bah, merci à vous, les gars. Hein. Franchement, j'espère que là, c'était ouais. euh, bah, voilà, un peu un live en mode <laughs> en mode de bled, les gars. Mais c'est la ouais. première, les gars. Je maîtrise rien pour l'instant. Je vais essayer de bosser ça et je pense que ça deviendra de plus en plus quali. En tout cas, ça a été super cool. Euh, moi, comme je vous ai dit, même à Marius, enfin, ça nous, ça nous fait vraiment plaisir de faire ce genre de live. Euh, ça nous prend pas vraiment de temps parce qu'en même temps, on fait un peu de lift-off. Et puis voilà, nous, c'est. Là, par exemple, demain, je sais qu'on va rattraper le temps perdu, on va, on va tuer Liftoff pour. Euh... Mec, <laughs> ça fait ça fait 280 minutes que je suis en train de oui, jouer. Oui, mais là, tu restes sur tes acquis, tu restes sur ouais, tes non, acquis, tu tentes pas des trucs nouveaux, etc. Ah, non, non, là, on était sur nos acquis, on n'était pas sur un mode d'entraînement. Ouais, ah bah il y a pas de souci les gars, n'oubliez pas qu'il y a la rediffusion, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Bon, c'est un peu long. Euh, franchement, demain, je pense que je vais essayer de structurer un peu le live dans le sens où, genre, dans la description, je vous mettrai à quel moment je parle des tricks euh, en question, quels tricks, euh, Je vous mettrai les machines de moi, Marius et Antoine, euh, pour avoir trois setups un peu différents, on va dire, et que vous ayez un on va dire une palette assez large de, de, de setup lift-off mais euh, voilà ne, ne vous mettez pas en tête que lift-off a une gravité dégueulasse on s'en fout complètement c'est pas ça le plus important le plus important c'est que quand vous bossez un move vous arrivez à le placer en vrai on sait très bien que la gravité va faire retomber plus vite en vrai mais c'est pas le plus important donc euh, voilà j'espère que vraiment cette mise à jour de de, de, de ce qu'on pense de lift-off va vous aider clairement et et voilà quoi. En tout cas, euh, je pense qu'on va continuer les lives et ce sera vraiment, des... comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous poser des questions sur un trick en particulier, sur euh, ce que vous voulez. On essaiera d'y répondre, moi comme euh, Marius. Bah, vélo Drone, je l'ai testé une fois. Il m'a pas déplu euh, vraiment, mais c'est plus ouais les graphismes qui m'ont pas plu, quoi. Mais sinon la physique, etc., elle, elle était pas... Elle était pas mauvaise, hein, je vais te dire la vérité. Je pense que c'est un simu avec lequel si... Si j'ai plus lift-off, imaginons, je pense que si je me mets sur VelociDrone, ça pourrait donner le même effet. Voilà, je pense. Donc euh, c'est pas parce que vous n'avez pas lift-off ou que vous voulez pas apprendre lift-off que c'est... forcément vous n'allez pas réussir à faire comme nous, les gars. Non, vraiment, je pense que c'est possible de faire euh, sur un autre simu. D'ailleurs, je pense que... Si ça, ça tout se passe bien, que les lives marchent bien, etc. Je pense qu'un jour on fera un test, moi et Marius, en off. On testera vélo drone, on essaiera de d'envoyer un gros run dessus, à moi et lui, et on vous le postera et pour vous montrer que c'est possible aussi sur un autre simu quoi. Yeah, carrément. Ouais. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais. Après j'ai pas le jeu. <laughs> euh, ouais c'est rien, mais au pire je te le prends, c'est pas grave. Ouais, non, mais vous découragez pas, c'est pas le simu qui fait euh, le truc, c'est vraiment la méthodologie de comment vous allez bosser votre, euh, votre freestyle. C'est vraiment euh, voilà. Euh, Essayez de, de, de bien suivre ce que je vous ai dit dans la vidéo. Elle est vraiment faite pour être revue et revue et revue pour euh, vraiment bosser les tricks et, et euh, essayer de, de se mettre la méthodologie en tête. Donc euh, voilà. Bah, j'ai déjà mis au max, hein. moi j'ai un, un bon PC, un PC gamer, et je sais que, bah, je préfère la, la beauté de, je sais pas, c'est pas la beauté, en vrai, Lift Off aussi, il est pas beau, enfin, c'est pas vraiment de la beauté, on peut pas dire ça, mais c'est plus la diversité des des maps, en fait, euh, euh, je sais pas, je sais pas, enfin, j'sais, moi, j'sais, comme je vous dis, je crois que j'ai fait deux sessions dessus, même pas deux sessions, je crois que j'ai fait une demi-heure dessus donc je peux vraiment pas vous donner un avis s'il faut que je confonds avec DCL donc euh, ouais je peux je pourrais pas vous donner vraiment mon avis les gars non quand même pas bah je sais pas DCL aussi j'ai testé 30 minutes gros donc euh... pas DRL DRL ouais DRL bah t'as vu je les confonds tous gros comme je vous ai dit, moi, vraiment, je, je m'en fous un peu des nouveaux simus qui sortent. Il y, y a des autres personnes qui parlent d'autres simus, même qui parlent de Liftoff. Enfin, moi, Liftoff, ce n'est pas un sujet de discussion en soi. Euh, je sais ce que ça m'apporte et je fais, je fais mon training et puis c'est tout. Ce n'est plus une question que je me pose, en fait, si Liftoff, c'est bien ou pas bien. En fait. Je pense qu'il ne faut pas garder ça en tête, en fait, que lift Liftoff, c'est une mauvaise gravité. On s'en fout. Dans tous les cas, on ne trouvera jamais le quad. Même s'il nous faut un vrai simu, on ne trouvera jamais notre quad. Donc voilà. J'espère que bah les petites, euh, bah, on a répondu à toutes les questions. J'espère que on a éclairé un peu des euh, bah, doutes que vous aviez sur le simu. Euh, T'as un truc à rajouter toi, Marius Non rien. On a tout rien C'est bon Ouais ouais c'est parfait. Ok. Bah, bah Les gars, bah on vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez mettre en pratique un peu ce qu'on vous, qu vous a dit dans ce live. Et bah j'ai hâte de prendre des nouvelles du prochain live pour voir un peu comment ça a marché pour vous, les tricks, si vous maîtrisez l'éjecte, si vous maîtrisez le, le juicy flick, si vous arrivez à le varier, etc. Je pense qu'en une semaine, il y a moyen de le, de le choper si vous euh, si vous tryhardez vraiment tous les jours. Moi, je pense qu'il y a moyen de les apprendre les deux. Ah Alors, ouais, et puis euh, oui si vous apprenez des trucs et vous voulez poster euh, des trucs. Nous taguer dedans, et puis euh... ouais, comme même, ça on peut voir euh... même en MP. Si vous voulez, si vous ouais, voulez clairement... pas poster euh, en MP, vous m'envoyez le, le move en question. Moi je vous le dis directement, il n'y a pas de souci, les gars. Euh, même si je dois apprendre, même euh, si je le vois pas le jour même, bah voilà. En général, je regarde mes messages, j'essaie de répondre, les gars. Ouais, moi aussi. Voilà, voilà. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde, et à la prochaine, les gars. Yep, à plus, bonne soirée, les gars.